Joël Dion regarde avec vous. Bon. Ben Salut oui. Joël. Merci de te Salut. joindre à Hein, nous. je like. Ah, j'ai Ah. liké au nom des films dans le cabanon. Ah ben, oh, wow. Cric. Alexandre Lavoie. Alexandre dit... Lavoie. Fidèle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Bonne soirée, Alexandre. Bonne soirée, Steve. Merci d'être là. On a comme un tronc commun hein, qui revient. Oui, ouais, c'est, ben, c'est le fun de voir que, ah ouais. que y a du monde qui nous aime et qui ne font juste pas switcher de poste quand ils nous ont écouté une fois. Ouais. Ouais, c'est ça, puis qu'on fait jamais le même soir en plus. On a fait lundi, vendredi, là on est sur un mardi. Ouais. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais. Ben, je trouve peut-être que les débuts de semaine sont moins engorgés pour ce qui est des lives Facebook. Ouais, je sens ouais, qu'il y a quand même mal, une, jeudi, vendredi, il y a une genre de tendance. Ouais. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Fait que là, les boys, ça fait un petit bout qu'on sait pas jaser ça, autre que par chat. Oui, ben on a ouais. enregistré un épisode voilà une semaine, presque jour pour jour. On en reparlera un peu ouais. plus tard, mais qu'il y ait du monde avec nous autres, l'épisode. Oui, oui. Ouais. Ah, j'ai mauditement hâte de voir cet épisode-là en plus. Là. J'ai l'impression que ça va être un petit bijou. Salut ah, Billy, salut Christophe, salut Natacha, salut François, salut aubergiste. Qui dit j'avais scroll down. Hein. Ouais, merci Robert. Fait que les boys, vu que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, on pourrait commencer par c'est quoi les films que vous avez écoutés? Ben ouais. Vas-y donc, Joël. Ben, moi, j'ai écouté Black Panther, que je n'avais pas encore vu. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en est parlé, sans. Off the record. Off the record, exactement. Puis c'est pas. Ça va pas choquer, mais j'ai pas trouvé ça si bon que ça. Là. Ouais. C'est ordinaire, hein, mettons. Je te feel. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur de la gang, ça c'est sûr, mais c'est pas non. le pire non plus, je pense. T'sais, ça méritait-tu une non. nomination aux Oscars? Non, clairement pas. Là. Je pense je que c'est pas, un statement. Quelqu'un qui a été validé, c'était nommé dans quoi? Je m'en oui, oui, j'étais. Oui, c'est Best Picture. Incroyable. Ah. Ouais. Ouais, mais c'était pas juste ça. C'est chien pour les autres films qui étaient nommés cette année-là, on dirait. Ouais. On est comparé à Black Panther. Parce que si je ne me trompe pas, l'année d'avant, les Oscars s'étaient fait critiquer parce qu'il n'y avait aucun acteur noir de nommé. Ouais, ouais, ça, c'est l'histoire de 100 ans de, ben, c'est de ça. Ce gars-là, à peu près. Fait que je pense que leur réponse à ça. Bon, un film avec, je veux dire, Black Panther, c'est majoritairement un cast noir. Ben ouais, ok. Nominé aux Oscars, mais c'est comme. C'est quasiment. Ça fait l'effet inverse, je trouve, là. Oh, c'est, ouais. clair que c'est juste pour. Mais non, l'affaire, ouais, mais c'est quand le problème, c'est que ça, sont dans l'extrême, tu sais. Dans l'extrême pas de noir, mettons. Fait que t'as pas le choix d'aller dans l'extrême de l'autre bord pour réussir à essayer de trouver une moyenne. Je sais pas si ça fait du sens, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ouais. juste. Hey, on en a parlé souvent de ça dans le cabanon, mais c'est-tu vraiment un pas en avant quand t'as besoin de mettre le doigt sur ta vertu, de mettre le doigt dessus, là, de faire comme OK, là, notre cast est entièrement noir, puis le front page de tous les journaux. Tu sais, on dirait que ça annule un, c'est une bonne chose, ouais. vraiment. Mais ouais. le fait qu'on mette toute l'emphase du monde là-dessus. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même historique de racisme qu'aux États-Unis, tu sais. Eux autres, possible, ouais. ils pendaient des Noirs, là. Des gens dans les années 60. Je veux dire, c'est hier, ça. Fait que, tu sais, je pense que. Ben, je pense pas qu'ils en pendaient encore dans les années 60. Du lynchage. Il y avait du racisme, des pendaisons. Du lynchage, je me semble que c'est. Ça commence fort en esti. Ouais. Mais juste pour vous parler des prix que, de Black Panther, ils ont gagné ouais. meilleure musique, meilleur costume design, meilleur production design. Puis ouais. ils étaient aussi nommés comme meilleure musique, best motion picture, best sound editing, puis best sound mixing. Il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans? Pourtant, c'était bon, les effets spéciaux. Hein, Anto? Ouais, c'est le point fort. Ouais. C'est le point qu'on retient. En fait, c'est pas mal juste la passe de la fin qui était ordinaire. Ouais, il y a des bouts que c'était super beau, mais des fois, ouais. tu sais, mettons, Martin Freeman, le blanc de service, le seul blanc du film quasiment, ouais. qui est juste là pour être. Je suis un blanc, je représente les blancs. T'sais. Mais il est là, puis il conduit le vaisseau. On est le vaisseau, il se revient d'abord, c'est juste comme de physique de. Ah, ouais, oui. Physique oui. de Nintendo 64, là. Je sais pas comment dire ça, mais c'était assez. Tous les vaisseaux que j'ai vus servir de bord dans ma vie ne serviraient pas de bord de même. Ouais, mais c'est comme trop rapide. C'est comme, ouais, je sais bien que c'est la science-fiction, mais c'est trop loin, honnêtement, dans ma tête. J'ai vu ça au cinéma. Ouais. Je me souviens juste que je le trouvais overrated. C'était pas un mauvais moment. C'était vraiment pas le film qu'on nous vendait d'un jour. Moi, ouais. je m'attendais ouais. à une vidange. Puis j'étais comme, bah, c'est correct. Ouais, ben, à force ouais. de t'en faire parler par moi, c'est sûr que je te l'ai ouais. mal vendu. Ouais. Puis à part de ça, j'ai écouté Snowden.
Ouais. Puis okay. Ça vous donne le goût de. Ça donne le goût de mettre un petit tape sur la caméra de laptop après ça. C'est moins pratique pour les lives, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, mais c'est sûr que c'est très. On dirait qu'on a une tendance des biopics. Le héros, c'est un génie. Personne ne le comprend. Ça va un peu là-dedans, mais pas tant. Mais tu sais, c'est souvent ça. Là, c'est comme le genius. Ouais, Il y a des beaux commentaires. Il y a Frédéric Forget qui dit « Salut les boys, au poste avec vous tout le long pour la première fois. » Frédéric, qui travaille pour la STM. Il a jamais arrêté de travailler. Lui, c'est un guerrier. Je vois que Mathieu, il nous regarde. Je ne sais pas s'il est encore là. Salut Mathieu. J'espère que ça se passe bien à la microbrasserie des Grands Bois. Puis Christophe qui dit « Martin Freeman égale un Tolkien White ouais, ». Quasiment. Mais tu sais, Tolkien White, ça, je sais pas si ça n'existe pas vraiment comme terme, je pense, mais tu sais, c'est vraiment comme le blanc un peu coincé, là. Ouais. Qui est tellement, il est tellement pas cool. Il est juste ouais, il est mal à l'aise. C'est un peu ça, son personnage. Là, ouais. Et j'ai écouté aussi Arrival, Denis Villeneuve. J'ai rattrapé, je me suis rendu compte de ça que j'ai un rattrapage à faire sur Denis Villeneuve. Il m'en manque une coupe. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Tu m'as dit ça, mais tu n'as pas développé. Ben, Incendie, Ennemi. Quel autre qu'il a fait? Prisoners. Prisoners, l'as-tu vu? Ouais. Ouais. Ah, peut-être qu'il n'en manque pas tant que ça. Ben, tu sais, c'est pas si mal. T'as aimé ouais, ça, des Arrival? Ouais, j'aurais aimé ça. Ouais, c'est fou, bon. C'est de la bonne science-fiction. Ça se rapprochait, je trouve, à la lenteur des vieux films de science-fiction. Mais Denis Villeneuve, il est de même. Hein, tout est installé super lentement. Là, ouais, c'est du grand cinéma, moi, je trouve. Il y a beaucoup de cinéma dans le cinéma de Denis Villeneuve. Ouais. Puis j'ai écouté aussi, ça, je trouve ça drôle, j'ai écouté Lion King, le nouveau, là, le remake live action. Puis. Ben, ça me donnait juste le goût de réécouter l'original. C'est super beau, mais c'est le même problème que tout le monde disait. C'est ben, ils ont les lions, ils n'ont pas d'expression en face. Fait que c'est pas aussi efficace. Ouais. C'est une bonne. Non, papa! Trash Talk qui nous dit Blade Runner 2049 est fou aussi. Ouais, on en a parlé souvent en podcast. C'est un film que je ramène souvent. Ça aussi, je l'ai vu. Mais à part de ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Dans ceux que j'ai nommés. Incendie, Ennemi. Ben, dans les films récents, mettons dans la dernière décennie, puis ish, même Incendie, ça commence à dater, c'est pas mal ça. C'est Incendie, Ennemi, Prisoner, Arrival, Blade Sicario? Runner. Sicario, ben oui, c'est vrai. Sicario, je l'ai vu, ouais. Sicario qui a une suite, qui est qui est comme pas. Que c'est pas Denis Villeneuve, là, mais qui. J'ai pas vu, mais semblerait-il que c'est pas. Il est assez inimitable, hein. Peu importe qui prend le relais, ça va être différent, selon moi. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, les films que j'ai écoutés. Je sais pas pour vous autres. Ouais, toi, Anthony? Ah, moi, j'en ai écouté tout plein. Mais je pense que je l'avais pas écouté quand on a fait notre dernier live, mais j'ai écouté... Je vais commencer par une série. La deuxième saison d'Afterlife, la série de Ricky Gervais sur Netflix. C'est un peu plus triste que la première saison. Moi, je sais pas. On dirait depuis les Golden Globes, je suis dans une passe Ricky Gervais. On dirait que je me mets à aimer tout ce qu'il fait. J'appréciais déjà The Office UK et son show Humanity sur Netflix. Je vais avoir du rattrapage à faire sur ses autres shows de stand-up. Mais Afterlife, moi, ça m'a bien parlé. C'est un format comme les séries Brit, en fait, de 6 demi-heures. Ça s'écoute merveilleusement bien et vite. Puis c'est bien fait, c'est slick, c'est bon. Hein. C'est peut-être un peu décalissant. Lance-toi pas là-dedans si tu files pour Parks and Rec, mettons. Mais, mais sinon, j'ai bien aimé. Hey, je vais juste aller, j'ai tout noté. Je note, depuis le début de la pandémie, je note ce que j'écoute. Parce qu'on dirait que j'ai plus de temps. Je note tout ça. J'ai écouté, ça je pense que je n'ai pas parlé au live, on s'en est parlé off the record vite. J'ai écouté Gretel and Hansel. Ouais. La version 2020 d'Hansel et Gretel qui je pense, se voulait un genre de The Witch. Le film de Robert Eggers, qui se voulait un film d'horreur très art house, comme les films d'horreur qui marchent, qui ont la cote auprès des geeks d'horreur ces temps-ci. Fait que ça avait comme une grosse production value, mais c'était somme toute un film assez oubliable, très court et avec un scénario assez mince. La seule chose que j'en retiens, c'est que c'était beau. C'est la seule chose que j'en retiens de ce film-là. C'est pas. Je dis pas de passer à côté nécessairement, mais c'est pas un must, selon moi. Ensuite, j'ai écouté Le massacre à tronçonneuse de Toby Hooper, le premier, que j'ai vachement aimé. La dernière demi-heure, c'est vraiment
cacophonique, mais cacophonique comme on a entendu peu de projets, honnêtement. C'est genre, c'est une fille qui crie avec des sons de tronçonneuse, puis trois attardés psychopathes qui hurlent. C'est ça pendant un bon 25-30 minutes, c'est quelque chose. Mais j'ai trouvé ça diablement efficace, puis j'ai trouvé que la violence dans ce film-là était crue, comme dans peu de films. Tu sais, souvent, une scène de violence, tu prends une scène de combat, c'est toujours comme notre protagoniste qui se bat avec une personne à la fois, avec un rond autour, puis tout le monde attend son tour pour se battre. Puis dans Massacre à tronçonneuse, j'ai trouvé que c'était très, très... Ça se battait comme dans la vraie vie, un peu. Tout se rentrait dedans. Ça allait vite, tout se rentrait dedans. C'était un peu malhabile, à la limite. Mais tu sais, le Leatherface se pitch sur ses proies. Il n'y a pas de suspense. Genre, il débarque, il saute, puis ça y va par là. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien ben cool de ce film-là. On dirait que c'était comme... C'était nice. Ouais. Comme avant son temps, mais en même temps, je retrouve pas ça souvent aujourd'hui. Fait que je peux pas dire que c'était avant son temps. Ouais. Mais c'était brillant, bref. J'ai écouté Being John Malkovich, que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. J'ai bien aimé ça. Puis je savais même pas quand je l'ai commencé que c'était un film de Spike Jonze. Puis j'avais bien aimé Her avec Joaquin Phoenix. Fait que vite, je me suis retrouvé là-dedans. Tu sais, je reconnaissais quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je connais pas. C'est quoi le film avec Joaquin Phoenix? Her. 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 La toune de Creed. J'ai écouté Frankenstein puis Bride of Frankenstein du Universal Monster de 1931 puis 1935. T'es d'un classique en esti? Ben ouais, j'ai eu le goût de... C'est drôle comme fort, j'allais dire, j'avais le goût de me tremper le pinceau dans Universal Monster. j'avais le goût de commencer à écouter ces films-là. Je trouvais qu'il y avait... Je sais pas, je trouvais que ça allait faire du fun. T'es sur une lancée de classiques, des classiques d'horreur depuis un bout, là. Ouais, ben tu sais, on n'est pas gâté en nouveauté tant que ça ces temps-ci. Fait que j'en profite pour faire le rattrapage que j'aurais voulu faire depuis des années. Tu sais. Bien aimé, ces deux films-là. Bride of Frankenstein revient plus souvent que l'autre. J'ai pas de préférence entre les deux. Moi, les deux, je les ai trouvés vraiment le fun. OK. Ouais, j'ai bien aimé Frankenstein. T'avais-tu l'intention d'écouter Dracula? Oui, probablement. Le Lugosi. Ça a l'air que la version. Ils ont fait une version espagnole, comme quasiment dans la même année, puis que la version espagnole serait meilleure. Ah ouais? Donc, j'en sais pas plus. Mais... Je suis curieux. Ça, tu vois, c'est quand même. Ça date, là, ce Dracula-là, si je me souviens bien, c'est 1931. Mm-hmm. Fait que ça fait un bout. Il y a François Deschênes, Pat Lamont, Antoine Auclair, Simon Villeneuve qui nous regardent. Salut tout le monde. Sylvain Tétrault aussi. Puis deux autres films, quand même une bonne liste. 16 Candles de John Hughes. Que j'avais pas vu. Je l'ai pas vu non plus, pas encore. Moi non plus, j'ai pas vu ça. Ah ben c'est bien. C'est bien. Mais ça vieillit drôlement. Peut-être à écouter avec vos blondes respectives. Là. Ouais, ça vieillit drôlement. Ben, c'est le film juste avant Breakfast Club, si je me trompe pas, ou juste après, avant, je pense. Genre avant, ouais. Puis il y a un genre de petit call de viol quelque part là-dedans encore. Un peu dans Breakfast Club. Je sais pas, tu sais. Je suis content qu'il n'y ait pas ça dans Home Alone. Moi, je ne l'ai pas remarqué. Mais il y a ça qui vieillit drôlement, mais en même temps, tu l'écoutes et tu te mets dans la peau. Ça fait 35 ans là, de ce film-là. Même. Ouais. Dans ce temps-là, le viol, c'était correct, faut croire. C'était légal, je pense. C'était légal. Je sais pas que c'était légal, mais... C'était légal, mais moins mal vu dans l'enfer. C'est quoi qui dit? C'est le personnage principal qui dit « Cette fille-là, je pourrais la violer comme je veux. » Il parle de sa date du moment, une fille qui est parmée sur lui, mais lui, non. Lui, il est parmée sur quelqu'un d'autre. Puis il dit à un jeune, tu sais, moi, cette fille-là, adore dans la chambre, je pourrais la violer 10 fois, puis elle s'en rendrait pas compte, tu sais. Tu l'as écouté en version française? Oui. Pas en anglais, en version originale, qu'est-ce qu'il dit? Dis-tu vraiment rape? Ou je sais pas, mais dans Breakfast Club, c'était aussi trash. J'avais écouté les deux versions, puis c'est aussi trash. Puis finalement, un film que vous m'avez dit d'écouter depuis un esti de bout, que plein de monde m'ont dit d'écouter, j'ai fait le double feature de Grindhouse hier soir. J'ai vraiment aimé. Je sais pas... Jean-Gab, tu me disais que c'était peut-être l'ordre inverse quand toi tu l'as vu. Ça me surprendrait, mais en tout cas, ça se peut. Mais moi, dans l'ordre que je les ai vus, c'était Rodriguez en premier, puis Tarantino en deuxième, puis
vraiment, au milieu du film de Tarantino, je me disais, pourquoi ils n'ont pas inversé ce pacing-là? Le film de Rodriguez, il y a bien plus de beats. Même si j'aime Tarantino, il y a des très longues scènes de dialogue dans son film peut-être le plus court ever. Puis, c'est pas les scènes de dialogue qui m'ont fait le plus triper dans sa filmographie, mettons. Ouais. L'action, ouais, ça y va par là, par exemple? Tu sais, Joël, il me semble qu'on l'avait vu ensemble. Non, pas ensemble. Non. Je voulais aller le voir au cinéma, puis je pense que c'était resté comme même pas 2 semaines en salle, puis je l'avais manqué. Je l'ai vu par après en DVD. Parce que moi, j'avais le feeling que c'était Rodriguez était en deuxième, puis que c'était le Deadproof en premier. Je me souviens pas, mais... Ça aurait du sens, mais c'est pas de même que je l'ai vu. Ah non, c'était pas de même sur le DVD non plus. Non, OK. Puis l'Anglois qui dit que c'est la même affaire que Toronto. Ouais. Planet Terror, moi j'avais trouvé ça drôle, mais Deadproof, c'est que j'avais haï ça. J'aurais dû me réécouter, mais c'est le premier film de Tarantino que je me suis rendu compte. Hey, je l'aime. T'sais, Tarantino avant ça, c'est comme j'aime tous ses films. Ouais, t'as pas vu Once Upon a Time encore. Pas encore. t'es pas obligé, prends ton temps. Pas encore, mais non, mais Deadproof, c'est comme non, j'ai pas aimé ça, mais c'est parce que je sais pas, peut-être j'ai pas compris le format. T'sais, c'est comme t'sais, ils ont rajouté du grain là, sur la pellicule maganée. Il y a des filles avec leur cellulaire, avec leur Blackberry, comme là, ça marche pas. Là, ça disparaît maintenant. Ouais. Ouais. Ah, ça se peut. Mais c'est juste que je comprenais pas le ton. Là. C'est pas le côté technique que j'avais pas aimé, mais c'était que moins aimé. Moi aussi, j'avais pas tant trippé Deadproof. On dirait que c'était juste. Peut-être que j'aurais préféré s'il n'y avait pas eu Planète Terreur avant. Planète Terreur, j'ai des bons souvenirs de ça. Tu sais, Planète Terreur est comme 20 minutes de plus dans la version double feature, en tout cas, parce que individuellement, les films sont plus longs. Mais dans la version double feature, Planète Terreur est. Plus long, puis il me paraissait beaucoup plus court que le film de Tarantino. Ouais. Puis pourtant, j'ai apprécié d'habitude ces scènes de dialogue. Tu sais, comme dans Hateful Eight, moi, c'est long, puis je l'apprécie. Puis tu vois, dans ce film-là, je le trouvais sans intérêt. Mais normalement, les films de Tarantino, c'est tous les personnages sont un peu des trous de cul, mais qui sont quand même attachés. Mais dans Deadproof, j'ai l'impression que je comptais pour personne. J'ai haïssé tout le monde, fait que j'ai pas embarqué à cause de ça. Ouais, le seul personnage attachant, c'est celui de Marie-Elisabeth Winstead, puis il est effacé comme vraiment rapidement. Là. Il est comme laissé pour rapport au propriétaire du Challenger blanc. Là. Charger. Ouais. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu ça. Fait que... Ouais, c'est pas 15 ans, mais... ça fait pas 15 ans que c'est sorti, mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Somme toute, moi, je suis du genre à m'endormir sur des films trop longs quand j'ai peur trop tard, puis ça m'a tenu réveillé longtemps. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé me le claquer en doublé, j'y tenais, là, genre je buvais mon café à 10h et à soir, comme je veux rester réveillé. Puis ouais. J'ai bien trippé. Sur ton doublé, celui de Rodriguez. T'avais-tu, comme le monde en parle, il y avait des fausses pubs, t'avais-tu dans le doublé? Oui, j'avais celle de Machete avant celui de Rodriguez, puis il y en avait 3-4 avant celui de Tarantino. Ouais, t'avais la dingue. Celui de Rob Zombie, Eli Roth. Oui, c'est ça. Les loups VSS. J'en oublie, mais c'était vraiment cool. Ouais, wow, c'était Thanksgiving. Wolfware of the SS, une affaire de même. Ouais. Des machetés, vous les avez vus, les deux? Non, pas moi. J'ai pas vu le dernier. Là, ça me tente. Là je suis dedans. Là. Ah, c'est drôle en hostie. Là. Ouais. Deuxième, il maillait. Il y a Mel Gibson dedans. Là. Je pense que c'est le dernier film. Ils ont comme ramené Mel Gibson pour ça. Ah, puis... t'as vu, j'ai peut-être vu. Ils vont pas dans l'espace? Ouais. Ok, ouais. Il y a le robot Justin Bieber, là, c'est n'importe quoi. Hey, n'hésitez pas, les gens dans les commentaires, à nous poser des questions parce qu'à soir, contrairement à nos premiers lives, on n'a pas d'invités. Puis on est là pour jaser. Fait que si vous avez envie de nous entendre jaser sur des trucs, allez-y fort. Puis d'ailleurs, il y a Natacha qui nous a lancé sur une piste dont on voulait parler. Ouais. Ben, je vais parler de mes films avant. Ah, excuse-moi, Jean-Gab, ben oui, vas-y. Hein? Vas-y. Okay. Parce que pendant que moi, j'ai sorti. L'affaire, c'est qu'on s'est écrit, nous autres, quand même. Ouais, On se parle au téléphone. Fait qu'on... Mais vas-y, Jean-Gab, excuse-moi. J'ai écouté un épisode de Brooklyn Nine-Nine de dernière saison, mais je n'ai pas continué la rafale parce que je voudrais m'éclencher. Ocean 13. Puis, ouais. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais déjà vu, dans le fond. Là. Ben moi, j'ai les Ocean. Moi, ils me font vraiment rire. Puis avec ma blonde, c'est des films qu'on réécoute souvent. Là. Je ne sais pas si vous autres, vous les avez vus. J'ai vu le premier. Je sais quoi. Okay.
Puis, en tout cas, celui-là est aussi bon que les autres. On dirait que je me tanne pas de cette espèce de recette-là. C'est le même genre de montage, de cross. Puis, en tout cas, je me tanne pas. Je voulais me clencher les aliens. Ça fait comme 2 semaines que je vais me clencher les aliens. Puis, j'arrivais pas à les trouver. Là, je les ai trouvés, mais j'ai c'est vraiment con, là. J'ai un gros coffret DVD des aliens. Ouais. C'est 9 DVD. Les gars, il manque le premier DVD. Ah ouais. Hey, mais Jean-Gab, j'ai les emblourés, puis je peux aller les mener sur ton perron, si tu veux. Ah, ben là, je les ai trouvés numérisés là, sur les interwebs à quelque part. Là. Ça me fait plaisir d'aller faire des petites commissions, de domper des affaires sur le perron de mes amis. Je suis comme un petit marchand de bonheur. Je suis allé domper une boîte de Krispy Kreme sur le perron à Joël l'autre jour. Hey, je l'ai mangé 3 de suite, puis j'ai mal filé après. Je pense que j'ai eu le temps de rentrer. Tu n'habites pas loin de chez nous, là, genre 10 minutes. J'ai eu le temps de rentrer chez nous, tu m'as écrit « je l'ai mangé 3 ». J'ai eu un esti de hype après ça. Tu sais, quand tu manges du sucre, après ça, tu fais le mal. Tu fais le fatigué. Il y a un esti de down. Ça se mange tout seul, des bangs. Ça ne boit pas sur le coup, puis après ça, ça... Oh, ouais, tu le regardes. Oui, un pain, ouais, c'est ça. Mais c'était bon. C'était bon. Ouais, fait que là, vu que j'avais pas réussi à me trouver les aliens, je me suis clenché le film Life. Ah, c'est-tu bon? Je l'ai. Je l'avais acheté prévisionné la fois qu'on avait fait une razzia dans un Vidéotron qui fermait. Je l'ai toujours pas écouté. Moi, je l'ai. Oui, c'est un bon film. C'était avec qui ça? C'est quelle année? Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, mm-hmm. Puis la femme, j'oublie vraiment c'est qui. Ouais. Je me souviens plus non plus. C'est une affaire qui est comparée des fois à Alien là, dans le genre. Là. Mais c'est vraiment pas la même ambiance. Mais en même temps, moi, tu as des repères. Là, du monde qui sont pognés dans un vaisseau et une bibitte. Là. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que je me suis remis dans le bain. Puis là, j'ai écouté le premier Alien hier. C'est hier ou avant-hier que je t'écrivais que... Je pense que j'avais écrit en tout, je l'écoutais. Hier ou avant-hier, en tout cas. Je ne sais plus. J'ai perdu la notion du temps depuis deux semaines. Ouais, ça, j'avoue. T'as-tu un préféré? Avez-vous des préférés, Eliane? Moi, c'est le 2. C'est celui de James Cameron, personnellement. On a déjà parlé, je pense, dans un autre live. Ça se peut-tu? Oui. Ça se peut. Moi, je pense que c'est celui de la prison. On ne parle pas assez ensemble. Ah. Oui, c'est ça. Ouais, Jean-Gas, c'est quel, tu dis? Excuse. Je pense que c'est le 3, moi. Le premier puis le troisième, me semble. Le 3, le mal-aimé, là. C'est le 4 qui a le mal aimé. Ouais, le 4 aussi. C'est la résurrection qui a été vraiment mal aimé. Ouais. 3, c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Hein. Ouais, mais le 2 aussi, c'est plus action. Premier, mettons, le 1 puis le 3, c'est. Ben, en tout cas, ça fait longtemps que je les ai vus, mais 1 puis le 3, de mémoire, c'était plus horreur. Puis 2, 4, c'est action. Mais ça, c'est pas compliqué. Là. Le Alien, dans le premier, arrive un peu plus que la moitié du film. Là. Ouais. C'est genre qu'il y a vraiment là, la bébite est là. Fait que, c'est... Puis t'en vois pas tant la bébite non plus. C'est comme garder c'est comme un. Tout le temps des petites histoires, c'est pas juste des parties de la bébite, puis à un moment donné, tu le vois au complet. Mais c'est efficace comme ça. Il y a LP Langlois qui a un commentaire. C'est vrai, j'avais oublié ça, mais quand la bande-annonce de Life, pour revenir à Life, est sortie, il y a bien du monde qui pensait que c'était un prequel de Venom. Oh shit! Ben, ça aurait pu. J'ai fait comme un vague souvenir d'avoir vu ça, mais là, dis-en pas trop sur. Il y a quelqu'un qui demande la fin de Life. Je vais essayer de l'écouter. Là. Ouais. Ou allez pas ça spoiler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, juste pour sauter là-dessus, Caroline qui dit que d'écouter les Aliens avec les Prédateurs, là, oui, ça en fait partie des trucs que j'aime, mais je considère que les Aliens versus Prédateurs, c'est plus du bonbon. Là. Ouais, mais c'est juste 13 ans et plus, c'est pas assez violent. C'est, ouais, mais c'est pas de l'horreur, mais c'est bon, là, je les aime. Là, sur le premier, j'aime vraiment un peu l'histoire qu'il y a là-dedans. Là, ils rajoutent de l'archéologie un peu là-dedans, ils ont découvert une pyramide sous la glace. Ça, j'aime bien cette vibe-là. Le deuxième, par exemple, ce que j'ai aimé, ils vont vraiment loin dans des trucs qu'on voit pas souvent. Là, comme il y a un enfant qui a un alien qui sort du ventre. Là. C'est rare qu'on voit des affaires violentes même. Là. C'est loin. Ouais. Tu vois, c'est une série de films que j'étais allé acheter Blu-ray pour pouvoir aller voir Alien Covenant. Puis j'ai jamais réécouté. Je les ai écoutés avant, là, puis j'ai jamais réécouté ces films-là. Un peu comme Predator, que j'ai écouté tous les Predators avant d'aller voir le dernier qui est sorti en salle il y a 2 ans, je pense. La comédie. Ouais. Puis c'est des films que je réécouterai jamais. Là. Je suis comme, bon, OK, je suis content d'avoir vu ça une fois, mais je ne mettrai pas plus de temps et d'énergie là-dedans. Moi, je les aime beaucoup. Ouais. Il y a peut-être Alien 2 que je l'ai trouvé diablement efficace, moi, personnellement. Là. Je trouvais que c'était comme une version plus du premier.
Et là, j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Ouais. Mais ouais. Tu sais, si jamais. En tout cas, si on finit pas trop tard, je risque de l'écouter le 2. Je suis dans ma lignée, puis je vais tout m'éclencher. Alien 1, 2, 3, 4, Alien vs Predator, les Predators aussi. Okay. Fait que j'ai écouté aussi Planet Hulk. Il me reste 15 minutes à l'écouter. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. C'est Hulk en dessin animé, dans le fond, qui se ramasse comme sur une planète dans l'espace. Souvent, les Avengers l'ont genre chupé dans un vaisseau spatial, puis on dit que c'était trop dangereux, puis on décalisse plus loin. Que j'ai pas eu ça. Mais j'ai pas fini. Fait que, j'ai réécouté encore The Matrix. J'ai réécouté Captain America, The First Avenger. J'ai écouté Onward avec les filles en avant. C'est bien? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, le genre de thématique, sous-thématique, là, c'est Donjons et Dragons. Là. Okay. C'est comme un monde où il y a déjà eu de la magie, mais là, ils n'en ont plus parce qu'ils ont découvert comme la technologie. Tu es genre allumer une lumière, mettons, au lieu de faire du feu avec tes mains. Fait que la magie, c'est comme étouffé parce que tout le monde est devenu technologie. Puis, en tout cas, bref, c'est super bon. J'ai bien aimé ça. J'ai écouté X-Men First Class, c'est un bout que je l'avais pas vu. Anchorman. Ah, nice. Will Ferrell, ouais. Juste l'un ou les deux? Là, j'ai écouté juste l'un. Là. Okay. Ouais. Mais les deux est bien aussi. Ah, les deux font vraiment rire. Puis j'ai écouté Looper aussi. Ah, okay. Ça fait un bout que j'ai pas vu. Ouais, que j'ai bien aimé ce film-là, Looper. Moi. OK. Ouais, il y a une couple de questions vraiment le fun qui passent. Deux choses dont on voulait parler. Puis je pense avant, on va répondre à une question de Frédéric Forget que ça fait... comme trois fois qui manque nos lives et qui semble déçu à se fier aux commentaires. Il nous demande c'est quoi notre catégorie de film préféré. Moi, j'ai lu sa question. C'est horreur, science-fiction, comédie. C'est tough. Hein? Moi, c'est science-fiction. Moi, je suis pas mal sûr. Moi, c'est pas si tough que ça. T'sais, la logique, voudrait que je réponde comédie. Science-fiction, horreur, t'as dit, Jean-Gab? Ouais. OK. Ben, tu vois, tu sais, moi, j'étais un geek d'humour, mais la comédie au cinéma, je suis plus souvent déçu que content. Il y a vraiment beaucoup de comédies que j'aime, mais je m'y retrouve moins souvent que dans l'horreur. Je pense que c'est vraiment plus l'horreur qui vient me chercher. On dirait que ça a un meilleur taux de réussite chez nous. Je crois qu'on est gâté en horreur aussi, là, dans les dernières années aussi. Là. Si on fouille un peu, si on revient un peu dans le temps, évidemment, moi, il y a bien des affaires que je n'ai pas vues. Il y en a énormément. Puis je fais des belles découvertes. Je me fie sur des gens comme Séance de minuit, sur des top 50 des 100 dernières années. Puis, Moi, j'aime beaucoup les comédies, mais c'est vrai que c'est souvent raté. Il n'y a pas beaucoup de réussite. Puis, j'ai un peu de drame. Le drame, c'est... C'est large pas mal, mais... C'est lequel qui devient en tête, mettons, ou lesquels qui devient en tête? Ah, je sais pas, il faudrait que je regarde ma collection, mais je suis pas dans ma collection de DVD. Ouais, The Room. The Room, un gros... C'est top, mais tu sais, j'ai pas de style en particulier que je vais voir plus que d'autres, là. Mais... T'as pas, on finit le live, puis tu as goût d'écouter un film, mettons. C'est quoi tu te mettrais? Je sais pas. Se dit sur le live sans qu'on se fasse flaguer. Ouais, c'est ça. après Pornhub, mettons. Ben, rien, parce que j'allais me coucher, mais c'est vrai que je me mets un film pour m'endormir. Ben, je sais pas, tu sais, mettons que je parle, c'est quoi un bon film, ça? Ça revient souvent dans les listes, mais Shawshank Redemption, on en a parlé 10 000 fois, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé, si, ouais, j'ai le goût de voir un bon film, puis qui n'a pas vu Shawshank Redemption. Ben, écoutez ça, tu sais, c'est ça, tu vois. En tout cas, je connais personne qui a détesté ce film-là. En tout cas, si t'aimes pas ça, ben t'as pas d'âme, là. En tout cas, selon moi. Ouais. Mais moi, mettons, ce genre de film-là, que j'adore, mettons, là, j'aime ça, mais je vais l'écouter une fois, puis je veux pas revisiter ça. Tu sais, Prisoner, mettons. Ouais. C'est rude. J'écoute une fois, puis je veux plus revoir ce film-là. Puis pas parce qu'il est pas bon, il est excellent. Puis justement, parce que j'ai pas le goût de le revoir, c'est parce qu'il a réussi à quelque part, mettons. Là. Ah, je te file 100 000 à l'heure là-dessus, moi, j'en regarde. Moi aussi, quand je vois un drame que je trouve diablement efficace, puis bon, souvent, je le finis en me disant, je réécouterai jamais ça. J'ai fait des films de gangsters, mettons. Est-ce que ça peut rentrer dans un genre de film? Ben oui. Les films de gangsters de Scorsese, tout ça. C'est nous autres les boss, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait avec ça. Okay. Il y a Julien Anderson Nadeau qui vient de se connecter à notre live. Moi, je le connais, Julien. Je pense que c'est la première fois qu'il check un de nos lives ou qu'il check nos affaires. Ben,
Salut. Salut. Bonsoir. Salut. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Steve Hutchison qui demande, avez-vous aimé Color Out of Space? Je pense que personne ne l'a vu. Hein? Non, je ne l'ai pas vu. Le dernier film avec Nick Cage. Ça m'intéresse beaucoup, par exemple. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pas ça qui est un peu basé sur Lovecraft? Ouais, sur une nouvelle de Lovecraft. Ouais, c'est ça, c'est sûr. J'ai lu un livre de nouvelles de Lovecraft, là, puis j'étais. C'est rare que j'ai lu, puis que, mettons, j'avais peur. Là. Fait que ouais. je me doute que, en tout cas, si on a sûrement pris une bonne nouvelle qu'il a faite, là, ça m'intrigue beaucoup. Non, je suis curieux. Puis dernièrement, en plus, moi, d'un film récent de Nick Cage, il y en a deux, trois que j'ai bien aimé, vraiment. T'sais. Puis pas ironiquement. T'sais. J'ai adoré Mandy, puis j'ai adoré Mom and Dad. Parlant de Nick Cage, on en parle. Nick Cage qui est annoncé pour jouer Joe Exotic dans une fiction adaptée de l'histoire de Joe Exotic. Le genre de nouvelle, qui aurait pu être une joke, que je pensais que c'est une joke. Et quand j'ai vu que c'était Radio-Canada qui partageait, puis d'autres médias, ça doit être vrai. Major. Ben, tu sais, c'est. Pourquoi pas? Je l'imagine. Ben c'est pourquoi ça. Pourquoi pas? Moi, c'est l'idée que j'aurais aimé avoir. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai fait Chris. Ben oui, totalement. Oh, ouais, je pense qu'il va briser Internet. Moi. Ouais. je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mm. Ouais. T'sais, en fait, c'est comme le casting, j'y aurais pas pensé, mettons. Il y en a là, qui jouaient à savoir qui allait faire, qui pourrait jouer Tiger King, puis tout ça. Puis le monde, il donnait des suggestions. Je me disais, c'est vrai, ça y ressemble. Puis quand ils ont dit, Nick Cage, c'est lui qui va le faire, j'ai comme fait, legit. Ça va marcher, c'est sûr. Ouais. Mais ils ont dit, c'est un film de Netflix, j'imagine. Une série de Netflix. C'est une série, ok, ouais, c'est ça. J'ai pas vu d'autres noms encore. J'ai hâte de voir qui va jouer Carol Baskin. Ouais, c'est elle est sortie. Ah ouais, pour vrai? Ouais, Sonia Vachon. Non. T'as pu. Nick Cage. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Will Ferrell comme Doc. que ça marcherait. Ah, moi, je pense Doc, le meilleur. Le gars que j'aurais vu jouer ça, il est décédé depuis un bout, c'est Philip Seymour Hoffman. Ouais. Après, je mélange les faces ou les noms. Ben non, mais je l'imagine. Mais ça, qui. Ouais. C'est vrai. Ah, ouais, mais avec un CGI, là. avec un deepfake. Bientôt, on pourra. Il y a quelqu'un qui dit le point commun. François Beaupré dit le point commun entre Joe Exotic et Nick Cage, c'est les déboires financiers. Est-ce que c'est drôle? Manu Lemieux qui dit, selon vous, l'émission Si on s'aimait, So Bad It's Good, j'ai aucune crise d'idée de ce que c'est. Aucune idée. C'est quoi, Manu? Il va falloir que tu développes un peu. Si on s'aimait... Clairement, une émission de confinement sur le câble, un peu comme le show à Fabien Cloutier puis Marcel Dion à TVA qui a été comme inventé rapidement pour pallier à des petits problèmes de programmation. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi, honnêtement. Si on s'aimait. Une émission à TVA, en tout cas. Clairement que c'est une émission. Un autre style d'émission de broyage d'un chalet. Ah, c'est Si on s'aimait, c'est célibataire. Ah, ok, oui, c'est le show à Guillaume Lemaitre-Vierge et Émilie Bézant. Oui, c'est ça, qui tente une expérience de comprendre pourquoi elles vivent toujours des relations satisfaisantes. Mais je ne l'ai jamais écouté, Manu. Mais toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est sur So Bad It's Good? J'aurais bien aimé ça développer là-dessus. J'ai aucune vierge d'idée de ce que c'est. Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu à se taper une série. Il faut faire un épisode dessus. Là. J'écoute peu de séries, moi, ces temps-ci. Ben des films. Puis je suis bien content de ça. Ouais. Ben, moi, j'écoute des Friends une fois de temps en temps, mais. Ouais, j'écoute des How I Met Your Mother. Ouais, c'est ça. Mais mettons, j'avais commencé Mr. Robot saison 4. Ouais. J'ai écouté un épisode. C'est bon, mais c'est juste c'est trop downer. C'est trop déprimant pour ces temps-ci. Moi, m'attendre un peu à le continuer. On est dans le mood pour ça. Ouais, t'as besoin de bonheur. Il y a plein de questions. Le fun, êtes-vous fan de Kevin Smith? Et si oui, avez-vous vu le reboot? Ben moi, j'aime Kevin Smith. Je ne suis pas un fan fini de ses films. C'est con. Là. J'ai bien aimé ses Q&A. J'ai réécouté souvent. J'ai acheté ça. J'ai aimé ses films. Je ne les ai pas écoutés mille fois, mais j'ai aimé ses films avant Jane, Silent Bob. J'ai vu le reboot que je n'ai pas détesté. C'est vrai que c'était vraiment comme un fan service de 1h30.
Mais fait que moi, je suis fan du gars, pas un fan de première heure de ses films. Moi, j'ai bien aimé Dogme. Ouais. Isaac and Mary. Sinon, Clerk, j'ai essayé d'aimer ça, puis j'ai pas embarqué pas tout. Clerk, j'ai vu le premier, mais pas au complet. Je pense que j'avais pas détesté ça. Je pense que j'étais jeune quand j'ai écouté ça. Ouais. T'sais, c'est très cinéma d'auteur. Là. C'est huit clos, puis c'est en noir et blanc. Puis que, ça, si t'écoutes ça jeune, tu te dis pourquoi c'est en noir et blanc? T'sais, ouais, c'est ça. C'est du blabla. T'sais. Mais Zach et Mary, j'avais aimé ça. Mais à part de ça, Tusk, j'oublie trop souvent que j'oublie trop souvent que Zach et Mary, c'est lui, étant donné que ça a plus l'air d'une commande que d'un film personnel. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas, je rends pas tout vu ces films. Là. Fait que je suis pas un fan, mais en même temps. C'est parce que c'est ça. C'est un peu, depuis Tusk, là, c'est une espèce de trilogie canadienne. Là, c'est, mettons l'autre de Yoga Hauser, Dom Massy qu'on a reçu au dernier live. Ouais. Il a l'air de bien aimer ça, mais moi, je me fie à la bande-annonce. Comme... Ça revient souvent, bon, je pense, dans nos lives. Hein? En quatre lives, je suis pas mal sûr, c'est revenu quatre fois à parler de Kevin Smith. On dirait que les gens veulent vraiment savoir ce qu'on pense de cet homme-là. Ben, il y avait Georges Lours. Là, Georges Lours c'est vrai. Il veut tout le temps qu'on parle de Tusk. Hey, une question qui se répond super rapidement. Mathieu Boivin demande, je peux enfin dire que ton T-shirt, tantôt, il est malade, il vient d'où? Il vient d'un site tristement américain. Fait que ces temps-ci, je ne sais pas ça dit quoi, le shipping. Un site qui s'appelle Studio House Design, puis j'ai une coupe de chandail qui vient d'eux autres, c'est des piles de VHS, fait qu'il y a Nightmare on Elm Street, il y a Vendredi 13, il y a les Halloween, il y a une pile d'adaptation Stephen King, il y a une pile de John Carpenter, puis il y a des chandails aussi de Lighthouse, puis Midsommar, puis allez voir ça, Studio House Design, c'est sûr quand tu te fais venir un chandail des États-Unis, ça revient peut-être un peu cher, mais... Ils sont franchement beaux, je dois l'avouer. J'en ai comme ils sont 3, nice. 4. C'était court, mais pas tant que ça, comme réponse. C'est ça. Et sinon, je veux ça remonter un peu. Il y avait d'autres questions. Le fun. Celui-là est vraiment piqué, mais le fun. Alexis Théberge, avez-vous vu un film que la première fois que vous l'avez écouté, vous l'avez détesté et la deuxième fois, vous l'avez aimé? Ah! Oh. Hey boy! Détesté, ouais, c'est. Il y en a sûrement, mais plutôt un film que j'ai pas trippé, puis j'ai écouté, puis j'aimais ça peut-être, mais. Ouais. On dirait vite de même. J'avoue que quand je déteste un film, pas porté à l'écouter une deuxième fois. Ouais. Même quand je les aime, je les écoute pas une deuxième fois souvent. Fait que quand je les haïs. Mais tu sais, ça arrive des fois des films que j'ai pas trop compris, mettons, puis je les réécoute, puis là, je comprends un peu plus. Mettons, Memento, la première fois que je l'ai vu, c'est comme ah, j'aimais ça, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûr. Mm-hmm. Quand tu réécoutes, tu comprends le pattern. Tu peux plus apprécier. Ouais, ouais, ouais. Hey, une question pour Jean-Gab. Avez-vous écouté The Witcher sur Netflix pendant que je vais me faire un refill? Fuck yeah. Pas encore. Non, mais c'est dans ma liste. Là. Ah, il est vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai trippé sur la série de jeux. Je considère encore aujourd'hui que le troisième, The Witcher 3, le jeu, c'est le meilleur RPG pour moi. Au moins de la décennie, si ce n'est pas le meilleur RPG. Ouais. Jusqu'à temps que Cyberpunk 2077 sorte en septembre. Mais fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'attentes envers la série, puis j'ai pas été déçu. J'ai vraiment aimé ça. La timeline est vraiment compliquée à suivre, par exemple. Tu sais, c'est qu'il y a des sauts dans le temps, mettons, là, tu sais, entre tes épisodes, ouais. Ils te l'expliquent pas. C'est juste que tu vois, mettons, il y a du monde plus jeune, plus vieux. Fait que là, tu sais, comme asti, c'est compliqué, mettons. Là. Mais ils se sont excusés, en fait, Netflix, de ça. C'est fucked up, mais ils se sont excusés. Mais quoi, ils ont-tu rajouté un sous-titre là, pour dire... Non. Ben, il y a des articles qui sont sortis qui expliquent, mettons, les timelines, là, juste pour que, justement, ça facilite la patente. Mais ils se sont excusés, puis la saison 2 qui était annoncée avant que la saison 1 soit même diffusée, ils ont dit qu'ils refont plus ça. OK. Parce que c'est comme ça serait, le truc serait réglé juste s'ils mettaient en bas, genre 2 ans plus tôt. Mettons. Ouais, mais au pire, l'avantage d'être sur Netflix, c'est qu'ils peuvent mettre à jour leur. Un peu comme Bird Box là, qui a enlevé le plan de Lac Mégantic. Ils peuvent mettre à jour leur film et leur série. Ils pourraient le faire. T'sais. C'est vrai, ils pourraient. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé Henry Cavill là-dedans parfait, en fait. Ouais. Il est parfait, puis c'est fucked up parce qu'il dit en entrevue. Qu'il y avait beaucoup plus de dialogues d'écrits. Puis lui, quand il a vu ça, il a comme fait non,
c'est pas comme ça que Geralt, le gars, il... c'est pas ça qu'il ferait. Parce que lui, okay. son training, il s'entraînait physiquement, mais il jouait au jeu de Witcher pour être prêt pour son rôle. OK. Fait que, tu sais, il a dit non, il réagirait pas même. Fait que le personnage, il est comme dans le jeu, il est pareil. Genre, il parle pas trop, il grogne. Genre, c'est juste comme... ce genre de gars qui est toujours victime de ce qui arrive parce que, dû à Kiki, là, sa profession, il se fait tout imposer des prophéties, puis là, il fait comme « Ah, tabarnak! » J'aurais aimé ça le faire, quasiment que je refasse le jeu, mais tu sais, c'est sûr, c'est beaucoup d'heures. Là. Le troisième, là, j'avais joué quand même beaucoup, 50 heures, mais j'ai jamais fini, parce que je faisais toutes les petites side quests. Ben oui, puis ça, on le fait autant que le... Ouais, c'est sûr que si tu veux finir le jeu, à un moment donné, faut que tu focuses à la quête principale. Ouais. Audrey, Benjamin, Philippe, bonsoir. Bonsoir. C'est tout ce que je voulais dire. Ben oui, Tommy, le montage de Witcher, il est compliqué à écouter à cause des sauts dans le temps. Là. Mais se sont excusés. Oui. Audrey a dit que dans la timeline est fuckée, mais dans le livre, ça a l'air que c'est dur à suivre aussi. Ça dans le livre. Ouais. Ça me dit quelque chose d'avoir lu qu'ils ont voulu se coller. Pour revenir rapidement, Kevin Smith, il y a LP, l'anglois de Trash Talk, qui dit « Moi, j'ai vu Clerks au secondaire, ça m'a beaucoup inspiré. Je te file là-dessus, LP, parce que c'est vrai que c'est inspirant quand même que la genèse d'un cinéaste aussi connu, puis avec une filmographie quand même dense, je veux dire, il cumule quand même quelques films, Kevin Smith. C'est impressionnant que ça soit parti d'un gars qui tourne de nuit à sa job en loadant sa carte de crédit, puis qu'aujourd'hui, on en parle encore de ce film-là. C'est pas une espèce de film gênant dans sa filmographie. C'est clairement pas mon préféré, mais tu comprends quand même d'où tout ce style-là part. Ouais. J'avoue que c'est inspirant. Ce genre d'histoire-là, que le résultat soit réussi ou non, des gens qui mènent à terme un film avec peu de moyens, je trouve ça inspirant. Ouais, c'est ça. Mais je comprends que ton Clerks, c'est un film culte. Sans embarquer là-dedans, je comprends pourquoi le monde triple. Tu vois qu'il savait de quoi il parlait, des Clerks qui sont dans un dépanneur. T'sais, en même temps, il y a la porte de garage, hein, même chose dans le souvenir, comme que le dépanneur il s'ouvre sur le côté par une espèce de porte de garage métallique. Il est comme bloqué, puis il met une espèce d'affiche. Oui, nous sommes ouverts. Puis à chaque fois qu'il y a du monde qui rentre, êtes-vous ouvert? Puis tout le temps, c'est le genre d'affaire de client qui gosse, qui devait arriver dans la vraie vie, c'est clair. Là. Il y a Maxime Papineau qui nous renvoie une question qu'il nous a posée plus tôt. Je pense qu'on devrait y répondre de suite pour lui éviter de l'envoyer 4-5 fois. Mm-hmm. Salut les gars, avez-vous parlé du nouveau film de Chris Hemsworth avec ses effets spéciaux assez ordinaires à mon avis? Moi, je ne l'ai pas écouté. C'est quoi? Extraction sur Netflix. Puis tout ce que je vois de ce film-là, pour l'instant, c'est du bien. Fait que tout ce que je lis, c'est de bons commentaires. Puis que comme quoi aussi, il y a un genre de plan séquence de combat de 12 minutes malade. Fait que je sais pas quoi en penser, j'ai pas vu. Vendredi, nous autres, chez nous, on se fait une petite fondue le vendredi, puis on va écouter ça. Fait que je l'ai pas un vu, excellent film de fondue. Je pense que oui. Notre dernier film de fondue, c'était le film des tours avec... Seigneur des Anneaux, les deux tours. Non. 9-11. Non. Avec The Rock, là. Skycrapper. Ouais, c'est ça, Skycrapper. C'est-tu le Volcano, le film avec la lave, le gars qui fond dans la lave, c'est un film de fondue. Et que c'est drôle. Ouais. Moins gênant que son apparition dans Degrassi, la nouvelle génération. On parle de Kevin Smith, j'imagine. Ouais. c'est bizarre. Il joue lui-même, il tourne. C'est vrai que quand je pense, j'ai vu que c'est triste à dire, mais j'ai su c'était qui Kevin Smith avant d'avoir vu ses films de par Degrassi. Parce que c'était direct de mon âge, Degrassi. Ça jouait à Vrak TV quand je zappais à Vrak TV, tu sais. Fait que, ouais, j'ai vu Kevin Smith avant de réécouter le Q&A et faire comment, C'est lui. C'est ça la série où est-ce que Drake se fait tirer dessus, là. Ouais. Il devient en chaise blanche. C'est pour ça qu'il chante pas dans ses shows aujourd'hui. Il marche bien, par exemple. J'en parle dans le prochain épisode des films dans le cabanon. Je vais arrêter de revenir là-dessus. Ouais, on l'a dit dans les commentaires plein de fois. Notre épisode qui sort mardi prochain des films dans le cabanon, c'est un épisode qu'on veut faire depuis, si je ne me trompe pas, juin passé. C'est un spécial Baby Spice avec une ex-membre des Baby Spice qui s'appelle Sarah Couturier.
qui travaille en humour. Aujourd'hui, Sarah, elle travaille pour l'agence SPM qui gère Jean-Thomas Jobin, Didier Lambert, Arnaud Soli, Les Appendices, Kim Lizotte, puis j'en passe. Puis, ben voilà, là, au mois de juin l'année passée, j'ai partagé une cassette des Baby Spice que j'ai trouvée qui s'appelle « Il était une fois des Baby Spice » que j'ai trouvée dans une friperie à 10 sous. Et il y a un ami commun à Sarah et moi qui nous a appelé pour dire « Ouais, je connais une ex-Baby Spice, tu veux-tu y parler? » Puis bref, depuis juin passé qu'on essaye de mettre ça, de faire fitter ça. Et là, la semaine passée, on a enregistré notre épisode, ça fait une semaine. Puis le montage avance de bon train. Certainement, et de loin, l'épisode sur lequel j'ai mis le plus de temps. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai du temps ou parce que les références de Sarah sont vraiment fucking obscures des fois. Ouais, je pense que ça va vraiment être un fucking bon épisode. Ben, tu as du temps, c'est un long épisode et ouais, c'est juste. C'est un épisode qui me tenait à cœur aussi, vraiment. Je sais pas pourquoi, parce que Chris, c'est pas moi, là. Je veux dire, j'ai pas trippé ces Baby Spice quand j'étais jeune. Ben, peut-être, hein? Non, peut-être pas tout, mais il y a de quoi là-dedans qui me plaisait beaucoup. Ouais. On n'en parle pas dans l'épisode, ben je ne voulais pas mettre le doigt là-dessus justement pour faire un Black Panther, mais c'est la première femme qu'on recevait dans l'histoire du cabanon. Ouais. Un Black Panther, ouais. Tu sais, je voulais pas c'est faire vrai. Comme « Regardez comment on est là! » Ouais, comme Ghostbusters 2016. Parce que ça reste très man cave, notre projet, fait que j'étais bien content de recevoir, de recevoir Sarah. Et d'ailleurs, as-tu trouvé des images, des mini-spices? Les mini Spice, non, mais le groupe auquel Joël faisait allusion, vas-y donc, Joël, raconte ça. Ben, c'est ma copine Audrey, qui a une amie qui était dans les. C'est pas les mini Spice, c'est les Lady Spice. Parce qu'il y a plusieurs groupes. Les mini Spice en étaient un de ceux-là. Okay. Fait que ça dépend des régions, mais je pense que dans notre coin, ou je sais pas si c'est en Mauricie, il y avait les Lady Spice. Puis elle a envoyé des photos qu'elle avait prises, des photos de posters. Fait que, mais c'est, on n'a pas de footage vidéo. Des mini. OK. Fait que, ouais, c'est ça, parce qu'Anto, il a fait un cri du cœur sur Facebook. Oui. Il y a qu'à ça, les mini-spires. C'est qu'on fait référence dans l'épisode à 3-4 affaires qui sont. Tu sais, vous le savez, quand je me mets à chercher de quoi, je suis comme le Liam Neeson des extraits obscurs. Là, je lâche pas. C'est-tu. Ah ouais. Puis il y a vraiment 3-4 affaires dans cet épisode-là qu'il n'y a rien à faire. Genre, il n'y a absolument rien à faire. Ouais. Entre autres, Sarah, à un moment donné, va raconter qu'elle s'est fait niaiser par Louis-José Hood à Dollar à Clip. Puis ce qu'on retrouve de Dollar à Clip sur Internet, c'est un genre de 5-6 heures de footage, mais sur comme quelques années d'existence. Fait que c'est pas exhaustif. Puis j'ai pas trouvé cet extrait-là. Mais bref. J'ai une cassette de Noël des Baby Spice, si tu l'avais, Anto. Ben, je l'ai déjà. J'étais une très grande fan quand j'avais 8 et 12 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé à 9, 10 et 11 ans. Alors, c'est entre 8 et 12. Ouais. Ah, entre. OK, parfait. Ouais. Ça serait hot, ton t-shirt, Anto, mais avec les cassettes des Baby Spice. C'est un défi, ça. Ouais, c'est ça, ça se fait. Mais no joke, ouais, on a fait un épisode sur les Baby Spice qui s'en vient, puis c'est que je suis content. Je pense que ça va être un bon épisode. Un peu dans le genre de celui avec Courte Manche où c'est un peu moins épais que d'habitude, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a un bon c'est quasiment entrevue, là, tu sais. Ouais. On parle de la cassette, mais tu sais, on parle beaucoup de. En même temps, c'est questions. Nono pareil. Oui, ben oui. Ah, elle a tellement été bonne joueuse, là. C'était tellement le fun. Là. Ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas avoir fait avec ça en tour. Simon Villeneuve qui dit est-ce que Guy Cloutier était leur agent? Non, leur entourage, c'était entre autres leurs parents. Fait qu'il n'y a pas d'histoire d'horreur de ce côté-là. Puis c'est des questions qu'on a posées, by the way, Simon. On a posé. Écoute, toutes les questions qui nous ont passé par la tête, on a pu les poser, puis ça a été bien cool avec ça. Je pense que ça reste ça a bien été dans son cas. Il y a bien des histoires d'horreur d'enfants vedettes. Là, mais ça donne un épisode vraiment trippant. Frédéric qui nous demande, avez-vous un film que vous aimeriez n'avoir jamais vu, un film à effacer de votre mémoire? Tusk. À part Battlefield Earth, bien sûr. Ouais, toi, c'est Tusk, Joël? Ben, possiblement. Il y a sûrement d'autres films pires que ça que j'aurais aimé ça ne pas voir, mais
Moi, je prédis que je ne l'ai pas encore vu, mais Movie 43. Là. Movie 43? Ouais, c'est ça. Quand je vais l'avoir vu, je vais souhaiter de ne jamais l'avoir vu. C'est moins pire que tu penses. Ouais, je pense. Ouais. Mais c'est un film à sketch vraiment niaiseux. Ouais. Vraiment niaiseux. Sûrement d'autres choses. Je pense à ça. Vous autres? Ouais, film. Ben moi, Winchester, en fait, dans les dernières sorties horrifiques de studio en salle, il y en a un hostie de chier que j'aurais aimé ne pas voir. Je commence à être un peu blasé de ces films-là. Dans la dernière année, The Grudge, le soft reboot ou le reboot, je ne sais pas comment ils l'appellent, j'ai vraiment haï ça. Ensuite, The Boy 2, la suite de The Boy. J'ai détesté ça. Mais Winchester, un peu avant, j'ai haï ça pour m'en confesser. C'est souvent l'horreur. On dirait que quand l'horreur s'attire à côté de la cible, c'est que c'est raté. Là. Ouais. Peut-être Double Down on Neil Breen. Écoutable. Sûrement des. J'essaie de penser à des nanars, mettons, ou des films qu'on a fait Dans le cabanon. Ok. Attends, ouais. Il était tough à écouter. Ouais, mais tu sais, quand tu dis, ouais, ça a résulté, ça a fait un épisode quand même. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. C'est que, dans le contexte du cabanon, c'est hot, ces films-là, de nous faire souffrir. Là, ouais. Pas trop souvent, quand même. Cats, ouais, c'était tough. Ça a vraiment été pénible. Mais j'étais content. Je suis content. C'était épouvantable, mais je ne suis pas déçu de l'avoir vu. Je ne veux pas l'effacer de ma mémoire. Là. Je ne suis pas trop mal. C'était une belle anecdote, mais l'avoir vu seul au cinéma, ça aurait été l'histoire. Je pense que je n'aurais jamais raconté ça à personne. Et le fait d'être avec vous trois, avec la soeur à Joël aussi, je ne sais pas. Il y avait de quoi de drôle, les petits regards de « Hit, tabarnak, qu'est-ce qu'on fait ici? » Ouais. Jean-Gab avec la face d'un pomme, comme c'est un cauchemar. Ou peut-être Pocket Ninjas, là, c'était tough. On a fait mis à part l'épisode, là, on l'a écouté pour faire un épisode, ça c'était le fun, mais la première fois que je l'ai vu, asti, c'était pénible. Là. Puis vous autres aussi, vous ne l'avez pas aimé, je pense. Hey, ben, on peut-tu, on a parlé de l'épisode qui sort mardi prochain. Jean-Gab, t'es-tu sûr de ton choix? On peut-tu spoiler quelques personnes live? Cool. C'est quoi qui va suivre dans 3 semaines, dans le fond? Oui, ben oui, on avait fait un épisode sur Samurai Cop. Puis Samurai Cop, dernièrement, c'est en 2015-2016. Bref, en 2015-2016, ils ont fait un 2, puis c'est un film qui est self-aware. Là, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont conscients du résultat du 1. Fait qu'ils ont fait un 2 avec ça. Fait que ça risque d'être un film. Je pense qu'on va avoir du fun à écouter. On n'a pas fait de film vraiment self-aware encore dans le cabanon. Bon, peut-être. C'est un genre de Amazing Bulk. Je pense que c'était assez conscient de ce que c'était. Ouais. Possiblement, ouais, t'as bien raison. Ouais. Tu sais, j'ai regardé pas mal d'extraits puis je pense qu'on va avoir du fun. Il y a Tommy Wiseau dedans, juste pour ça. Je voulais faire le pont vers une nouvelle qui est tombée la semaine passée. Ouais. Tommy. Qui a perdu son procès contre des documentaristes ontariens, des documentaristes canadiens qui ont réalisé le documentaire The Room Full of Spoon, dans lequel on dévoile son âge, ses origines, son nom d'origine, puis on utilise des extraits de The Room, 7 minutes en tout de The Room, pour une 60aine de clips, si je ne me trompe pas. C'est un documentaire que, moi, au premier screening de The Room que j'ai vu, il y a peut-être 3 ans, il y avait une bande-annonce de ça, fait que je l'attends depuis un bout, puis ça pouvait pas sortir parce que Tommy Wiseau poursuivait les documentaristes canadiens derrière ça. Et le 23 avril, je pense que c'est passé en cours au mois de janvier, puis le verdict est tombé le 23 avril. Tommy Wiseau leur doit 700 000 $. Parce qu'ils n'ont pas pu sortir le documentaire. Ouais, ils n'ont pas pu sortir le documentaire, ils voulaient le sortir au moment où Disaster Artist est sorti. Ouais. Fait qu'eux autres, ils voulaient surfer sur ce buzz-là qui était palpable à ce moment-là. Ouais. Puis ils n'ont pas pu. Fait que la cour a évalué que c'était comme un genre de 500 000 de pertes plus 200 000 de dommages punitifs. Fait que 700 000 $. Fait que j'imagine qu'ils vont le sortir. Ben, c'est sûr que oui. Ouais, mais ils ont annoncé sur leur page, après qu'on s'en soit parlé aujourd'hui, je suis allé voir sur leur page à eux que je suis, ils ont annoncé qu'ils cherchaient un service de streaming pour le distribuer. Ouais. Fait que j'attends avec impatience. C'est sûr que Netflix devrait sauter là-dessus. Ben, c'est que je sais pas à quel point c'est une production de qualité, par exemple. Ouais. Je sais que ça va être intéressant,
Mais je ne sais pas. De mémoire, là, la bande-annonce, ça fait longtemps que je l'ai vue, puis c'était pas là, la grosse affaire. Là. OK. C'est okay, du okay, bon okay. contenu, mais dans un contenant peut-être un peu. De cul. Ouais. peut-être, ouais. je ne sais pas. François Beaupré qui disait avez-vous écouté Barb Wire dans le cabanon? Moi, ce film-là, je me souviens de l'avoir vu quand j'étais jeune. C'est avec Pamela Anderson? Ouais. Puis, il me semble que c'était vraiment... T'étais bandé? Ben, constamment. Ben, comme encore ah. aujourd'hui, un coup de vent, puis c'est réglé. Mais ah. J'avoue, ça pourrait être intéressant, par exemple, parce que je serais curieux de voir dans... Ben, c'est considéré comme un mauvais film. Là. C'est, ouais, je pense que il y a du potentiel. Là. Je ne sais pas si... Il y a bien des choses à dire dessus, mais on pourrait ben, il y a des trucs à dire aussi sur Pamela Anderson. Le reste, que c'est une icône canadienne. Ouais. Ça pourrait être le fun. Ouais, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Ouais, puis c'est de mainstream. Il y a un film mainstream, une fois de temps en temps, ça fait pas ouais. de tort. Là. Ouais, vraiment. C'est ouais, une bonne ouais. idée. Il y a Louis, il y a mon ami Louis Dion Dussault, que je salue. J'espère que tu vas bien, Louis. Hey, Louis, tes photos de macro toutes, c'est vraiment bon. J'ai check tout le temps. Ouais. Je te trouve talentueux. Nice. Louis qui dit le pire film, Sharkenstein. Puis je ne l'ai pas vu, mais asti qu'il y en a. Des So Bad It's Good, Self-Aware de requins. Hein? De requins, requin, ouais, ouais. C'est un sous-genre. C'est quasiment un genre en soi. Là. C'est un sous-genre. Ben, le prochain film de Tommy Wiseau, Big Shark, en est un. Ouais. Ah, je ne sais pas. C'est ouais. comme tout des je ne sais pas quand on va le voir. Pensez-vous ouais. que c'est à cause de que c'est Sharknado qui a parti ça? Je sais pas si c'est lui qui l'a parti. On dirait que moi c'est à partir de Sharknado que j'ai remarqué qu'il y en avait. Ah, il y en avait avant ça. Il y en avait avant ça. Ouais. Ouais. Sharknado, c'était un qui était populaire, là, mais il y en a eu. Ouais. Depuis Jaws, en fait. Depuis Jaws, il y a des pâles copies. Puis surtout même dans les années 2000, il y en a énormément. Là. C'est comme le requin à quatre têtes, cinq têtes. Puis, ouais, vois. Mais c'est ça, le Shark Octopus. Ouais, c'est ça. Plein. Le requin de sable, là, tout ça. Mais Sharknado, c'est un des plus populaires, mettons. Là. Mais il y en a un crissement gros. Là. On pourrait faire le podcast ouais. juste là-dessus. J'avais l'impression que le côté ridicule là, de Sharknado, puis tout est déboulé après, puis le monde nous dit qu'il cherchait de quoi de plus. Ouais. Le Stonado, c'est dur d'être plus ridicule que les derniers Sharknado. Là. Ça, ouais. C'est dans l'espace ouais. Avec des personnages qui reviennent dans des voyages temporels, puis des failles qui se promènent d'un pays à l'autre. Puis... Tara Reek, tu sais, des lasers. Frankie Muniz dans un corps de robot. Ah. C'est David Hasselhoff dans l'espace avec une chainsaw laser. Un lightsaber. LP Langlois dit. Je les trouve tellement pas bons, ces films-là. Le Self-Aware ruine ça pour moi. Je sais pas pourquoi. On dirait que moi, ces films-là, c'est un peu l'exception à la règle, les Sharknado. Ouais. Ils sont le fun. Hein. Mais il y a certains Self-Aware qui marchent pas. Mettons, Pan Man, c'était juste... C'était pas assez drôle, tu sais. C'était juste pas bon. C'était raté même dans Self-Aware. Puis là, je suis curieux de voir Samurai Cop 2, ça va-tu être ça? Ça va-tu être, ah ouais, c'est vraiment drôle ou c'est juste, est-ce que ça fait pitié, tu sais? Ouais. Il y a deux trucs cool ici. Benjamin qui dit Big Shark, c'est un gag. Tommy, c'est pas vrai. Sister Rowe l'a dit au Q&A de Best Friend au cinéma du parc. On était là au Q&A au cinéma du parc. Puis je me rappelle pas de ça, Benjamin, honnêtement. Je pense que ça sent bien, ouais. Big Shark. Je sais pas quand, là, parce que Tommy Wiseau a comme la fâcheuse tendance de laisser traîner les affaires un peu. Mais, ouais. Mais j'ai confiance que ça va venir, ce film-là, un jour. C'est pas te le rappeler, Benjamin, quand ça va sortir. Ça. Jean-François qui dit « Avez-vous vu le Tintin de Peter Jackson et Spielberg? » Moi, j'ai bien aimé, même si c'est familial. Moi, je l'ai vu au cinéma, puis je m'en rappelle pas tant. Non, moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu à super écran, puis je m'en souviens pas. Non. Super écran. Écoutes-tu la télé, mettons le... Parce que tout le monde parle, ben pas tout le monde parle, mais tu sais, on parle un peu de la télé fait pitié ces temps-ci. Là. Les moi, plateaux de tournage, je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Là, mais... Moi j'écoute j'écoute juste les nouvelles puis les points de presse à télé. Le reste, ouais. c'est Netflix ou Prime ou. Ouais. Non, je suis pas un écouteur de télé. C'est pour ça que j'avais pas de câble, en fait. Parce que, parce que j'avais coupé le câble là, ouais, ouais, avant, pendant deux ou trois avant mois. Avant de le remettre. Ah, ben là, ça me coûte 30$ par mois. Quoi, ça fait cinq fois qu'on en parle. Ouais. Mais non, c'est ça, jamais trop. Mais pour vrai, super écran,
Il y a des bons films qui sortent, là, fait que je regarde des trucs de super écran. Parce que tu peux commander les films, les regarder quand tu veux. Ouais. Fait que pour ça, ça va. Mais sont-tu juste en français? Comme sur les services de streaming? Pareil comme les services de streaming, ouais. Mais ils n'ont pas tous les mêmes films, c'est ça l'affaire. Ça arrive qu'il y a des films que je trouve juste sur super écran. Puis, un peu comme les services de streaming. Ça me donne juste un service de streaming de plus. Ouais, ouais c'est ça. Mais en fait, super écran va avoir les films que tu peux louer. Mettons, là, il n'y a plus de clubs vidéo ben, mais tu sais, mettons, sur iTunes, là, tu peux encore louer des films. Puis ouais. Après, ça va être sur Netflix ou Prime ou whatever. Je t'arrête tout de suite. Tu dis qu'il n'y a plus de clubs vidéo ben. Vidéo Centre-Ville a réouvert hier à Québec. Les ouais, gens mais Québec ça, qui nous écoutent. Ça, c'est particulier. Tu sais, il y a hey, c'est le fun, ce place-là. Ouais. Honnêtement, si je devais tourner un genre de clerk, ce serait ben oui. mon club ouais. vidéo. C'est plus un ben point. Oui. Ça, c'est un club vidéo qui vend des films. C'est un club vidéo de collectionneur. Tu sais. Ouais. Ton Vidéotron. Mais, il y en a oh, mais qui loue aussi. Là. Mais tout ce qui ouais, manque, ouais. je trouverais ça malade. Tu sais, le petit corridor qui mène vers le sous-sol de VHS. Ouais. Je trouverais ça malade qu'il y ait une patch de mur de préfini qui bloque le petit corridor. Puis il faut comme pousser sur ce mur-là pour voir le corridor. Juste comme pour rendre ça. Là. La caliverne d'Alibaba. Exactement. Mais ça, c'est pour la section adulte, là, mettons. Ah, aussi. Juste pour la section adulte. Vidéo Centre-Ville, les gens des environs de Québec, là, allez faire un tour là-bas. Là. C'est le fun, ouais. Maudit comme place. Puis le monde sont gentils. Oui, vraiment. Ouais. Alexandre Beauvais, Snake, ouais, Snake on a Plane, très bon, je me rappelle l'avoir vu au cinéma, puis la salle riait beaucoup. Ouais, avez-vous vu ça, vous autres? Ouais, moi j'ai vu ça, mais je l'ai pas vu. Ça a parti un peu une mode, tu sais, comme la relance des self-aware. Là. Avant Sharknado, il y avait ça, puis il y a eu Piranha 3D aussi qui a suivi. Mais, oui, c'est vrai. Mais ça, je comprenais pas trop. Tu sais, Snake on a Plane, je voyais ça, si tu voulais que ce soit poche. Puis ça a été écrit par. Avec du monde sur Internet, en plus, le scénario. Ouais. Ça a vraiment été un fucked up comme projet, mettons. Là. Ouais. Je pense qu'au final, ça a bien fonctionné. Puis je pense qu'il y a une version pour la télé, là, que Samuel Jackson, là, tu sais, Murder Loving Snakes, là, je ne sais pas trop, il ne dit pas Murder Fucking. Je pense qu'il y a une version. Je ne sais plus si ça a été redoublé ou si ça a été... si on fait une autre take pour la télé, mais c'est... Les Zylum n'ont pas distribué un rip-off de ça. Non, mais c'est plus le nom. C'est un autre animal dans un autre moyen de transport. Ah, ça se peut gagner. Mulot on a train. Asylum, on serait dû pour un Asylum hein, dans le cabanon. Fait on serait vraiment dû. C'est quand le dernier? C'est Titanic 2? Ben, Titanic 2, ça fait longtemps. Là, c'est ouais. Le dernier et le deuxième épisode. Parce qu'il y en a d'autres des Asylum qui sont pas mal drôles que ça. Là, il y en a. Je suis sûr que oui. Puis ils ont tellement tout refait. Les Pacific Rim, les Indiana Jones. Mais encore là, c'est toi le problème que c'est self-aware, fait que c'est dessus, tu sais. Ouais. Tu déroses, tu. C'est Snake on a Train. Ah, c'est ça. Ah. Ouais. Merci. Je savais que c'était un autre moyen de transport. Ouais. Bon, ben, bye! Non. j'ai vu des commentaires là, qui sont passés auxquels on n'a pas répondu. Y a-t-il une passe genre. D'un film qui vous rend le cœur gros à chaque fois, dont vous avez un peu honte? Il y en a tout plein, Simon. Ouais. C'est Simon Villeneuve qui pose la question. Mais moi, le film Coco, la finale, je pleure tout le temps. Moi, c'est vraiment les... J'ai du honte, c'est un comique, là. C'est juste pour ça, peut-être un peu. Ah, non, t'as pas à avoir honte. Genre. Moi, je pleure pas. Marley et moi. Marley et moi, là, no joke, là, y a une anecdote où on écoute le film... C'est dans notre ancien appart, à ma blonde, puis moi, on écoute le film. Pour vrai, tu sais, je suis un peu stoïque, mettons. Tu sais, j'écoute le film, je suis stoïque. Puis elle me dit, ça va-tu? Je vois. Numéro un. Je m'en vais dans la salle de bain, je vais prendre ma douche, je braille dans la douche. OK? Ma blonde, elle arrive, là. Je suis comme un petit bonhomme en train de pleurer, mais vraiment super triste. Elle me dit, ça va-tu? Oh là, il fallait que ça sorte. C'est comme pogné, là. Marley et moi, là, je peux pas réécouter ce film-là. Moi, tu vois, c'est quelques films romantiques avec quand ça se finit mal. Pour l'épisode pour notre spécial Baby Spice, je suis retourné dans des extraits du film A Walk to Remember. Tu sais, un genre de badass qui tombe en amour avec une fille un peu plus nerds qui est en fait malade puis qui va éventuellement décéder.
Puis là, ce badass-là va se laisser attendrir, puis il va pleurer sa vie quand la jeune femme va décéder. Puis je cherchais des extraits de ça pour notre épisode. Finalement, je n'ai pas mis, by the way, je ne cherchais-les pas. Là. Ouais. Mais je cherchais ça, puis j'étais comme, c'est donc ben fucking triste pour elle. C'est triste, là. Je sais pas, peut-être que c'est la pire affaire qui pourrait m'arriver, là, de perdre ma blonde d'une maladie comme ça, dégénérative. Ouais. Moi, je sais pas, des films que je réécoute puis qui font pleurer à chaque fois, je sais pas, il y en a sûrement, mais... J'y réécoute pas, moi, ces Ben, c'est ça, tu sais, moi, il y a un film qui m'avait pogné, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait comme fait mal, c'était Amores Perros, Amour chien en français, de... un film mexicain, Alejandro, quelque chose, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais c'est un film, c'est comme, je pense, c'est trois ou quatre histoires avec des chiens, un peu comme Pulp Fiction, des histoires comme plus ou moins liées ensemble, là. Puis c'est des chiens, puis en même temps, c'est comme des combats de chiens, puis c'est assez cruel, puis en même temps, il y a des chiens qui meurent, puis on dirait que quand c'est des animaux qui meurent, on dirait que ça vient me chercher, là. Hey, John Wick, quand le chien meurt, pour le il y a beaucoup de... Ah, le Vincent Arsenault qui dit le tombeau des... Mon beau-frère, qui dit le tombeau des Lucioles. Ça revient souvent, je ne l'ai pas vu encore. On dirait que j'ose pas. Fais pas ton brailler, c'est un... Ça fait un bout de... Ouais, mais ça, c'était tough. Puis... Il y a quelqu'un qui dit « L'été de mes 11 ans ». J'ai vu ce titre-là passer cette semaine. Alexandre qui dit ça, « L'été de mes 11 ans », puis... C'est-tu dans ce film-là qu'il y a un jeune qui meurt dans un autobus qui est en train de plonger dans l'eau? Non, l'été de 11 ans, c'est les guys. Je ne sais pas, spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais c'est un vieux film. Voilà. C'est, en tout cas, il y a un personnage qui meurt à cause des guys, là. Fait que c'est ça. On n'en dira pas plus. Puis c'est triste. Okay. Titanic, j'y peux rien. C'est le festival des larmes chaque fois, Natacha. Ben oui, c'est vrai que c'est triste, Titanic. C'est vrai. Le pire, c'est Rémi sans famille. OK, mais voir ça, c'est un sujet qui touche le monde en ligne avec nous autres. Là. On chante-tu à la toune? C'est quoi qui vous fait brailler? Je suis sans famille. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Bon, c'est pas mal ça, là. Peux-tu, est-ce que ça a coupé, Joël? Peux-tu la rechanter? Ah, il y a un film de ça, c'est vrai. Oui, il y a un film de sortie. Oui, qui est sorti quelques années. Un film français. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est bon. Là. Ouais. Ça avait l'air, je crois que ça avait l'air quand même assez fidèle. À... Ouais. En tout cas, je ça ne m'intéresse pas tant. Mais... Les dernières années, en France, il y a bien des films qui sont sortis de séries télévisées que je suis comme, oh, genre Aladdin. Aladdin? Oui, avec Aladdin français. Ouais, avec Kev Adams qui joue Aladdin. Ouais. On parle du premier et non du deuxième. Ben, pas Aladdin 2. Ben, il y a Aladdin 2 aussi, mais les deux. Ouais, mais t'as peur, là. J'ai manqué un bout. Là, on parlait des films tristes, là. Le film avec Kev Adams. Non, c'est tellement pas triste, aussi. Moi, c'est triste. Moi, j'ai voulu me pendre en écoutant ce film-là. T'as pas bon. Non, moi, je parlais des films français qui font des. Comme, des films qui viennent de dessins animés ou d'histoires. Je me suis penché à la tête pour regarder des commentaires, puis Jean-Gab était en train de dire qu'il broyait quand il écoute Aladdin avec Kevin. Mais le film qui font broyer, continue à venir avec nous. Ah, mais c'est assez, là. Je l'ai assez chanté. Les drames en général. Ben, c'est... moi, récemment, Arrival, je ne dirais pas la fin, mais Arrival, la fin, j'avais le menton un peu. C'est comme... Ouais, hein? Ouais. Avec ouais. La musique est créée, c'était 40 aussi. Fait que ça... Le punch est le fun aussi. Ouais, c'est mon dire. C'est quoi? Mais tu sais, la musique qui est pour beaucoup de choses. Là. Je pense que c'est la musique de Arrival, c'est la musique de Johan Johansson, qui est décédé pas longtemps après Blade Runner, si je ne me trompe pas. OK. Qui avait fait la musique aussi de Blade Runner, qui devait faire la musique. J'espère pas dire n'importe quoi, mais qui devait faire la musique de Mother de Darren Aronofsky, puis finalement, il n'y a juste pas eu de musique dans le film. OK. Il était comme un grand compositeur de musique de film qui est décédé. Ça me dit quoi, ça? Les dernières années, ouais. Ouais, c'est ça. Puis de mémoire, la musique de Arrival, c'est lui. Mais en général, dans les films, que j'ai le moton, c'est la musique qui m'affecte beaucoup aussi, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est toutes les fois que quelqu'un meurt, quelqu'un de profondément aimé par d'autres personnages, ça vient me chercher beaucoup. Mettons, quelqu'un qui perd sa blonde. Même âgé, là, quelqu'un avec qui il a passé trop de temps, là, moi, ça vient. Là. La dernière fois, j'ai braillé vraiment pour une... C'était pas un film, c'était une série, je dirais pas c'est quoi, là, mais c'était en Boardwalk Empire. Je finis l'épisode, puis je me mets à brailler. C'est pour vrai, là, des vraies larmes. À part de ça, là, comme une fée-fille. Non, c'est pas vrai, j'étais un gars, je braille pas, voyons.
Ça fait longtemps que j'ai braillé, mais je braille. Mais ça fait longtemps. Je me souviens plus c'est quand la dernière fois. Je pense que c'était une histoire d'impôt l'année passée. Et Seigneur, moi, si j'aurais broyé à ta place. Intouchable, un classique des films touchants. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment touchant. Mais c'est pas triste, Intouchable, par exemple. C'est vraiment... Il y a beaucoup de lumière dans ce film-là. Ouais. Beaucoup de lumière. Puis j'ai vu l'adaptation québécoise au théâtre avec Antoine Bertrand et Luc Guérin. Puis c'était une très bonne pièce. C'est vraiment bon. C'est le début de Hop. Début comme un classique. Non, mais moi, j'ai vu le début, mais ouais, c'est vrai. J'ai pas vu le reste, mais c'est. J'ai l'impression que le reste du film, il vaut pas tant la peine. C'est le début. Ah non, c'est un bon film. Ouais. Non, c'est un bon film. Non, c'est un bon film d'animation. Oh, oui. C'est bon. C'est vrai que les débuts, là, c'est vrai que c'est fucking touchant. Ouais. La ligne verte est revenue deux fois. Les films qui font brailler. Ouais. John Caffey. La finale de Toy Story. Hey, Toy Story, je. Ouais, shame on me, j'ai même pas vu le. J'ai pas vu 2, 3, 4. J'ai vu le premier. Ouais. J'ai peut-être déjà parlé, mais fait que je sais pas c'est quoi la fin du trou. Le 2, il m'a marqué plus ou moins. Je l'ai vu une couple de fois, il m'a marqué plus ou moins. Mais les 3 et 4, c'est vraiment bien. Ouais. Le 4, j'ai écouté récemment. Je pense qu'on en a parlé dans un live précédent. Puis, fuck, ça m'a donné le goût d'écouter des films d'animation. J'ai rarement le goût d'écouter ça. Puis là, j'écoutais ça. Puis j'ai compris, fuck, c'est vraiment bon, ça. La finale de Tree of Life, je ne sais pas, j'ai jamais fini. Jamais vu. J'ai jamais été capable de finir ça. Ben, tu sais, en tout cas. C'est sûr que ce genre de film que tu écoutes à 11h le soir avant de te coucher, le son pas fort, c'est pas l'idéal. Ça fait que je m'endormais tout le temps. J'ai écouté comme cinq sessions, je m'endormais tout le temps. Mais j'ai juste arrêté. Mais... Alexandra Bovet qui dit « Quand Pamela Anderson assomme le gros chauve dans Barb Wire avec sa palette tant de creux. » Je broille tout le temps. Ouais. Tant de cruauté. Ça va avoir l'air cliché, mais Horror version 2005 me donne le cœur gros. Ben, honnêtement, je ne l'ai pas vu Horror parce que je savais que ça allait être ça, le backlash. Là. Je suis convaincu que c'est un des films les plus tristes ever. Là. Ouais. Oh. Marc-André Arsenault, je m'ennuie de La Boîte Noire. Oui, La Boîte Noire, c'était un gros club vidéo qui vendait et louait des films, je ne me trompe pas, à Montréal. Puis il y avait crissement du stock, de répertoire des affaires. Nowhere, que tu sais, comme ton sextet avec. Ouais. Ça se fait, j'en garde. Il y avait ça. C'est pas un film porno, c'est un film. En tout cas, c'est une comédie musicale dégueulasse. Ouais. Il y avait ça à louer, tu sais. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus à un moment donné. Mais... Je sais pas à Montréal aujourd'hui, mais à Québec, on parlait du vidéo centre-ville tantôt, mais il y a aussi l'audio vidéo DG que pour trouver des affaires que tu sais même pas que ça existe, là. Ouais. C'est quand même une place cool. Ah, c'est ça, je pense que c'est des places de collectionneurs qui vont survivre pour les clubs vidéo. Ouais. C'est ça, les clubs vidéo génériques avec les nouveautés, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Là. Oh shit, Frédéric Forget, il a le doigt sur le bobo en crise. Il dit que ce qui le fait pleurer, lui, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Stranger Than Fiction, que j'ai pas vu encore. Puis la finale de I Met Your Mother. Ah, I Met Your Mother, à 2-3 reprises, moi, je viens le cœur gros. Puis j'ai réécouté cette série-là 5-6 fois. Puis m'étonne pas. Puis je trouve ça bien touchant, bien drôle, puis bien beau. Mais c'est ça, Enter Sunshine of the Spotless Mind, c'est le genre de film que j'écoutais comme en rupture. Là. Après une rupture, je me tape ça. Fait que c'est ça que les larmes viennent facilement. À chaque fois que tu écoutes ça, tu associes juste à la grosse peine. Le film commence, puis tu commences à brailler dessus. Ah, c'est ça, je comprends. Y a-t-il un film qui n'aurait pas dû vous faire brailler, qui vous a fait brailler? Attends, ça donne 5. Moi, je me souviens, dans... c'était quoi? On clique avec Adam Sandler. Ça a fait brailler. C'est triste à un moment donné avec son père. Comme film. La finale est triste. Moi, Capitaine Crochet, Hook, quand j'étais jeune, je m'en souviens. Là. Ouais. J'avais le film fini, je me suis mis à brailler. Puis j'étais jeune, mais pas si jeune, là, mais je me suis mis à brailler. Puis j'ai dit, j'aimerais ça habiter au pays imaginaire. Ah ouais. Mais tu croyais-tu parce que tu voulais être là? Oui, parce que je voulais être là. Ouais. Mais c'était assez. Bangarang! Luffy! Oh! C'était assez. C'est drôle, c'est Capitaine Crochet. Ma mère, l'autre jour, m'a écrit et elle a dit c'est quoi le vrai nom de Capitaine Crochet? Puis j'ai dit c'est James Hook. Puis elle a dit c'est bien drôle, ça. Ben, fin de l'anecdote.
C'est un beau punch. James Hook. Crochet. Mais non, je ne savais même pas. J'ai dû googler. J'ai dû googler en anglais, c'est Hook. C'est ça. Aussi simple que ça. Mais pour un film qui m'a peut-être braillé, je ne sais pas, mais mis le cœur gros, puis que ça n'aurait pas dû, le dernier des Maze Runner, Dead Cure, je pense. Ouais. Il y a un moment où le personnage principal doit combattre son ami qui est contaminé. T'sais. Puis je sais pas pourquoi je suis venu. C'est un film-là, là, Dead Cure, là, c'est pas une bon. Série qui me faisait capoter tant que ça. Mais j'ai été voir les trois cinémas. Puis le dernier, fouille-moi pourquoi, j'ai trippé sur ce film-là. Pour une raison obscure, c'est un film qu'à peu près tout le monde a détesté, on dirait. Puis il y a plein de moments là-dedans. Il y a des beaux moments là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai aimé le premier. Je l'ai aimé. Moi aussi. Le deuxième, je ne l'ai pas aimé. Beaucoup de monde ne l'a pas aimé. Moi, il m'a laissé un peu indifférent. Ouais, mais le troisième aussi, je l'ai vraiment aimé. Puis, je pense qu'on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, moi. Puis je pense que je me souviens d'avoir trouvé ça audacieux comme film. Tu sais, là, on revient tout le temps, on parle tant de ce bout-là. Il y a un plan où que le monde part à courir puis passe au travers d'une fenêtre puis la caméra va les suivre jusqu'en bas. Mettons. C'est un beau plan, j'y repense souvent. C'est vraiment beau. Parlant de broyage, vous autres, êtes-vous... Quand vous broyez à cause d'un film, est-ce que vous vous cachez pour le faire? Comme tout homme, ou vous broyez, mettons, si vous l'écoutez avec votre blonde, est-ce que vous allez broyer? Est-ce que vous êtes à l'aise de broyer devant votre blonde ou devant quelqu'un d'autre en écoutant un film? Ouh. Moi, je m'y suis vraiment les yeux vite, mettons. Ouais, moi, je suis plus... je l'avoue, je suis pas à l'aise. c'est rare que... Ça devrait pas. Là, mais... en écoutant un film, je viens le cœur vraiment gros, puis je viens comme... Si je réécouterais plus jamais ça, mais brailler des larmes. Les larmes, ça, c'est ça. C'est... Mais pour d'autres raisons, si je pleure, là, j'en viens aux larmes, je suis porté à aller me cacher. Je vais aller aux toilettes. Je suis pas porté à aller au centre les rivières brailler. Regardez-moi brailler! Marriage Story m'a sérieusement rendu triste récemment. C'est vrai que c'est un film assez... Je veux l'écouter, mais j'ai pas... Avec Adam Driver, puis... Ouais, puis Scarlett Johansson. Vraiment bon. Ouais. Vraiment un bon film. Il est sur Netflix, je pense. Oui. Ouais. Oui. Mathieu Boivin qui dit « Quand j'étais jeune, j'ai eu le cœur gros dans Gremlins. » Puis son grand-père disait qu'il allait y chercher un Mogwai, puis il attend toujours. C'est grand-père, tabarnak! Hey, mais Jean-Gab, je pense que tu vas aimer Marriage Story. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que tu vas trouver. C'est dans les rares drames, peut-être que tu écoutes, celui-là devrait parler. Fouille-moi pourquoi, là. Joël aussi, je pense que tu vas aimer. Là, sûrement, mais là, moi, je pense juste au... Dans les commentaires, ça ne me sera pas super arrivé, mais la fin de la guerre des trucs. L'amour a pris son temps. C'est quand... Peux-tu juste... Ça a coupé, Joël. Peux-tu la rechanter, s'il te plaît? L'amour a pris son temps. Chantons, c'est tout le chanteur, ici. Mais Anto, il chante bien, il chante pas drôle. On va mettre de quoi au clair, je chante pas si bien que ça. Chante juste. Au moins, tu chantes juste. Je chante... auto-tuné. J'ai eu des cours de prise de son, c'est ça qui est arrivé. Juste pour en revenir à garder des trucs, moi, j'ai pas vraiment écouté ça quand j'étais jeune, fait que j'ai pas la nostalgie, puis je l'écoute pas à Ciné-Cadeau à chaque année, puis je sais que c'est de ma génération, mais c'est pas un film qui... Ouais, moi non plus. Je m'en crisse un peu, puis je sais bien que c'est peut-être un blasphème, il y a bien du monde que c'est leur film préféré, je comprends ça, mais moi, je vais surenchérir, je l'ai même jamais vu, moi. Ah ouais? Ni les deux en 3D qui sont sortis. Remake, Il va falloir je m'y mette. Là. Peut-être Noël prochain, si on est encore en confinement et que je vais écouter des vieux films. Steve qui demande est-ce que Joël peut chanter tout le long? Non. Tout le long du reste du live ou tout le long de toute la tour? Dead Cure, était-ce le film qui s'appelle Le Labyrinthe en français? C'est le troisième volet de la trilogie Le Labyrinthe. Puis c'est un film, astie, que je sais pas pourquoi il m'a tenu sur le bout de mon siège tout le long. Puis c'était pourtant là, un film très mainstream dans une ère d'adaptation de livres très mainstream comme... j'ai oublié l'autre là, qui n'ont jamais fini la série. Oui, c'est ça, je suis en train de me demander. J'ai complètement oublié avec les fractions. Là, fractions. Ouais, c'est des factions. Quoi donc? Ouais, le premier, c'était quand même...
pas pire partie. Oh, ouais, moi, j'ai vu ça au cinéma avec un pote à chaque fois. Puis j'étais comme, je vais être là jusqu'au bout. C'est pas des grands films, mais je vais être là. Puis ils l'ont juste jamais fini. Bref, c'était juste comme, tu sais, le labyrinthe, c'était vraiment dans une ère où il y avait beaucoup d'adaptations de ces livres-là, un peu jeunesse. Mm-hmm. Et puis, je sais pas pourquoi celui-là est venu me chercher plus qu'un autre. Tu parles pas de David Bowie avec sa grosse poche. Hein? Labyrinthe. Labyrinthe, le film avec David Bowie. Qui a, ça date il, comme en, il est comme en collant. Non, mais... C'est une c'est blague. Le Goblin King. Goblin King, ouais. Très bon film. Ah oui. Quel est votre film? Hey, on va arrêter de parler de broyage. Quel est votre film d'enfance préféré? C'est Caroline qui demande ça. Je sais pas, j'en ai parlé dans le dernier live, mais c'était comme les guilty pleasures, les films pas bons, mais qu'on aime. Là. C'est, mettons, The Wizard, L'Enfant Génial, le film de Nintendo avec Fred Savage. Ouais. Est-ce que c'est mon film d'enfance préféré? Peut-être pas, mais c'est un film que j'ai écouté dans mon enfance, que j'aime bien réécouter des fois. À part de ça, Home Alone, tu sais, comme tout le monde, chaque année, chaque Noël. Ben moi, mon enfance étant plus récente que la vôtre, c'est le premier Harry Potter, mon film d'enfance préféré. Ah ouais? Ah, c'est que ça aurait été un film d'enfance pour moi aussi. C'est tellement. Encore aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup d'autres volets de cette saga-là que j'aime, mais le premier, il y a de quoi de vraiment magique. Puis il est associé à beaucoup de souvenirs aussi pour moi. Fait que, le premier Harry Potter. Ça fait penser, j'ai réécouté cette semaine le premier Honey, I Shrunk the Kids. Chérie, j'ai raison les enfants. Ben ouais. J'avais écouté comme. Je n'avais pas revu depuis que je l'avais loué en cassette genre en 92, je ne sais pas quel, mais en tout cas. Ça a bien vieilli. Ça a bien. Ben, tu sais, les effets spéciaux, un peu moins. Tu sais, il y a du stop motion, puis des fois, du espèce de blue screen que ça paraît. Mais tu sais, quand tu oublies ça, juste encore, c'est encore bon. Tu sais, moi, je me souviens juste des grosses fourmis, puis du crémage d'un biscuit. Ouais, c'est ça. Ah ben, aussi, je m'en souvenais. Je me souvenais des scènes clés comme ça. Puis, OK. Oh, nice. Non, c'est encore bon. C'est un petit film. C'est un bon petit film. Ils sont tous sur Disney+. Ils sont tous là. Ah, OK. Peux-tu répéter ça, Joël? Disney+. Disney+, ouais. C'est drôle que ça vienne de toi. Ah ouais. T'as pas vomi en disant Disney, c'est drôle. Ah ouais. Ben oui, je l'ai Disney+. Joël, dans la dernière semaine, il m'a envoyé un clip de l'opening de Disney, tu sais, le château. Ouais. Un bon genre 10 secondes, puis à la fin, il fait juste crier « Tabarnak! » Ouais, c'est avant de commencer Le Roi Lion. Le Roi Lion, le remake, il a une demi-heure de plus, mais je l'ai comme pas remarqué. Sur Disney+? Comme... Ah non, tu parles de plus que le dessin animé? C'est souvent ça, je pense, leur live action à Disney, c'est de faire des films plus longs que les dessins animés, comme Dumbo, mettons. Ouais, je sais qu'ils ont rajouté genre une toune, mais en tout cas... Je suis dû pour écouter le dessin animé. Il y a Billy qui demande, avez-vous un film que vous avez vu au cinéma puis que plus tard, quand vous l'avez revu en DVD, vous vous êtes dit, ouais, c'était pas si bon que ça, finalement. plus tôt, je parlais, pour ceux qui étaient là, je parlais des comédies qui sont sorties dans les dernières années. Puis souvent, une comédie qui a réussi à me faire rire au cinéma, si j'ai le malheur, dans les dernières années surtout, là, si j'ai le malheur de réécouter chez nous ou de dire à quelqu'un comme à Joël ou à ma blonde ou à Jean-Gab, écoute ça, en le réécoutant, je vais me rendre compte que ouais, c'était le fun une fois. Genre Holmes and Watson. Ouais. Genre Holmes and Watson, mais Holmes and Watson ne m'avait pas marqué autant que, mettons, Le Retour de Papa 2, qui est un genre de film de Noël avec Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson... puis le gars dont j'ai oublié le nom qui était dans Pet Sematary, qui m'a fait une grosse surprise. Le Trinity Killer. Ça se peut. Par Dexter. OK, ça se peut. Bref, le retour de Papa 2, moi, je l'avais vu avec notre ami commun Pat Lapp au cinéma. Puis, astique, ça m'avait fait rire. Puis, je l'avais fait écouter à ma blonde en disant hey, c'est un film de Noël qui est drôle. Puis, en le réécoutant avec elle, j'étais comme. Ah, c'est moyen, finalement. C'est pas si hot que ça. Mais moi, je dis pas que ça arrive, ça arrive. Mettons, un film que j'ai réécouté, pas pour dire que c'était mauvais, mais que j'ai pas autant trippé, c'est, mettons, Inception. Au cinéma, j'avais bien aimé ça. J'ai réécouté en DVD. Il me semble que c'est long. Je sais pas. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood. Peut-être que je réécoute une troisième fois. Ou bien le premier, Batman Begins, que je l'ai revu par après. On dit, au cinéma, j'avais capoté, mais
Moi, je l'aime encore, par exemple. Quelqu'un qui a dit ça plutôt dans les commentaires, qui a dit que je ne l'avais pas aimé à première vue, puis c'est devenu un de mes préférés. Je comprends bien de la franchise ou de la trilogie. C'est venu plutôt hein, dans soir. Je suis dû pour toi réécouter cette trilogie-là. Moi, c'est le troisième que j'ai vraiment moins aimé. Hein. Ouais, moi, j'avais... Non, même au cinéma, moi, je n'avais pas aimé. Ouais, ouais. Moi, j'étais ben, déçu. Le mot d'ordre, je pense, c'est The Dark Knight qui ressort de cette trilogie-là. Là. C'est nettement le deuxième. Qui... Ouais, ouais, ben oui. Ouais, ouais. De loin, ouais, ouais. Mais... Ouais. Je veux le voir, moi aussi. Ça a l'air que Jack Black joue dedans. Tant... Histoire sans fin 3. Hey, aucun de ces films-là d'un bout à l'autre. Man. Ah ouais, pas vrai? Ah, moi oui, par exemple. Ouais. Histoire sans faire 1, Histoire sans fin 2, ça a pas mal été des films que j'ai écoutés souvent. Mais le 3, c'est... Ouais, c'est autre chose. J'ai juste vu des bouts, mais le 3, c'est épouvantable. Ouais. Oh, ouais. Mais il y a Jack Black. Ça c'est dans le 3 qu'il y a des petits jouets. Là. Ils craignent des petits jouets. Ils disent, j'ai des soldats. Puis là, ils sortent ça d'un sac. Ils craignent des jouets. Puis là, les jouets s'avancent vers des gardes ou je sais pas quoi. Puis là, il y a des feux d'artifice, en tout cas. Ça se peut, mais ça me fait penser au film Toys avec Robin Williams. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ouais. Il y avait un jeu sur Nintendo de ça. J'avais loué une fin de semaine, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y avait un jeu sur chaque film dans ce temps-là. Oui. Il faudrait qu'il y ait un film. Ben, moi, vraiment, main dessus, il y avait un jeu vidéo. Que... Un platformer de merde. Avez-vous joué à Vendredi 13 à la NES? Oui. C'est un des rares jeux de films dont je me souviens. Un des rares jeux vidéo. Ouais, puis c'est pas faisable. Là. C'est juste un petit labyrinthe. Puis, ouais, c'était pas faisable parce que j'étais trop jeune. Je sais pas aujourd'hui. Ben, la plupart des. Il y a beaucoup de jeux de Nintendo qui sont crissement durs. Là. À l'époque, c'est. Ben, les jeux étaient plus courts. Puis c'était plus proche, c'est un peu l'héritage des jeux d'arcade. Les jeux d'arcade, c'est super dur pour que tu puisses payer. Ouais. Les jeux de Nintendo, c'est des jeux plus pas très longs, mais difficiles pour que... Le but, c'est que je me suis rendu là, voici mon score. Je me suis rendu à telle place, essaie de me battre. C'est super bon, tu peux faire le jeu en moins d'une heure. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, mon image de cette compagnie-là, c'est que tout est très familial, aujourd'hui, facile ouais. et coloré. Et, ils tiennent par la main. Là, puis, c'est pas le dernier Mario, mais un des Mario, je pense que c'est 3D Land. Là, je pense qu'à un moment donné, si tu mourais trop souvent... Il y avait comme, tu avais un champignon qui apparaissait. Le jeu devenait plus facile. Ben, pour vrai, un champignon qui faisait que tu étais invincible. Là, c'est juste, c'est vraiment, c'est trop dur pour toi, on va t'aider. Il y en a pas même des Mario où c'est avec Yoshi, bébé, Yoshi Island, là, que quand tu tombes dans le trou, tu reviens dans une bulle, puis tu avances un petit peu plus loin. C'est le bébé qui. Yoshi's Island au Super Nintendo. Là. Ouais. J'ai joué à ça, les gars. C'est peut-être un des premiers jeux que j'ai mené bien loin dans ma quête. Ouais. Non, c'est un très bon jeu, mais non, c'est quand tu tombes dans le trou, tu meurs. Mais si tu te fais toucher, le bébé est dans une bulle, puis tu as comme 30 secondes, 10 secondes pour aller le rechercher. Puis il crie. C'est fatiguant. Le seul défaut du jeu, c'est ça. C'est qu'il est le petit bébé. Il y a Christophe qui dit le jeu de Rambo, c'est l'asile. Avez-vous joué à ça, Joël? Un petit peu comme sur émulateur, mais c'est une copie cheap du jeu de Zelda 2 au Nintendo. Là. OK, ouais. C'est en moins bon. Puis... ouais. Mais j'ai pas. Mais tu sais, moi, j'ai tout écouté les Angry Video Game Nerd. Là, fait que tous les jeux de marre de Nintendo, ils ont tout fait bon, dont Rainbow. Là, puis c'est pas bon. Deux bonnes questions qui viennent de popper. Frédéric qui demande votre dessin animé cartoon préféré. Moi, je pense que ça va rester les Simpsons parce que c'est peut-être le seul que j'ai autant écouté à la télé, du moins. Là. South Park, j'aime beaucoup leur humour, mais on dirait que j'ai pas la motivation de partir ça du début. Puis je suis pas capable de commencer une série à saison 12. Là, fait que... Ben moi, j'irais peut-être avec les Simpsons, mais les 10 premières saisons, mettons. Ouais. J'ai arrêté après ça, mais un peu comme South Park. South Park, j'ai peut-être écouté les 5 premières saisons, j'ai trippé, mais tu sais, il y en a plein des saisons que j'ai manqué, puis ma chose Family Guy, je suis plus à jour, mais je pense que quelque chose que je réécouterais, j'ai tendance à réécouter, c'est les Simpsons. C'est ce que j'ai écouté le plus souvent. Ah, moi, je suis plus Family Guy, par exemple. Ouais. J'ai jamais été hooké aux Simpsons comme quasiment 100% de mon entourage trip Simpsons, mettons. Ouais. J'ai écouté une fois de temps en temps, mais jamais comme un. Puis Family Guy, là, ça m'a fait rire à pleurer. Il y en a deux que j'aimerais réécouter. Moi, je me souviens d'avoir écouté beaucoup d'épisodes de King of the Hill, puis ça me faisait bien rire. Ouais, ouais, ouais.
bien bien la traduction québécoise me faisait bien triper. Ouais. Puis Daria. OK. Ouais. Ça, Daria, ah, je trouvais que c'était cynique juste à mon goût. Ouais. Ouais. Il y a bien du monde qui parle de Rick and Morty, là, mais je me suis jamais dit ouais. Ça. Oui. Ah, puis c'est le temps là, de commencer ça avant qu'il y en ait comme 3000 saisons. Ça, ouais, j'ai écouté une couple d'épisodes de la saison 1, puis c'est vrai que c'est drôle sur un esti de temps. Mais c'est drôle, puis c'est brillant aussi. Là. Ouais, ouais. Moi, c'est plus sa fanbase. Moi, je n'écoutais pas, puis on dirait que ça m'a turné off à cause de la fanbase. Là. La fanbase qui est l'espèce de mime avec la sauce au McDo. Là. Ouais. L'espèce de gars qui s'en va au McDo, puis crie, il monte sur le comptoir, puis il crie hey, vous savez pas le Szechuan sauce. Puis c'est comme. Puis c'est le monde qui dit non, non, mais la sauce Szechuan, en tout cas, c'est la sauce qu'il y avait au McDo, puis c'est comme rendu, ça rendu un mime sur Internet. Ça venait de Rick and Morty, fait qu'il y avait du monde qui allait quasiment manifester dans un McDo pour ça. Puis ils ont fini par la ramener, la sauce. Puis, parenthèse, Sylvain qui dit Daria, c'était pas mal. Ben, parenthèse, avez-vous des cravings de McDo, vous autres, dans les dernières semaines? Moi, c'est assez fou. Ben, ça fait un bout, je peux aller, mais... Ouais, j'avais pas même souvent une envie forte de manger ça. Puis dans les dernières semaines, peut-être parce que c'était au service à l'auto, c'était facile, tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi, dans la dernière semaine, on dirait qu'une fois par semaine, j'avais le goût de manger du McDo intense. Là. Non, moi, j'ai pas ça, mais moi, j'ai plus des rages de poutine. Ouais, OK. C'est ouais. Bon, mais pas mal dans le même vibe. Ouais. J'ai pris 5 livres hein, dans le confinement. Je me suis commandé une balance là, pour savoir combien gros j'étais rendu. Puis ouais, j'ai pris 5 livres. Moi, comment tu sais que tu as pris 5 livres vu que tu l'as reçu dans le confinement? Là? Parce que je savais combien je pesais avant, à peu près. Ouais. Ben, à peu près à l'heure. Moi, j'ai pas osé me peser. Tout simplement. Je sais que j'ai pris du poids. J'ai pris une longue marche tantôt, là, quasiment une heure, puis je m'en rendais compte. Mais j'avais quasiment les jambes atrophiées. C'est comme, je marchais, puis j'avais les jambes engourdies. C'est comme, je suis plus en forme. Pour vrai, je me sers du confinement comme excuse. Bon, mon gym est fermé. Bon, ben, je fais plus de sport. Tu sais. C'est calme de même. Ben, moi, c'est calme, mais ça ne l'est pas, là, vu que c'est planétaire ce qu'on vit. Moi. Ouais, mais je pourrais aller courir dehors. Tu sais, je pourrais faire des exercices chez nous, pareil. Là, tu sais. Moi, je suis jamais autant allé dehors que depuis les 5-6 dernières semaines. Je vais marcher. Mm-hmm. Tous les jours ou presque là, genre 3-4 exceptions là, en un mois et demi. Ouais, Puis ça fait du bien, c'est même fun ça, marcher. Allez, il commence à faire beau aussi. Là. Ouais. On est bien. Ah, Jean-Gabriel Potier is watching. Salut Jean-Gab. Il y a Jonathan Chagnon qui regarde, je ne sais pas s'il est encore là. Il semble s'être logué tantôt. Puis on parlait plutôt du vidéo Centre-Ville à Québec, c'est un endroit où il travaille. Puis, ben voilà, c'est ça. Allez faire un tour là-bas. Super cool, Jonathan. Super cool, la vidéo Centre-Ville. Les gens de Québec et des environs, là. Partez pas de Montréal pour aller à Québec, s'il vous plaît. C'est pas le temps. Là. Non, pas le temps. Ah oui, c'est ça. Jean-François qui disait « Avatar de James Cameron en 2009. Je voulais votre opinion à ce sujet. Surtout que 4 autres épisodes vont sortir d'ici 2027. » Moi, honnêtement, les suites d'Avatar, Jean-François, sont annoncées depuis le premier, et puis il n'y en a toujours pas. Fait que moi, y croire quand je vais les voir. Ouais, ouais. Puis je ne les attends pas avec impatience, de par le fait que ça fait comme 11 ans que le premier est sorti. Ouais. Puis le premier était un genre de phénomène très rassembleur, un peu comme Avengers Endgame, mettons. Mais tout comme Avengers Endgame, j'attends pas la suite de ça, parce qu'on dirait que je me dis qu'est-ce qui va pouvoir topper ça en termes de rassemblement, en termes d'événements, de cinéma-événements, mettons. T'avais-tu aimé ça? Ben, j'avais trouvé que c'était un bon film. Je n'avais pas trop compris, encore une fois, c'était quoi l'esti de buzz autour de ça. T'sais, ça restait quelque chose d'assez classique. Visuellement, c'était beau, c'était éclaté. Mmh. Sauf que 11 ans plus tard, je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir avec la défaite du visuel, genre. Ouais, ouais, moi j'ai c'est un film que je suis déçu de ne pas avoir été voir au cinéma. Ouais. Puis je n'étais pas allé parce que je trouvais c'est vraiment niaiseux. Asti, c'est trop mainstream, je veux pas aller voir ça. Ça, c'est jamais Asti, je vais me priver à cette heure de voir un film que j'avais quand même envie de voir. Ça reste, ça reste de la science-fiction. Tu étais snob comme moi à l'époque. J'ai snobé, ouais, j'ai vraiment snobé. Puis quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai en fait. Oh shit, ok, c'est. Ouais, mais tu sais, je l'ai écouté. Moi, pour vrai, je pense que l'avoir vu au cinéma, peut-être j'aurais mieux aimé ça parce que je l'ai vu en 2D, premièrement, sur une télé cathodique.
Fait que j'avais pas, même le visuel était pas. Mais ça reste quand même un espèce de soft remake. Je sais pas si ça se dit soft remake, là, mais de. Pocahontas, ouais. Ouais. C'est pas mal ça, tu sais. Ben, c'est un genre de, mais c'est que ça va quand même plus loin que ça. Oui, oui, oui. Ouais, que... C'est un peu. Ouais, non, même, juste pour revenir encore à Black Panther, on en parlait au début, mais Black Panther, c'est quasiment un soft remake de Lion King. Lion King est un soft remake de Hamlet de Shakespeare. En tout cas, c'est peut-être que tu vois que. Ouais, tu peux tout arrêter. Mais tu sais, je pense l'histoire du roi qui est déchu, là, le roi qui se fait remplacer par un roi méchant, je pense que ça date de longtemps. Il y a Benjamin qui dit Cameron est un maître et fait des suites épiques. C'est vrai que Cameron est un maître, fait des bonnes suites, mais. Ce film-là, ce qu'on retient, même 11 ans plus tard, c'est le visuel. Puis honnêtement, à 11 ans, on en a vu d'autres. Là. Fait que je ne sais pas. J'ai le feeling, moi, qui va nous surprendre. Mais tu sais, je pense pas que ça va être un film maintes fois millionnaire et milliardaire comme le premier l'a été. J'ai un doute. Moi, je pense qu'il va nous sortir avec le box-office ajusté, mettons, c'est 11 ans plus tard quand même. Là. Parce qu'il a fait des entrevues, puis dans les raisons de pourquoi il n'a pas sorti des suites, c'est parce qu'il essaie de faire avancer la technologie pour son film. Fait que moi, j'ai le feeling qu'il va nous surprendre. Ouais, mais si ça va-tu être un film de gimmick encore là? C'est vraiment le fun? Juste revenir à une question de Frédéric Forget. Futurama puis Disenchantment, avez-vous vu ça? Ouais. J'ai vu une couple d'épisodes de Futurama à l'époque. Futurama, j'en ai écouté pas mal. Disenchanted, j'ai écouté trois épisodes puis j'ai... Ouais. Pas accroché. Non, j'ai rien écouté en ce qui me concerne. Ouais. Futurama, j'avais écouté les premières saisons, puis comme ils ont arrêté puis sont revenus, j'ai pas écouté les nouvelles, mais je sais pas si c'est toi, Frédéric, qui parlait du chien tantôt, les bouts qui me font pleurer. Là. Ça revient souvent, c'est le chien qui attend Fry, c'est ça qui s'appelle le personnage principal? Oui. Ouais. C'est en 99, puis il attend que son maître arrive, revienne, mais il est comme parti dans le futur, puis son chien, il attend sur le trottoir, puis il meurt. Puis ça, c'est comme c'est une référence d'un truc qui font pleurer. Il y a Georges Lours qui dit « Vous croyez qu'Avatar 2 existe réellement? J'ai cru à une légende urbaine. » Moi, je pense qu'il existe vraiment, mais que c'est le genre d'affaire qui est un peu comme Last of Us 2, puis Cyberpunk, puis le Big Shark de Tommy Wiseau dont on a parlé plus tôt. C'est quelque chose qui est repoussé éternellement. The New Mutants aussi. Ben, c'est comme Sin City 2, on a fini par l'avoir. Mais tu sais, Sin City 2, c'est un bel exemple de Sin City. C'était comme le fun, le premier, parce que ça avait quelque chose d'un peu différent. Mm-hmm. Le 2 est sorti, puis t'es comme, OK, je pense que c'est plus la gimmick que j'ai trippé. Ouais, moi aussi, le 2, j'ai pas été animé tant que ça. Mais j'ai haï le 2, mais c'était pas notable comme le premier, mettons. Puis je pense, j'ai le feeling que ça va être ça pour Avatar aussi, qu'on l'a tellement attendu, puis je vois pas avec quoi ça va arriver de nouveau tant que ça. Ouais. Puis The New Mutant, ils ont annoncé que ça allait être sur streaming. Il sortira pas ensemble. J'ai hâte de le voir, ce film-là. Moi, j'ai hâte. Puis t'as Frédéric qui disait si on avait vu The Boys sur Amazon Prime. Les gars, l'avez-vous vu, vous autres, The Boys? Non, mais je pense que c'est toi qui l'as vu, Jean-Gab. Moi, j'ai trippé sur... D'ailleurs, je vais aller me faire un refil là-dessus. J'ai vraiment, vraiment trippé sur The Boys. J'attends la saison 2 avec impatience, puis ça sort cet été, je pense, en juin. OK. Mais sans moins, Je pourrais jouer, ça, c'est une genre de valeur sûre, là. Tu tombes pas, là. C'est exactement... En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que les super-héros seraient dans la vraie vie, mettons, si ça existait. Là. OK, ouais, mais c'est ça, mais j'ai entendu parler. On teste, j'aimerais écouter une télésérie avec des cochonnets. Vous me conseillerez quoi? Il y a Papa Pig, Peppy Pig. C'est pour enfants, mais... Georges Lourdes, c'est lui qui trippe sur moi. Mais merci, Georges, c'est pas comme... C'est pas comme l'autre qui trippe sur Joël. T'es fin. Puis merci de parler d'autre chose que Tosk, mettons. Pour une fois, Georges. On a parlé tantôt, je sais pas si t'étais là. Ouais, on a parlé un peu, puis Jean-François qui parle que Cameron a tourné Avatar 2 et 3 en même temps depuis 2017, puis qui pense qu'il va réussir à nous impressionner. Moi, je suis sûr qu'il va nous impressionner. Je suis sûr. Puis je me ferai pas avoir ce coup-là. Mainstream ou pas, c'est sûr, je vais voir ça au cinéma. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est parce que là, on dirait que le 3D, le premier, ça partit de la mode du 3D au cinéma. Puis c'était impressionnant. Mais en tout cas, je crois que c'était impressionnant, puisque je n'étais pas là. Je n'ai pas vu en salle. Mais
Après ça, il y a eu plein de films en 3D, mais que c'était juste cheap. Là. Ouais. Tu sais, des vrais films en 3D là, que tu le sens, là. Du vrai 3D, il y en a pas. Il y a eu du real 3D, mais pas du. Il me semble que le real 3D, c'est le c'est quand ils rajoutent du 3D sur un film qui ne l'était pas, maintenant. Ouais, c'est ouais, ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas les termes, mais tu sais, c'est. Ouais, c'est... Oh, la lampe est proche. Ouais, c'est ça. Ça ouais. Tu sais, il y a de l'action. Tu reçois une balle d'en face. Là. Ça, c'est du vrai, de vrai 3D. Ouais. Parce que tu payais 3-4 pièces de plus au système pour ça. Moi, je le faisais. Là. Je sais qu'Anto, ouais. Il ne trippait pas. Là. Moi, j'aimais ça. Parce que c'est un gros écran, même si c'est pas du gros 3D, ça rajoute de la profondeur. Puis, ouais, parce que des fois, il y a des films, c'était genre là, c'était juste flou, mettons, là, des bouts. Ouais. C'était raté, en tout cas. Alexandre Lavoie, est-ce que j'ai écouté la comédie musicale d'Alice au Pays des Merveilles au complet? Non. J'ai vu des bouts, puis en faisant des recherches pour l'épisode de Talking Cat, puis je me suis rendu compte que c'était un porn. C'est, je pensais que c'était juste une comédie musicale érotique. Non, c'était un porn pur et dur, là, avec Christine Debel qui joue en Talking Cat. Puis j'explorais le film un peu. Je vois, OK, un pénis dans la bouche. Bon, mais c'est un porn. on va arrêter la recherche. Ouais, c'est ça. Puis je regrettais de ne pas avoir fait la recherche avant de tourner l'épisode pour dire c'est un porn. Ouais, ouais. Mais peut-être pour le cabanon, c'est ça. Il y a du potentiel là-dedans. C'est assez. Les costumes sont dégueulasses. Là. Le lapin, c'est juste des estis d'oreilles comme en dessous de ses lunettes. Là, en broche. Là, ouais, mais t'as mis un extrait de ça dans notre dernier épisode. Hein? Ouais, un long extrait quand même. C'est drôle. Là, que le... ouais, mais je pense, il y a de quoi. Ouais, il y a de quoi à dire là-dessus. Je pense. On pourrait avoir du fun. Children of Men, George Lush qui dit est-ce qu'on a regardé Children of Men de 2007? Un de mes films favoris de la décennie. Oui, oui, ça fait un bout, mais oui. Ouais, moi, je l'ai écouté en plus, genre, je l'ai écouté cette année, ben, mettons, avant Noël. Fait que ça fait pas longtemps que je l'ai vu et j'ai vraiment aimé ça. Ouais, il y a comme un gros plan séquence à un moment donné, là. Dans une scène d'action, là. Ouais, ouais. Tu traînes le bébé, puis. C'était réputé pour ça. Le Volcanosaur, effectivement, la meilleure 3D. Et on teste, je ne sais pas qui a pris le contrôle du compte de On teste à soir. J'ai vu leur premier commentaire qui était. Je vais remonter un peu. Ouais, ben on a parlé. J'aimerais écouter. Ah, excusez, il y a les cochonnets, ouais. C'est qui le troll d'On teste, là? Moi, je pense. Volcanosaur. Peut-être une certaine Coralie, je ne sais pas. Ah, peut-être. Ben, Olivier qui est avancé, je ne sais pas. Le Volcanosaur, est-ce que vous vous souvenez de ça? À la ronde? Le manège avec les dinosaures, là? Ah, oui, dans oui. Dans une salle avec les sièges. Ouais, ouais, mais tu vois, moi étant plus jeune, j'ai plus connu. Je pense que je l'ai fait une fois, mais j'ai plus connu SpongeBob. Moi, SpongeBob, ouais. Je l'ai vu avec SpongeBob, puis c'était pas impressionnant. Le Volcanosaur, c'était plus long. Avec du vieux 3D. Une idée pour Patreon, les pornos dans le cabanon. Hey, combien de fois on l'a brassé? Ouais. Combien de fois c'est sorti? Ouais, les suggestions porno de Joël de la semaine. Ouais, les pornos dans le cabanon, c'est Joël seul dans ce fauteuil gris-là, avec des UV allumés, puis là, il y a comme une patine en arrière parce qu'il y a plein de taches partout dans son bureau. Ouais, c'est ça. Ok, vous remarquez René Simard qui est là, il est de dos, puis il y a comme un peu de dèche sur le... Moi, j'ai remarqué Pimpin Pompon dans l'espace. Hey, faut que je te dise, Joël. Oui. Dans notre dernier épisode, Olivier de Hontès, salut. Dans notre dernier épisode sur les Baby Spice, à un moment donné, tu me mets au défi de trouver la chanson « Bon matin, Monsieur Pimpin ». Ouais. Je l'ai trouvé instantanément. C'est dans « Fanfan Dédé ». OK. Et c'est « Bon matin, Monsieur Finfin ». C'est le nom de la marionnette. Ah, OK. Puis c'est dans Pimpin. L'épisode. Non, c'est pas Pimpin, c'est Finfin. Mais ça sonne tellement le cul que c'est pas si évident, honnêtement. C'est non seulement tu l'as trouvé, mais tu le corriges sur sa demande. Ouais, c'est ça. Je te l'ai pas dit, ça existe. En fait, moi, c'est pas coquille à moitié. Ouais, je moi, trouve c'est... les affaires, puis je te corrige après. Mais moi, c'est... en fait, c'est dans une... c'est une job, une ancienne job que j'avais, c'est une shop de reboisement avec des arbres dehors. Quoi. Bref, c'est une madame, notre chef d'équipe, a chanté ça le matin. Bon matin, Monsieur Pimpin. Fait qu'il m'a allé dire, il m'a retrouvé pour m'aller dire. Mais là, à sa place. Non, c'est ça. Quelqu'un qui nous propose de faire un OnlyFans, puis c'est pas. Ah, c'est Coralie. C'est pas la première qui nous propose un OnlyFans, mais en fait, c'est pas vrai. C'est la première femme qui nous le propose. Ah oui, c'est vrai. Mais honnêtement, personne ne veut un OnlyFans. Jean-Gab l'a dit juste avant que vous arriviez, il a pris 5 livres. Moi, je suis down de faire un OnlyFans. Qu'est-ce que tu montrerais sur ton OnlyFans? Hein?
En fait, je montrerais pas ma toute, sauf, mettons, mon pénis. Okay. Moi, ça me dérangerait pas de me mettre en petite bobette. C'est 20 piastres par mois que le monde donne. Là. Honnêtement, là, même s'il y en a un qui donne 20 piastres par mois pour une photo de moi en chess. Ben, tu sais, juste ton Ice Bucket Challenge, on voit tout. Et oui, il y en a déjà un paquet. C'est juste l'annonce de notre live, c'est les trois gars en chess. Ben, si on finit par sortir le FAP, on va voir mon cul. Mon gros cul de 2014 avec mes. Ça, c'est pour les Patreons. Je pense qu'on garde ça pour les Patreons. Gros cul de 2014. Là, je t'envoie de le retrouver là, avec le confinement. Là. C'est-tu vraiment 2014? Ça fait 6 ans qu'on a fait ça. Ouais, ouais. Astique, c'est drôle. Honnêtement, pour Patreon, vous devriez poursuivre ce genre de discussion de temps en temps. C'est exactement l'idée que j'ai soumise à mes comparses, Olivier. Je pense qu'à la fin de cette période de crise-là, les lives vont peut-être se poursuivre aux 2 semaines. Sur un Patreon qu'on nous réclame depuis un moment. Ouais. Puis je dis ça, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais ouais, c'est pas mal l'idée la plus intéressante. Parce qu'on avait comme idée de faire un road trip, mais à un moment donné, Joël, qui sait compter, qui est le meilleur en maths dans nous trois, a fait « Ouais, mais tu sais, si le road trip coûte plus cher, qu'est-ce qu'on rapporte avec le Patreon? Ça sert à fuck all. » Ouais, fin de semaine de 600$. Un pas peu pour rien qu'on a un doyen dans ce projet-là. Ouais, c'est ça. Jean-Michel, Joël, porn two ou presque. Ouais, ouais. Tout à fait, c'est un bon film. Ouais, ça serait drôle. Avez-vous un film que le premier visionnage vous avez détesté et après vous l'avez aimé? On n'a pas répondu à ça tantôt. On ne savait pas quoi répondre. Je pense qu'on a répondu au contraire. Mais je ne suis pas sûr. Ah, okay, ouais, on a aimé la première fois et on a détesté après. Ouais, ouais, ouais. Le Pinocchio de Roberto Benigni, l'avez-vous vu? Non, on nous en a parlé. Je ne sais pas si c'est toi, Sylvain, qui nous a partagé un article là-dessus. Quelqu'un qui a un blog, c'est peut-être toi, là, ça fait un bout. Non, on ne l'a pas vu. Je l'ai-tu vu? Celui que j'ai vu à l'ancien cinéma près du Pizza Hut à Trois-Rivières-Ouest. C'est celui de qui? Bref. L'ancien cinéma. Ouais, j'ai dit un cinéma qui s'appelait genre le cinéma impérial ou un truc de même. Ah ouais. OK. J'ai-tu inventé ça? Ça se peut. Je sais pas. Alexandre Lavoie qui dit excellente idée. Je sais pas à quoi tu fais référence, Alexandre. Puis Georges qui dit vous pensez qu'il va y avoir une fin au confinement? Ben lundi. Ben moi, je vous confirme, aujourd'hui, j'ai dû sortir en voiture. Puis j'ai remarqué une nette différence sur les routes aujourd'hui versus la semaine passée. Genre. Ouais. Comme beaucoup, beaucoup plus de gens sur la route. Ça ressemblait beaucoup plus. C'était pas encore, tu sais, je suis sorti à l'heure de pointe sur le boulevard des Récollets à Trois-Rivières. C'était pas encore aussi congestionné que d'habitude, mais quand même plus que la semaine passée puis les semaines d'avant. Ouais, il y a Simon, ça fait 2-3 fois qu'il nous pose la question. Avez-vous vu Eden Log? C'est fucking lourd. Un sci-fi d'horreur. Non. Ça me dit rien, moi, Simon. Non, ça me dit rien. On va aller voir. Moi. Oui, les facettes de Vénus à Joël. Oui, effectivement, j'ai ça. T'es as-tu encore? Ben oui, pourquoi j'aurais vu ça? Montre-nous ça. Non. Ah. Quand on va sortir le FAP, le monde verra. C'est Patreon. Ouais, c'est ça. Anto, une voiture, me semble que c'est dangereux, là. Ben non, c'est pas dangereux. Je conduis bien. Pas mal lui. C'est pas mal toi le chauffeur. Ben ouais, c'est moi le chauffeur désigné la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Possiblement celui qui fait le plus de route en plus. Ouais. Sauf ces derniers temps. Et ça, parenthèse, c'est fou. Tu sais, j'ai fait mes impôts, j'ai calculé que ça me coûtait entre 300 et 350 piastres de gaz par année, par mois. Puis dans le dernier mois, ça m'a coûté 40$ de gaz, puis je ne l'ai pas tout brûlé. ça fait un mois, moi, je n'ai pas mis d'essence à mon char. Je sors. Zéro. Faut que je change mes pneus, par exemple. J'ai encore mes pneus. Ouais, c'est ça, il faut prendre rendez-vous. C'est une question vraiment le fun. Olivier de Hontes qui demande si vous aviez à venir faire un épisode de Hontes, vous testeriez quoi? Moi, c'est que je te l'ai dit plusieurs fois, Olivier, ça aurait été le popcorn, ça a déjà été fait. Les Mickey Lenas, ça t'a fait ça? La poutine Mickey Lenas, puis les Zappen? Je sais qu'ils ont fait les dernières poutines congelées qui sont sorties. Là, je sais pas trop quelle compagnie fait ça. Ça a l'air épouvantable. Ils ont fait ça, on teste. Puis... Allez voir ça, d'ailleurs, les gens en ligne qui connaissent moi, pas. Moi, je mange de tout. Là, pour...
Moi, bon. j'aime ça tester de la bouffe de merde. C'est vrai, en ma compagnie, tu as mangé des petits burgers congelés du White Castle. Oui, oui. Puis j'aimais presque ça. Ouais. C'était-tu une boîte de 6 ou de 8? C'était 6. C'était 6. J'en ai mangé un. J'étais plus capable de manger le reste. Ben oui, mais j'ai mis du ketchup. Avec du ketchup, bon, c'est pas mais terrible. Mais t'en as mangé 5, hostie. Ah, il n'y a rien, là. Ça reste comestible, c'est sur le marché, là. Charles Miron qui dit « Je viens d'arriver, je suis zéro en contexte, mais en vrai, je suis un fan fini de votre podcast. Lâchez pas, vous me faites tort de rire. » Eh hey, ben Charles, c'est la première fois que je vois ton nom passer. Merci de commenter. Merci. C'est bien fin de dire que tu es un fan fini de notre podcast. Généralement, les fans finis commentent d'habitude. C'est pas un reproche que je te fais, mais tu sais, sois sur le gun un peu, Charles. Invitation officielle de mon test. Moi, ça va me faire plaisir d'aller tester de quoi. Il faut juste trouver le truc que vous n'avez pas déjà testé qui fit avec nous. Là. Les burgers congelés, vous ne l'avez pas fait? Moi, je pense que Joël serait parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. T'sais, n'importe quelle hostie de marde congelée, Joël. Ouais. Mais tu sais, White Castle, il y en a deux officiellement. Il y a les burgers congelés réguliers puis les cheeseburgers. Les cheeseburgers, je ne les ai pas essayés. Mais y a-tu d'autres... Ça doit sûrement être écœur, hein? Y a-tu d'autres compagnies qui font des burgers congelés de ce genre-là? C'est sûr, ça doit. Ouais. En tout cas, la margarine. Quelqu'un suggère qu'on teste la margarine. Ouais, ça c'est une bonne cuillerée. Mmh. Je vois qu'il y a beaucoup de monde live présentement. Généralement, on se situe plus dans la trentaine. Là, on est dans la quarantaine. Posez des questions, n'hésitez pas. Simon Villeneuve qui dit tester les VHS, c'est rien que ça qu'on fait, Carlis. T'étais où? Les 40 épisodes. T'étais où, Simon? Non, mais no joke, Simon, notre épisode de mardi prochain, c'est basé sur une VHS et même plus d'une VHS des Baby Spice. Et là, c'est des VHS que j'ai numérisées. Et d'ailleurs, là, pour convaincre les gens d'écouter vite notre épisode des Baby Spice, je m'étais toujours dit, puis je pense que je ne l'ai pas fait, peut-être que je l'ai fait puis je l'ai oublié, que je ne me montrerais jamais en train de faire du patinage artistique dans les films dans le cabanon. Et là, dans le prochain épisode... C'est fait. Ça se passe. Les cassettes arrivent demain. J'ai pas le choix. Ce sont pas si gênants que ça. Moi, j'ai quand même montré mon cul. Là. C'est sûr, c'est pas gênant. C'est pas toi qui es sur la cassette. T'es un enfant. Ouais. Moi, j'ai une cassette de moi policier d'un jour, mais je pense que c'est pas si drôle que ça. Et moi, j'ai hâte que t'arrêtes pas de nous en parler. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on va juste la poster sur la page demain. C'est ça au complet. On vous le donne. Deal with it. Si on écrit rien, je suis Joël tout petit en police. C'est un concours j'avais gagné au primaire. Mais c'est juste, c'est un concours, c'est hot quand tu veux devenir policier plus tard. Mais moi, je m'en crissais. Je voulais pas devenir ça. Ah oui, j'ai gagné ça. Ah ben, j'ai manqué une journée d'école pour ça, puis j'allais passer la journée avec à faire de la patrouille avec la police. Puis il y avait une mise en scène, on avait arrêté un gars sous au volant. Oh! Puis j'ai appris plus tard, ils me l'ont dit à la fin de la journée, ouais, non, c'est une mise en scène, c'est notre collègue qui joue un personnage. Puis ils m'ont dit, parce que j'avais ils voulaient pas que t'aies dit que leur collègue était sous au volant. C'est ça. C'est quand même moi qui prenais les mains du gars, puis ça, c'est sur vidéo? Empreintes. C'est un souvenir? C'est tout sur vidéo. Il y a toi qui prends les empreintes sur vidéo. Ouais, t'étais-tu habillé comme... T'étais-tu habillé comme la photo d'Halloween? J'avais pas un manteau par-dessus, mais j'avais une petite chemise, une petite casquette, une petite cravate. Ah, c'est que c'est malade. J'avais des menottes, je pense. Je suis pas sûr. J'avais pas de gun, évidemment. Ouais. Ça, t'en as encore aujourd'hui. Ah, c'est ça, ben oui. Ouais. Faut que tu numérises ça. Ah oui, il faut. Je pense que c'est chez mes parents, là. Ben là, après le confinement, là, je dirais que ça, moi, j'ai mes parents m'ont retrouvé ça. Ouais, c'est ça. Contamine pas tes parents pour ça, quand même. Il y a plein d'affaires vraiment drôles. Tous les burgers de White... LP qui dit tous les burgers de White Castle sont congelés, d'après moi. Moi, je l'ai mangé sur place. J'en gabe aussi, puis je confirme que c'est ça, pas mal ça. Là. C'est je suis encore en train de digérer ça, ça fait 8 ans. Ouais, OK. Ouais, j'en gabe, je savais, mais Anto, t'as mangé ça sur place? Moi, j'ai mangé ça à Manhattan, mon gars. Ah, oh, ouais. Oui. Je savais pas qu'il y avait White Castle à Manhattan. Avec, ouais, on l'a cherché, puis il était deep en esti. Il était vraiment à l'écart de tout le reste, là, à l'écart de Times Square, puis du Bryant Park, puis il était vraiment loin. Puis je pensais que je n'avais déjà parlé dans le podcast, mais en même temps, on dit tellement d'affaires. Que...
Ouais, j'étais avec notre personnage récurrent, Perruque. Ouais, c'est ça. Puis avec Victor, qui écoute peut-être encore le live, qui est le frère de Natacha aussi, qui est sur le live tout le temps avec nous. Ouais, j'ai mangé du White Castle, des petits burgers tout trempés. On dirait que c'est des burgers steamés. Moi, pour vrai, je me souviens juste de la style boulette mauve. Là. Mathieu dit meilleur sur place ou congelé. J'ai testé les deux. Je suis le seul qui a testé les deux. Je vous confirme, c'est la même crise de dents. La même affaire. Ouais. Mais tu sais, pour le film. Ça Victor qui dit que c'était dégueulasse. On vient de le réveiller avec l'histoire de White Castle. Victor, t'es avec moi. C'est vrai que c'était épouvantable. Mais moi, ouais, c'était carrément à cause du film. C'était carrément ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça, puis parce qu'on avait, on avait du temps libre. C'était un voyage de secondaire 5, si je me souviens bien. On avait du temps libre à Manhattan. Puis des gars avec du temps libre à Manhattan, qu'est-ce que tu fais tant que ça? Les putes? Non, mais tu ne vois pas comme... Comment ça s'appelle le magasin en face du Bryant Park, le Macy's ou une affaire de même, ouais. Où à peu près toutes les filles de notre cohorte se sont ramassées, puis il y a nous qui va comme au magasin Disney ou au magasin Lego, je sais plus trop, ouais. Puis après ça qui mange du White Castle comme des esthétiques. Ouais, parce que moi puis ma soeur, quand on est allé à Boston, on a marché comme 2-3 heures, puis on visitait la ville en même temps, on marchait dans la ville, c'est correct, mais on cherchait un esthétique Taco Bell. Oui, parce que les Taco Bell, on n'en a pas vraiment ici. Je pense qu'il y en a. Lévis, il y a un PFK Taco Bell dans une même bâtisse. Oui, ouais, c'est ça. J'entends encore. Ah, ouais. C'est ça, il faudrait que j'y aille parce que. Ça, c'est pour vrai, c'était pas du Taco Bell. Je suis sûr qu'on s'aimerait sur l'auto. Défi accepté. Oui, on ira après le confinement. Là. Parce que j'ai trouvé ça quand même pas pire. Du Taco Bell, c'est du fast food. Mais c'est... Ça goûtait pas la dompe comme du White Castle. Là. Il y a Benjamin qui dit lors du dernier live, Dom Messi a parlé d'un projet avec un de vous. C'est avec qui et c'est quoi le projet? C'est avec Joël. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est un court-métrage que Dom est en train d'écrire. Que probablement on va tourner. Mais c'est un sextape avec moi? C'était pas ça? Exactement, ouais. C'est ça, on a tout un projet avec Dom, puis il a juste comme semé ça pour semer la zizanie entre nous. Ouais. C'est ça. Victor dit « Lévis est fermé ». Tu parles du Taco Bell ou de la ville? Il se passe de quoi quand même? C'est fermé. François dit « Oui, Lévis, il y a un Taco Bell ». Simon dit « C'est fermé ». Seb, non, Taco Bell à Lévis est fermé. À Brossard, il y a un Taco Bell PFK. François qui réitère qu'il est fermé. C'est beau aussi, il est fermé. Là. Ça fait penser, il n'était pas supposé d'ouvrir à Trois-Rivières et à Québec des Barbies Resto Bar Grill. J'en ai vu un à Québec. OK, c'est ouvert, mais à Trois-Rivières, t'es supposé d'en avoir un. Ben, c'est ouvert, je sais pas, aujourd'hui. Pas là, mais ça fait comme 2-3 ans qu'ils ont annoncé ça. Moi, je chantais à tout. Georges Lours qui dit « Je vais malheureusement vous lâcher, mais ma connexion Internet est désastreuse parce que je n'ai pas fini votre fanfiction. » Georges veut nous écrire une fanfiction homo-érotique. Ouais. Que continuez de suivre nos lives, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne assez torride, tout ça. Salut Georges. Salut Georges. Merci d'être là, les gens qui sont là. N'hésitez pas à poser des questions. On va rester encore le temps qu'il faudra là, ou jusqu'à temps qu'on aille se coucher parce que c'est ça, on se lève demain matin. Faut que je sois réveillé demain matin pour mes cassettes de patinage artistique. Tu sais, j'ai l'air de me plaindre, mais la personne qui m'amène les cassettes de patinage artistique, c'est une infirmière qui va travailler toute la nuit. Fait qu'hostie que je suis pas à plaindre. Là. Pas vrai. Bonne soirée, les gros, Georges Lours. Ben, gêne-toi pas si tu veux pas revenir le prochain coup, tant qu'à nous traiter de gros. Bon, Christophe qui demande c'est quoi la toune de Barbies Resto Bar Grill. C'est vrai, vas-y, Joël. Ouais, je suis pas sûr. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance chez Barbies Resto Bar Grill. Ah. Barbies. Yes. Tu l'as chanté, Joël, ça a coupé. Ouais, ok. Non, mais vas-y, toi, le chanteur. Barbies, reste au barguille. Quel endroit. Tu ferais une version auto-tune. Une version screamée, comme au secondaire. il y a plein de versions sur YouTube. Il y a une version métal, tu sais. Joël ou Jean-Gab, peut-être que vous en souvenez plus que moi. Est-ce que j'ai déjà glissé un extrait de moi qui chante au secondaire dans les films dans le cabanon? Ouais. J'ai déjà fait? Je pense que oui. J'ai-tu déjà glissé un extrait de moi qui tombe sur le dos sur scène?
Ça, je suis pas sûr. Là. Ça me dit rien. Prochain épisode des films dans le cabanon. Ah ouais? Ouais, il y a moi qui crisse le camp à terre. Le gars qui a composé cette chanson, c'est un génie de la pub. Vous êtes chanceux de pouvoir jaser de films ensemble. Moi, les films préférés de mes chums de gars, c'est juste Les Rapides et Dangereux. Ben, ah, Anto et Jean Gaboussi, là. Les avez toutes vues, là. Vous avez... Ça, c'est faux. Je les ai pas toutes vues, par exemple. Pas vrai? Non, j'ai pas vu 4, 5, 6. Ah, ouais. 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 Ben, non, c'est bien bizarre, quand même. T'as commencé les premiers, t'as arrêté. Non, ben j'ai vu le premier, puis encore là, c'était à une époque où je mettais une cassette puis j'allais faire autre chose, tu sais, j'étais pas vieux. Là. Ouais. Le 2, même affaire. Le 3, pas mal la même affaire. Le 7, j'étais allé le voir parce que c'était James Wan qui le réalisait au cinéma. Puis après, okay. J'ai vu le 8. J'ai pas vu le spin-off. Puis j'attends pas le 9 avec impatience, mais moi, je suis même ramassé à aller le voir avec Jean-Gab Paré. C'est sûr que oui, mais moi non plus, je sais que je les ai pas toutes vues. Ben, je les ai peut-être toutes vues. Ils ont toutes passé par écran. Mais c'est pas des films que j'attends. Mais pour vrai, c'est pas désagréable à regarder. Ouais. C'est juste que si tu regardes, mettons, le premier Rapide et Dangereux, puis le deuxième, mettons, puis tu regardes le dernier, c'est comme... C'est plus pareil, là. Ben, non. Là, c'est rendu du James Bond, là. Puis encore ben, là, c'est rendu un film d'action. Hein. Pas plus que ça, ouais. Hein. C'est plus que... Ouais, c'est quasiment ouais. Un film de super-héros, là. T'sais, c'est plus que James Bond, là. En tout cas, dans le peu que j'ai vu, là... Mais oui, c'est plus sur le top. Ouais, il roule sur un lac gelé avec un sous-marin puis des explosions. Oh oui, oh oui. Même James Bond ne se rend pas là. Y a-t-il des sorties que vous attendiez, les gars, cet été, que vous êtes déçus de voir repousser d'un an ou de six? Ben là, on parlait de James Bond, c'était supposé être le mois passé, mais ça... C'était à ça je pensais, moi. Ouais, à part de ça... Ghostbusters, est-tu reporté? Ouais, je pense que oui. Quiet Place 2 est reporté. Je pense que dans les seuls que j'attendais qui n'est pas reporté, il y a Tenet de Christopher Nolan qui n'est pas reporté encore. Je pense que Nolan espère que ce soit le film de retour en salle. Mm. Un peu comme Endgame a été le film de retour en salle pour les Asiatiques. Et puis ça a été comme un style buzz. Là, ouais. Ouais. Frédéric Forget, avez-vous célébré le 4 mai? La journée de Star Wars. Mais de Ford, moi, étonnamment, non. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Ben, c'était un lundi, fait que, bon. Puis, moi, honnêtement, j'étais un peu quasiment rendu blasé de Star Wars. Moi, je m'en tiens aux films originaux, mais on dirait que à Star Wars. Okay, comme là, il a annoncé un nouveau film qui s'en est emmené. Mais... Ouais, mais oui. Réalisé par Taika Waititi. Ouais, ça, oui, c'est oui. Ça, ça va être fucking mais bon. Mais tu sais, si c'est bon, ok, je suis sûr que oui. C'est juste correct. C'est comme, voilà. Ben, tu sais, tu dis ça, Joël, mais les deux spin-offs puis les trois, la dernière trilogie, je les ai toutes vues le jeudi soir avec toi au cinéma, la veille de la sortie. Ouais, mais les cinq films. Ouais, je sais, mais en même temps, le dernier, je l'ai fait juste. Certains avec Jean-Claude aussi. Ouais, j'étais allé. Non, mais tu sais, je l'ai pas comme le boycotté. Je me disais, c'est quand même des films qui peuvent se spoiler. C'est tellement populaire que si je le vois pas tout de suite puis j'attends comme trop tard, ben. On va me faire spoiler, fait que oui, je vais le voir tout de suite. Là, mais tu sais, je suis pas. Je l'attends, surtout l'épisode 9, je l'attendais pas avec impatience. Bon, ok. J'ai vu les autres avant. Moi, j'avais hâte, par exemple. Ouais. François Deschênes, tu vois, lui, il dit la dernière trilogie de Star Wars était tellement poche. Moi, la dernière trilogie, je les ai toutes vues deux fois au cinéma. Les trois. Puis, je les ai pas trouvées poches. J'ai pas moins d'amour un petit peu pour le 8, quoique j'ai pas autant de haine que la majorité des haters pour ce film-là. Mais je les ai... Moi, j'ai quasiment préféré le 8 au 9. Le 9, j'ai tellement trouvé ça. Pour vrai? Ah ouais, c'est... Hein? On dirait que ça avait pas. En tout cas, je trouvais ça weird, le retour de l'empereur. Puis les... On dirait qu'ils. Ils ont commencé avec l'épisode 7. On pourrait en parler bien longtemps. On peut s'arrêter là-dessus, mais ils ont commencé avec l'épisode 7. Ils ont mis des pistes. Ils développent des personnages. Puis après ça, ils ont comme tout abandonné ça avec l'épisode 8. Puis le 9, ils essaient de réparer ça somehow. C'était. Je sais pas. Je trouve ça cheap. Tout ce temps-là, c'était l'empereur qui était derrière ça. Il y a Audrey Hamel qui dit épisode 7-8 définitivement mieux que 1-2-3. Je sais pas c'est qui ce fille-là, mais moi, je la marierais. Ouais, effectivement. Ouais, oui, c'est OK. On chasse la nouvelle trilogie, mais je pense que c'est mieux. Oui, clairement. Voyons donc. Ah ouais. Mais en même temps, il y en a qui vont argumenter, vont dire qu'épisode 1-2-3. Au moins, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Tu sais, la dernière trilogie, on dirait que ça s'en va tout croche, puis
on dit qu'ils ont perdu le fil en cours de route. Là. Tandis qu'épisode 1, 2, 3, George Lucas avait son idée. Okay, c'était pas terrible, mais au moins, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Il y a au moins ça. Il n'y a pas juste du négatif à dire sur les prequels. T'sais. À part l'épisode 1, c'est tout de la merde. Je vois passer. Êtes-vous des utilisateurs fans des apps comme Wish ou Geek? Suis-je le seul à adorer ce commandage de gogos? Wish, je sais c'est quoi, j'ai jamais commandé. Ouais. Geek, c'est quoi? Vous connaissez, les gars? Non. Je connais pas. Moi, honnêtement, je sais pas vous autres, je sais que vous avez évité de faire des commissions pour commander des affaires que vous pouviez commander sur Amazon ces derniers jours, mais pour vrai, ces derniers jours, ça m'a vraiment remis en question sur mes habitudes de consommation, puis j'ai slacké sur tout. Là. À part l'épicerie, parce que je mange plus de resto. Ouais. Mais je veux dire, j'ai sur Amazon, j'ai commandé le Fire Stick. Ouais. Okay. Mais tu sais, en 6 semaines, c'est ça. Là. T'es-tu satisfait de ton Fire Stick? Ça va-tu bien? Il est plugé dans ta TV, je l'ai pas essayé encore. Ah, ok, ok. Je suis sûr que ça va être malade, mais tout ça pour dire que je ne suis pas un commandeur tant que ça sur Internet. Moi, je commande pas mal. Oui, la seule affaire que j'ai commandée, c'est un. J'avais droit à une affaire promo gratuite, puis je n'ai pas recommandé dessus. C'est un bébé à mettre sur le truc de chauffage dans une auto pour mettre ton cellulaire. Là, comme une pince. Puis tu mets ton téléphone. Puis, OK. Mais non, je n'ai pas recommandé. Moi, c'est pas mal juste Amazon. Wish, jamais essayé ça. Je suis très, très Amazon. Ouais. Moi, je ne sais pas si je peux compter ça. Notre ami, collègue pour moi, ancien collègue pour toi, Jean-Gab, Pierre, avec qui je travaille aujourd'hui, un moment donné, s'est rendu compte que sur sa carte de crédit, il y avait comme 400$ sur Wish qui était passé. puis c'est fini par se rendre compte que c'est un de ces gars qui a commandé un cellulaire sur Wish par accident, tu sais, en voulant commander je sais pas quoi. C'est une anecdote qui date un petit peu, mais qui me fait encore beaucoup rire. Puis à toute fois que j'ai l'occasion d'y rappeler, tu sais, je suis comme attention là, ta carte de crédit. C'est ça. Mais genre, j'ai jamais commandé sur Wish. J'ai peut-être eu peur de Wish. Je sais pas. Mathieu Desharnais, c'est assez cool un Fire Stick, sauf pour tout.tv en direct, mettons. Tout.tv en direct. En direct? Ah ouais, je savais pas. Ouais. Tu vois, moi, ça faisait partie des choses que je voulais parce que je voyais que ma copine écoute beaucoup de trucs sur tout.tv ces temps-ci, puis elle branche son laptop. Tu sais, je trouve que c'est pas pratique tant que ça. Tu sais, puis c'est un peu du gossage, puis un fil à travers le salon. Puis... Mais il y a l'application tout.tv, mais en direct, je ne sais pas trop. C'est quoi? C'est comme si tu avais Radio-Canada sur la télé. Là, c'est... Comme tu écoutes les nouvelles, mettons. Quoi? Y a-tu des événements spéciaux sur. Ouais, si tu peux nous éclairer là-dessus. Mathieu va répondre. Jean-François qui dit qu'il faut absolument voir le documentaire Le Monde selon Amazon. C'est Umbrella Corporation. Ouais, je sais, Jean-François. Moi, je l'ai manqué au cinéma Tapis Rouge, mais j'aurais bien aimé le voir. Je sais qu'il il était disponible gratuitement sur Internet. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ouais, je sais qu'il faut que je regarde ça. Je sais que ça va me faire chier parce que. Je me doute que c'est un peu à sort. Et même aujourd'hui ou hier, il y a un haut dirigeant d'Amazon qui est comme parti en faisant des fuck you puis en disant que c'était de la merde. Puis que... Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est sûr qu'on dirait que tout service qui va bien, on dirait qu'il y a de quoi en arrière qui fait que c'est de la petite merde, là. C'est que c'est pas clean en dessous. Là. Du moins, quelque chose qui est huge de même. C'est pas grave parce que Elon Musk et Tom Cruise vont tourner un film dans l'espace. C'est vrai, j'ai vu passer ça. Ah, Tom Cruise, tu sais, à toute fois, je vois l'émission Impossible, je suis comme ce gars-là, il est complètement dédié à son art, puis tu sais, il est comme, c'est son art. Ouais. Le divertissement. Ouais, puis, il est complètement dédié, puis à un moment donné, il sort une nouvelle où je suis comme, ah non, Chris, il est juste fou, ce gars-là. Ouais. Ah, c'est un bizarre, là, avec sa scientologie, tout ça. Là. Radcam Live via le Fire Stick. Ben, j'ai une antenne pour ça, puis ça marche au fond, la caisse. Fait que je pense pas. Le Fire Stick, ça va être vraiment plus pour tout.tv, puis streamer de mon ordi au salon, plutôt que la clé USB. T'sais. Alex Giroux a dit qu'elle a eu de la misère avec son Fire Stick, qu'elle utilise sa PS4 maintenant, mais le Fire Stick, toi, tu as le 4K, tu as commandé le 4K. Moi, j'ai l'original, puis c'est vrai que des fois, c'est un peu laggy, mais personnellement, je trouve que ça va mieux que la PS4. La PS4, là, il est temps que la PS5 sorte parce que c'est excellent. Moi, je trouve que c'est clunky. Là.
Ouais, mais c'est... il y a eu des nouvelles qui sont sorties des derniers jours sur la PS5, je ne me trompe pas. Avez-vous vu ça? Ben, j'ai pas vu les dernières nouvelles, mais en tout cas, je sais que ça sera. C'est-tu à Noël? Ou 121? Je sais pas. La chute de Jean-Gab est parfaite. Il manque rien qu'une gosse. Ouais, ta jambe, on dirait un gros gland. C'est ça aussi, c'est pas ma jambe. Mais ouais, c'est-tu cette année que ça sort l'année prochaine? Je suis mêlé, mais je pense que c'est bientôt. Peut-être été repoussé avec tout ça. Là. Parce que je sais que Cyberpunk 2077, ils ont dit que si on achetait le jeu sur les consoles de la génération présente, ils upgradaient. Du moins, Xbox upgradait la version Xbox. OK. Quel combien? Je sais pas si je vais switcher de console tout de suite, moi. C'est cher à créer sur des points. Vu l'utilisation que je fais de ma PS4, là. Ben moi aussi, puis tu sais, des fois, ça dépend des jeux. S'il y a un jeu vraiment que je dois absolument jouer tout de suite, qui est sûrement pas sur PS5, OK, peut-être, mais je veux pas comme l'acheter tout de suite juste pour dire je l'ai, puis je donne off, puis je suis à jour, mais tu sais, alors que je game, surtout ces temps-ci, je game pas tant que ça avec ma PS4. Là. J'ai une Switch aussi, je suis plus en mode jouer à Switch. Je sais pas, ouais, je n'ai-tu parlé au live la dernière fois? Je pense pas, mais j'ai une PS4. Je pense que je ne l'ai pas allumée depuis 6 semaines. J'ai fait le tour d'un jeu au PS2 sur un émulateur sur mon ordinateur. Ouais, petit filet nostalgique. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais. Ah, mais tu dis que ce serait pour le temps des fêtes, les consoles. OK. Ça aurait bien du sens. François dit Amazon, c'est vraiment de la merde. Je livrais des colis pour eux autres. Je ne sais pas si tu en as livré dans les dernières semaines, mais je suis pas mal sûr que tous les facteurs s'entendraient pour dire ça, tous les livreurs. D'après moi, eux autres, on n'en parle pas beaucoup, mais ils doivent passer un moment assez ordinaire. Oui, surtout que moi, j'ai commandé de la litière, moi, sur Amazon. Ouais, mais t'es propre. Comme... Ouais, non, mais je veux dire que c'est un bac de 20 livres. Ouais. C'est comme commander des canards. Je sais que les livreurs ont l'air effrayés parce qu'ils me font toujours faire le saut ces temps-ci quand ils cognent dans ma porte. J'habite au deuxième, je les entends monter mes marches, mais je les entends surtout descendre. J'entends comme tac-tac-tac-tac dans ma porte, puis je les entends descendre à la course. Puis j'arrive à la porte, puis ils sont déjà comme dans leur troc à me faire des babayes. C'est drôle. Même avant la pandémie, c'était de la merde. Voyons, François, ça va? Moi, c'est drôle. Je vais te livrer un colis il y a 2 semaines. Puis, j'étais comme hyper concentré à laver de la vaisselle. Puis, Violette était comme en mode, elle chantait très, très fort, mettons. Genre, elle criait, faut pas dire. Mais c'est chanté. Classique. Là, à un moment donné, j'ai dit, là, Vivi, là, on se calme. Tu sais, genre, va relaxer, va jouer dans la cave. Là. Arrête de crier, là. Papa, il nettoie des affaires. Puis là, en l'espace de 2 minutes, elle s'est mise comme à varger dans la porte. J'étais sûr que c'était Violette. Je fais, Vivi, t'arrêtes-tu de niaiser? Je me reviens d'abord. C'était le livreur, il y avait l'air. Ça va? C'est drôle. Je suis. Ah, ça, c'est niaiseux, c'est ce que je m'apprête à dire, là. Je me suis déjà fait donner de la merde pour un rot que ma grand-mère avait fait. Ah, ça c'est hot. C'est hot. Ça. Dieu est son âme. Moi j'ai déjà longtemps. Ok, ça a niaisé, moi aussi. Je renchéris. C'est une histoire de pet. C'est dans la maison de mes parents quand j'étais ado. J'étais en haut. Puis en bas, dans le salon était en bas, puis il y avait on avait un chien dans ce salon, puis le chien il dormait dans le salon en bas. Moi, j'étais en haut à l'ordi, j'ai lâché un gros pet, puis le chien en bas, il a fait le saut, s'est réveillé. C'est-tu voilà. Boris? Oui, Boris, le pug. Ouais. Ouais. C'est ce qui était Boris. Je savais pas que tu avais déjà eu un chien. Ça te manque-tu? Pas tant. Je pense que je suis plus. J'ai pas d'animaux présentement, mais je pense que je suis plus chat que chien. Surtout parce que c'est. Moins de responsabilité. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais pas l'impression d'avoir un chien et de le négliger. C'est plus ça. T'sais, j'adore les chiens aussi. Mais moi aussi, ben ouais, c'est ça. Ma blonde, surtout, elle aime beaucoup les chiens. Puis moi aussi, mais tu sais, je suis comme. Ah, premièrement, on n'a pas le droit où on vit. Ouais. Puis, tu sais, il se passe beaucoup de journées où on n'est pas là. T'sais. Ouais, c'est ça. Je trouve que. Moi, j'aurais peur de le négliger aussi. Mais tu vois, on dirait que pendant le confinement, on s'est dit, ben quand les animaleries vont rouvrir, on va aller chercher un poisson.
Ah ouais. J'ai le goût d'un poisson. Ouais, je pense qu'on va voir ça. Faut pas que tu t'attaches, là, parce que ça vit pas longtemps, un poisson. Et c'est bon. Ben, c'est correct. J'aurais pas le trouble de le déménager. J'avais acheté un poisson pour oui, c'est vrai. Puis le moment donné, on est parti comme 3-4 C'est drôle que tu parles au passé et que Violette a juste comme 3 ans et demi. Ça donne une idée à quel point ça vit crissement pas longtemps. Ouais, on avait acheté un bêta, puis tu sais, pour elle était bonne, hein, comprenait. Tu mettais la nourriture tout ça. Puis quand on est parti, c'est genre mon père qui allait nourrir le poisson. Puis quand on est revenu, le poisson était en dehors de l'eau. Il était collé sur la table. Il a fallu que je le décolle avec un couteau. Oui. Il y avait séché là. Violette, devant ta fille. Ouais. Ouais, elle a vu ça, on l'a mis dans la toilette, puis c'est correct. Là. Fallait que je montre. Violette, ça, ou le poisson? J'ai mis le poisson dans la toilette. Okay, là, mais, je voulais le montrer à Vivi quand elle comprenne que... T'as c'est ça qu'on Violette. Fait avec les poissons morts. T'as ouais. pas mis Violette dans la toilette comme dans papier de lutin. Non, c'est ça. Non. Hey, je pense qu'il est... Je veux pas dire n'importe quoi, je pense qu'il est toujours disponible sur la plateforme de Goodzo, mais payant. OK. Ouais, ben, pour les gens qui se demandaient s'il allait toujours être disponible, après, je pense qu'il est encore là. Non, mais c'est correct, là. S'il faut payer, au moins c'est disponible. Oui, ben oui. Dérangez pas de payer, mais là, nous autres, on l'a gratis. Mais là... Bon, on l'a vu. Là. Ouais, c'est ça. Ah, mais moi, à Noël, je voudrais écouter. J'ai skippé l'année passée, vous autres. Ouais, j'ai skippé, j'ai pas écouté. Ouais. Ah, ouais. Là, il va falloir faire de quoi, Noël? Je pense que je l'ai pas réécouté, pour vrai. J'ai pas réécouté depuis qu'on l'a écouté ensemble. Là. Ouais, Noël du campeur, un screening à 2 mètres de distance, ça se peut-tu, vous pensez? Ouais. Ah, peut-être. Dehors, en plein LP air. LP qui dit, faut que je résiste à la tentation. Pour elle, arrête de te faire violence, puis écoute, les calices, ça n'a pas de sens. Dépêche-toi avant qu'il l'enlève. Là. C'est le temps, là. Ben, il va faire comme les autres puis nous écrire comme ouais, j'ai cru voir dans votre épisode que vous avez des extraits. <C'est ça. rire> j'ai hâte de sortir notre épisode Baby Spice, les gars. Ah, j'ai hâte de l'écouter. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Tu penses que ça va durer pas loin de 2 heures quand même? Un peu moins. Un peu moins. Ah, puis peut-être même pas mal moins. Ouais, finalement, t'en coupes en masse. Là, je le resserre un peu. Là j'avoue ouais. qu'on commence. On a bu un peu pendant cet épisode-là, by the way. Tout le monde. Mm-hmm. Ah ouais? Ben peu, moi, ouais. J'ai pris juste 2 pintes. Là. C'est pas super. Là. Ben, c'est ça, habituellement, on boit une canne par épisode. Ben oui, mais là, on a enregistré pendant comme quasiment 3 heures. Ah, pas tant que ça. Fais le calcul. Pas tant que ça. C'est pas 2h40? Ouais, je te confirme que j'ai le tape. Et bref, je trouve que... Ça pour dire que, ouais, là où j'en suis, j'avais fait un peu de tri. C'est malaisant, on commence à être souple, là, c'est en fait des calls malaisants. Pas du tout, on sait tout. Je suis fier de nous, honnêtement. Bon. De nous. Ah, ben là, il fallait se tenir quand même, là, c'est une invitée. Puis, qui a été tellement bonne, by the way. Je réitère, j'en ai parlé plus tôt, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'étaient pas là quand j'en ai parlé, mais il y a un épisode spécial Baby Spice qui s'en vient. Puis notre invitée, Sarah, qui est une ex-membre des Baby Spice, a été tellement bonne joueuse. Ah, elle était vraiment cool. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. Ça se passe. Elle était très généreuse. Je vois qu'il y a pas mal de monde en ligne avec nous autres encore. Des questions? On vous écoute. Un double feature au cinéma du parc, 2 frères, papa est devenu un lutin. Christophe, je ne sais pas, peut-être tu peux m'écrire pour savoir il est où le bouton unsubscribe sur la page. 2 frères, ouais. J'ai vu ça que 2 frères allaient faire une tournée des cinéparcs, puis heureusement, il n'y a pas beaucoup de cinéparcs, fait qu'il n'y aura pas beaucoup de shows de 2 frères cet été. Mais moi, deux frères, je pense tout le temps à la série télé des années 90, là, à TVA. Là. Ouais. Le gars dans le bois. Oui! Le gars dans le bois, il est amputé avec sa jambe, puis il est dans le bois tout seul pour se ressourcer, puis il accroche sa canne de bine avec sa jambe de bois, puis il crie « Hostie! » C'est ça. Ouais, ouais. Ça, on le repluguera dans un épisode parce que j'ai l'extrait sur YouTube. C'est moi qui l'ai mis sur YouTube dans le temps. Jean-François nous demande c'est quoi votre film d'extraterrestre préféré? Et lui, il répond le 4e type. Victor répond la 4e dimension. Le film avec Mia Jovovich, c'est le 4e type? Le 4e type, je pense. Ouais. Moi, ce film-là, au cinéma, c'est peut-être le, sinon un des, mettons, top 5 des films qui m'ont fait le plus peur et de loin. Je pense que c'est vraiment le film qui m'a le plus crissé à la chienne au cinéma. Avec The Strangers, ouais. mettons.
Ouais. Oh ouais. Ouais, c'est un bon. Ça m'a vraiment fait peur. Bon, film d'extraterrestre, je pense que je vais y aller avec, avec Alien. Ouais. Ça a bien du sens. Ouais. Peut-être moi aussi. Ben quoi que Arrival, c'est un film extraterrestre, c'est très bon, mais là, il faut s'en parler plus de recul. Je viens de le voir, mais. Bon point. Ouais, on parle de ça. Moi, Alien, là, j'ai écouté ça, j'étais beaucoup trop jeune. Ouais. J'étais avoir 8-9 ans avec mon oncle qui était prof de cinéma, puis il faut que vous écoutiez ça. Ça fait penser, c'est pas toi, Jean-Gab, qui disait que Mars Attacks, ça te créait un malaise quand t'écoutais ça, celui-là. Ouais, ouais. C'est ben, moi, je seconde. Ouais. Oh, moi aussi, ça me met mal, ce film-là. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais jeune. Ça me mettait vraiment mal. Ben, ça finit en queue de poisson. Mais même encore aujourd'hui, là, ça fait partie d'un film que, mettons, on dirait que le feeling ou l'humour et tout ça, c'est le genre de truc que normalement je mettrais pour m'endormir, mettons. Ouais. Quelqu'un qui a nommé la quatrième dimension. Oh! Puis ce film-là, je me souviens d'avoir fait ça là, dans les dernières années, puis genre d'être réveillé, de pogné dans les extraterrestres. Genre, j'étais. Ah non, il est fucké ce film-là. Ouais, ouais. Tim Burton, je pense. Hein? Ouais, Tim Burton. Ouais. Puis c'est un hommage au film série B des années comme 40-50 d'extraterrestres, mais c'est vrai que c'est troublant un peu. Il y a une question vraiment intéressante ici. Est-ce que ça dérange Jean-Gab et sa famille quand il y a des invités dans son cabanon? Jean-Gab, je pense pas. Sa famille, je sais pas. Les enfants ont l'air de triper quand ils la visitent. Ben oui, en masse. En fait, non, ça fait super plaisir à ma blonde. Puis toute la seule affaire qui gosse ma blonde, c'est que c'est dans la cave que le cabanon, le studio là, qu'on a monté. Puis, tu sais, il faut passer comme dans du bordel un peu. Là. Fait que, tu sais, quand il y a un invité, je m'arrange pour ranger des affaires. Mais, tu sais, reste que c'est des boîtes empilées puis tout ça. Puis ça, elle trippe pas tant, là. Okay. D'ailleurs, j'avais comme petit projet cet été de... Je pensais pas que c'était ça. Moi, je pensais que c'était plus comme le fait qu'elle se ramasse seule avec deux désastres potentiels, deux petits monstres. En fait, le plus dur pour elle, c'est bien plus de s'assurer que les filles font pas de bruit pendant qu'on est là puis qu'on travaille, là. Ah, mais ça, c'est plus ça, en fait. On travaille. Fait que, ben non, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, quand il y a du monde, puis fait que, là, il faut qu'elle s'en aille tout ça. Non, elle est super smart, ma blonde. Je suis vraiment chanceux pour ça. Oui, je seconde. Très cool. Mathieu qui dit que je brise la magie. Ouais, je m'excuse, Matt. Ouais. Steve qui dit le contraire. Est-ce que ça dérange la famille de Jean-Gab, un cabanon non occupé dans le sous-sol? C'est vrai, hein? C'est toutes ces journées où on n'est pas là, ça prend crissement de la place dans la maison. Ouais, ça prend la moitié de ma cave. Mais t'as mes petites qui vont jouer là. J'ai mis des décorations dans l'eau. Tant mieux. Ils vont jouer. Moi, j'espère ultimement, peut-être dans 5-6 ans, qu'eux autres vont avoir leur chaîne YouTube dans notre décor. Puis c'est le décor, on va le rentabiliser avec eux autres qui vont comme monétiser leur affaire. Ouais, c'est ça. Il y en a au moins une couple qui vont faire du cash avec ce cabanon-là. Ça, c'est à l'époque où YouTube va être acheté par Disney, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, Anto. C'est fucké parce qu'on a pour en enregistrant chez vous, Jean-Gab, on a pour habitude de voir tes filles aux 3-4 semaines. Tu sais. Ouais. Puis là, on passe un esti de moment sans les voir. Fait que d'après moi, la prochaine fois que Joël puis moi, on va les voir, ils vont avoir vraiment grandi. Adèle, en tout cas, je le vois par les photos, elle vieillit vite, évidemment, elle est plus jeune. Ouais. Ouais, les deux, oui. Ben, puis Adèle, c'est vraiment, là, tu vas voir la différence. Là, elle dit comme des mots. Elle fait des réflexions, elle fait des choix. T'sais. Elle faisait pas de choix quand elle était petite. Là, tu lui demandais si tu veux-tu ça ou ça, puis elle prenait tout le temps le premier que tu lui présentais. Mm-hmm. Puis là, elle fait des choix. Puis... Elle fait le choix de se calisser en bas du deuxième étage. Ah, c'est bon, ouais, parle-moi-en pas, mon gars. Ah, j'ai deux enfants très casse-cou. C'est vraiment tough à gérer. Là. T'as vu la photo que j'ai mis l'autre, je veux dire. Ça n'a pas rapport, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai lancé, là. Tu sais, je veux dire, je la vois qu'elle faisait de la poutre. Je pense pas que tu cours assez vite pour la lancer pour aller prendre la photo. Non, tu sais, elle fait de la poutre. Puis là, je dis, je vais prendre une photo d'elle qui fait de la poutre parce que c'est cute, sa petite soeur joue broche. Puis je m'installe, je commence à prendre des photos, puis là, elle saute. Je suis comme, ah, c'est ici que ça n'a pas rapport, là. Elle fait de la poutre ou elle fait de la poudre? Un peu des deux. Ouais. La poutre comme Steve-O, tu sais, elle casse tout comme Steve-O. Ouais, c'est ça, ouais. Petit lien boboche aussi. Ben, j'ai bien hâte de les revoir. J'ai bien hâte de vous revoir tous les quatre, Jean-Gab, je te l'ai dit. Ah oui. Ben, bientôt, là. Ben bon, au moins, on a Zoom, puis c'est cool. Ah oui.
Tu allais dire quoi, Jean-Gab? Bientôt? Bientôt. T'es-tu comme c'est une date, septembre? Oh, God, c'est loin. Ça veut dire qu'on ne fera pas de barbecue cet été, ça? Ils font en profiter, en plus, septembre. Oui, c'est ça, pour ma fête, la fête de ma fille. Ils font en profiter parce que septembre, moi, à partir du 14 septembre, j'existe plus pour un petit bout de temps. What? Oui. C'est juste Cyberpunk qui sort, là, que j'adore. Ah, je pensais que tu nous annonçais que tu avais une autre jeune en chemin. Non. Mais non, en fait, le confinement me fait changer d'idée sur quelques trucs. Ah ouais? Ouais. Simon qui dit « What the fuck? » Je sais pas, c'est un « What the fuck » à Victor. C'est une réponse à Victor. Ah, OK. Charles Boulay qui vient de se connecter. Salut, Charles. Salut, ouais, Charles. Je peux juste revenir à Victor, ce qu'il disait. Avez-vous pensé en 2021, il va y avoir un film méta de Nicolas Cage dans lequel il joue lui-même qui essaie de jouer dans le prochain Tarantino et en même temps ça me dit aider quoi, le FBI à défaire le cartel. En tout cas, je pense que les mystérieux étonnants ont parlé de ça. Ça me dit vaguement de quoi. Moi, Nicolas Cage, ce temps-ci, je suis dans. Je suis partant. Je vais être là. À l'achat des films en cabanon par Disney. Ouais. Ou l'achat de Disney par les films dans le cabanon. Moi, je suis surpris. Tu sais, il n'y a pas un des dragons qui a offert d'acheter le Dr. Mobilo à Coafest. Comment ça se fait? C'est qu'on ne nous a pas encore... Ouais, c'est ça. C'est qui le dragon qui est fucké, qui se promène en tout nu? François Lambert. Ouais, c'est ça. Lui, il pourrait peut-être nous acheter. C'est vous autres, puis quelqu'un, lors d'un passage au Grand Bois, à Saint-Casimir, qui m'a parlé de ça. François Lambert, je ne savais pas, moi, qu'il faisait ça. Je me suis abonné à sa chaîne, puis dès le lendemain, je voyais des vidéos de lui en chess en train de brasser du sirop d'érable ou je sais pas quoi. Il se prend en Segway dehors. En campagne. Il a dû se calmer. Ben non, pas tant. Mais là, il fait une couple de lives. Il fait des lives en buvant du café. Pour vrai, c'est niaiseux quand on dit ça de même. C'est niaiseux, mais... ça marche, ces affaires, à cause de ça. Je sais pas quoi en passer. J'ai un de mes amis qui est entrepreneur, puis je sais qu'il tripe sur ce gars-là, puis qui est comme un modèle pour lui. Moi, sur une gig de vidéo, je l'ai déjà filmé, puis j'étais comme, c'est pas dénué de sens, ce qu'il dit. Mais après ça, je vois ses vidéos de lui en chess qui fait du popcorn chez eux. Ah, c'est Taillefer qui a voulu acheter le Mobilo. Ouais. Ah oui, c'est vrai, mais oui. C'est vrai. Merci, Matt. Lambert, je l'ai entendu à la radio, je ne le connaissais pas. Puis juste en entendre, il me tapait ses nerfs. Ben, c'est quelqu'un d'intriguant, en tout cas. Oui, mais il est spécial. Il fait des interventions à des trucs genre à Cube Radio, puis des fois Radio X. Puis tu sais, il va dans le controversé des fois, puis des fois, souvent. Je peux comprendre quelqu'un qui ne l'aime pas, mais quand il parle affaires, là, il est assez ouvert là, de son. Lui, comme un commerce d'érable, là, de barbe, de dragon d'érable. Il révèle pas mal tout, comment les étapes qui passent. Fait que, pour un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aimerait ça être entrepreneur, il est quand même intéressant. Exactement. Puis tu vois, il parle de popcorn. Fait que moi, écoute, il pourrait avoir comme 14 000 esclaves dans sa cour. Il parle de popcorn. Vous voyez, je viens de tomber en mode cabanon avec le micro dans les mains sans le pied. Ah, c'est ça. T'as tanné de gosser après mon pied. Bon, y a-tu d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça tire à sa fin. Là. Tu crois? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous vous sentiez vraiment mal pour l'équipe de tournage après avoir vu un film vraiment mauvais, mais que vous sentiez que l'équipe avait une bonne volonté de faire un bon film? Moi, c'est sûr, quand on s'attaque à des films faits par des artisans qui sont plus près de nous, que ce soit dans le temps ou dans la position géographique. Fait que tout ce qui est, mettons, Rogers Normandin, qui est quelqu'un de Shawinigan qui existe toujours, ou Dominique, qui a fait Papa est devenu un lutin, qui est à Montréal, qui a tourné avec un humoriste, qui n'est pas à des mille des gens avec qui je travaille au quotidien, mettons. Ouais, ça, je me sens plus mal un peu. On dirait que c'est plus facile de se moquer de... C'est con, c'est niaiseux ce que je vais dire. C'est plus facile de se moquer de gens, d'un film, mettons,
indonésien. Ben, plus loin, là. Genre, c'est plus facile de se moquer de La Revanche de Samson, qui est un film dont à peu près toute l'équipe est décédée aujourd'hui, qui a été tourné de l'autre côté de l'Atlantique, que de se moquer de Papa est devenu un lutin, qui a été tourné l'année, il y a 3 ans, à Montréal. T'sais. Ben, le scaphandrier, là, tu sais, c'est quand même. Tu vois, qu'il y avait un effort quand même là-dedans. Il y a quand même de l'amour dans ce film-là, mais qu'est-ce que c'est pas bon. c'est mauvais. On a même checké le bonus, une entrevue avec le réalisateur. C'est comme, il est tellement fier. Mais... Voilà. Je vais essayer de lire le commentaire de LP, mais c'est long. Dom Massy avait fait un bon gag sur lui en comparant à Iron Man, car il y a une photo où il rock le style exact de Tony Stark dans les films. Ouais, peut-être. En parlant de François Lambert, là, les gars. OK, OK. Ouais, peut-être. Peut-être que François Lambert, c'est notre Tony Stark. Peut-être. Ouais. Mais moi, honnêtement, je pense que c'est plus Guy de la Liberté, notre Tony Stark. Là, le gars qui a été dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Sur une île déserte, un bon et un mauvais film à emporter avec vous. Je pense avoir déjà répondu à ça. Ouais, je pense dans, pas, allons-y. Dans notre épisode Q&A, je pense qu'on avait répondu à ça. En gap, t'as-tu une réponse à ça? Starship Troopers. Comme... J'ai la misère à dire que c'est un bon film. Je sais pas si c'est un show by the good, mais c'est un bon film. Ça dépend, c'est qui répond. Ouais, c'est ça. Ouais. Starship Troopers, puis... Mais mettons un mauvais film, vraiment. Starship Troopers, c'est parce que c'est fucked up. Je sais pas pourquoi j'aime ce film-là à ce point-là, mais il y a de quoi, là. Un mauvais film. I don't feel hurt. Non, je l'ai pas assez. C'est son bon film. Ouais, c'est ça. Un Talking Cat. Juste parce que c'est récent. Là. Ouais. Moi, peut-être, je pense que j'avais répondu Dumb and Dumber. Puis The Room, je pense, comme mauvais film. Dumb and Dumber comme bon film. Comme bon film, ouais. Ah, c'est une assez bonne idée, ça. Ça fait bien film. Ben ouais, mais c'est parce que je parlais comme moi, c'est ça. J'ai... Oui. Tui sais, si t'as un film, t'as juste un film que tu peux écouter, t'as aussi bien prendre une comédie. T'sais. Ben ouais, c'est pas drame, fou, ça. C'est pas fou. Ouais. En même temps, j'aime l'horreur. Faudrait que je trouve une bonne comédie puis un film d'horreur poche. Ouais. Fait que j'amènerais Zach et Miri ou Harold et Kumar 1. Puis Winchester. Peut-être. Non, ça, c'est vraiment poche-poche. Mais peut-être, non, The Granny. Je sais pas. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est bon, The Granny? Hobgoblins. Il là là. T'as pas une coupe de. Hunting Ground. Là, voilà, il y a des commentaires. J'ai pas vu ça, mais. Ça me dit rien. Je sais que récemment, je n'avais parlé. Je sais pas si c'est au dernier live que j'avais parlé de. Blood Quantum. Ouais, oui. Là, il est disponible. Je ne l'ai pas vu encore. Ouais. Je vais essayer de l'écouter d'ici à ce qu'on reparle encore sur notre page. C'est sûr, je vais voir ça. Là. Je sais qu'il est disponible en VOD. Il est disponible sur iTunes. Je vais essayer d'aller le chercher. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu que des bons mots passer là-dessus. Hey, j'en reviens, ça pas long. Ouais. Sinon, La fille du Martin. C'est mon mauvais film québécois. Les images sont belles. On dirait une infopub de la pourvoirie familiale de l'acteur principal. C'est vraiment La fille du Martin et non La fille du marin, mettons, Kiki. La fille du Martin. Antoine Auclair qui dit « Je prendrais Mad Max, Fury Road puis Samurai Cop. » J'imagine Mad Max est le bon film, Samurai Cop est le mauvais. Ben, c'est une excellente réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui ont envie de répondre. Quel bon film vous amèneriez sur une île déserte et quel mauvais film? J'avoue, je n'y pense pas souvent, mais ce film-là m'a vraiment fait capoter. Mad Max? Ouais. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Impressionnant. Je ne pense pas l'avoir écouté, en plus. Moi, je l'ai réécouté, par exemple. Je n'avais pas vu un. J'avais pas vu 1, 2, 3. Ah ouais? Moi, je pense que j'avais juste vu le. Je me souviens pas d'avoir vu le premier. Je me souviens beaucoup sur le 3, là, avec le dôme, je sais plus quoi, là, avec le. Okay. Non, ça te dit rien. Okay. Non, j'ai vraiment, vraiment rien vu. Vraiment. Mais le dernier, je l'ai vu en salle, peut-être avec Joël, peut-être avec toi, je sais plus. Avec un ami. Puis, j'avais vraiment trippé. Puis, j'ai joué longtemps au jeu de PS4. Quand je me suis acheté à PS4, c'est un des jeux que j'ai joué beaucoup, beaucoup. Mais c'est comme un open world sans fin, avec énormément de side quests. Je me suis tanné à un moment donné. Ah ouais, tu l'as pas fini?
Non, non, c'est long, 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 long. Ouais, il y avait de l'air bon. Il y avait de l'air bon. Mais c'est le fun. Je prendrais Inglourious Basterds de Tarantino puis Mario Bros. Excellent choix, François Deschênes. Sleepy Hollow puis The Granny pour Alex Giroux. Nice. Excellent choix aussi. Ben ouais, excellent choix. Il est bon, Sleepy Hollow. The Dark Knight puis Batman et Robin pour Frédéric. Tabarouette, oh, excellent, excellent choix. LP Langlois, Hot Fuzz, comme bon choix, j'imagine. Ouais, ben ouais. Order of the Black Eagle, ça, je connais pas LP, par exemple. Des belles réponses que vous avez là. Des belles réponses. Joël Retour. C'est quoi, Joël, le mauvais film que tu amènerais? The Room, je sais que c'est pas très The original, Room. Mais. On se tanne pas, hein? Ouais. Faut ouais. Laisser passer une couple de jours quand même. Mais peut-être, non. Je pourrais trouver autre chose, mais. Mais je pense que dans l'épisode Q&A, j'avais répondu ça, me semble. Mais. Okay. Ben, tu as de la suite dans les idées. D'autres questions? Moi, j'en ai une pour vous autres, les gars, en attendant qu'il y ait d'autres trucs qui popent dans nos commentaires. On a parlé des films qu'on a écoutés ces derniers jours, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous prévoyez écouter d'ici à ce qu'on se reparle live? Je sais qu'on enregistre un épisode, nous, dans deux jours. Tu peux m'ouvrir ma liste Netflix, on va te dire ça. Non, mais tu sais, je sais que, mettons, Joël, toi, tu prévois des trucs avec ta copine là, quand tel soir, on écoute telle affaire. Ben, en fait, on prévoit pas. Des fois, on prévoit pas, puis on passe une heure juste à choisir quel film qu'on va écouter. Classique. C'est parce ouais. que il y a des films que je vais écouter, mais elle, non. Fait que c'est ça. C'est... Elle aime pas l'horreur. Fait que des films d'horreur que vous me parlez tout le temps. Mettons, What's Up in Time in Hollywood, je sais que ça ne l'intéresse pas vraiment. Puis c'est 3 heures. Fait que ça, je l'écoute tout seul. Fait que ça, ce serait le fun. Ben, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mon. D'ici le prochain live, mettons, que je l'aille écouter enfin. Mais c'est un peu comme Holmes and Watson, ça a tellement pris du temps avant que je l'écoute, cette crise de film. Oui, mais quand tout le monde te le vend comme étant une sombre merde, c'est tough. Là. C'est vraiment tough de faire comme bon, ben, tu sais, une soirée d'une vie, hein. C'est important. On n'a pas de temps à perdre. Tu sais, des mauvais films, on écoute dans le cadre de notre projet. Puis j'en parlais plus tôt pour les gens qui restent. On a été invités à participer. À 70% au live de Tommy Godet de douteux.org. Tu sais, puis quand je pense à ces gens-là, au God Total Crap, à Simon Pred, tu sais, c'est des gens qui ont écouté des sombres merdes en dehors, je pense, de leur projet. Puis nous, tu sais, on se concentre là-dessus quand on travaille sur les films dans le cabanon. Tu sais, puis le reste du temps, bon, on écoute des bonnes affaires, des affaires récentes. Ben, du moins, c'est ce qu'on essaye. Des fois, j'ai tellement peur de trouver. Tu sais, j'aime mieux écouter un film. Des fois, je passe du temps sur Netflix à juste chercher un film que je connais, que j'ai jamais vu, puis que je veux voir. Tu sais, un film que. C'est rare, je vais prendre un film random. Moi, ça, comme au club vidéo, tu regardes l'arrière de la cassette. Moi, essayer ça, tu sais, puis que d'être juste. Mais, être déçu. Tu sais, j'essaie de. Ouais. C'est ça, tu sais. C'est pas toujours évident. Là. Je te comprends. Des fois, il y a quand même de belles expériences qui ressortent de prendre un film random. Plus tôt, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a parlé du film La Plateforme sur Netflix. Ouais. Qui est un film que j'ai juste fait comme, bah, je l'écoute. T'sais. Au bout de 2-3 jours après que ça soit sorti sur Netflix, je voyais un peu de bons mots passer. Mais tu sais, pas trop fiable. Un peu dans le même genre que quand Véronica est sortie, puis que c'était comme le film d'horreur que tout le monde arrêtait après 45 minutes parce que c'était trop épeurant. T'sais. Fait que j'ai écouté La Plateforme, puis j'ai fait comme, ben, il y avait beaucoup de fun. Je dis beaucoup de fun, c'est un peu décalissant comme film, mais c'est un bon film. C'est un film que j'aimerais voir, ça. L'as-tu vu, Jacob? Non, je l'ai pas vu, mais je me trompe-tu que c'est un peu comme Cube, mettons? Ouais, ok, c'est ça j'avais comme feeling. Ouais. Mais peut-être plus philosophique, un peu. Là. Ok. Ouais. Mais... Je vais écouter ça. Moi, c'est sûr que d'ici la prochaine fois qu'on se parle, je devrais avoir tout écouté les Aliens puis les Alien vs Predator. J'espère qu'on se parle pas trop vite parce que c'est quand même une couple de films. Ouais, mais Jean-Gab nous a dit tantôt ces films qu'il a écouté depuis le dernier live, puis il y en a plus que nous autres. Là. Il y en a plus que nous deux. Là. Oh, ouais. Ben, t'as nommé comme une dizaine de films tantôt, au moins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quand même. Ben, 11, mais là-dessus, il y a une affaire, c'est Brooklyn 99, c'est un 22. Ouais.
Puis c'est tous des films que tu as écoutés de A à Z ou c'est des films. Il y avait des films de dodo là-dedans que tu t'endormais après une demi-heure, même pas. Mais les films de dodo, parce que j'y remets deux puis trois soirs jusqu'à temps que je l'aille fini. Mettons, Anchorman, je l'ai écouté peut-être en trois jours, mettons. Ah ouais. François qui nous dit je vais faire un bout de bonne soirée à vous autres, je vais checker la vidéo pour le reste. Ben, on achève, François. On achève. Il devrait écouter les 15 dernières minutes. Puis bonne soirée, attention à toi. Seb qui dit si vous voulez être surpris, sorry to bother you. Ça me dit rien, ça. En fait, okay. c'est un titre qui m'est pas inconnu, mais moi, non plus. J'arrive pas à me rappeler c'est quoi. Vous regardez combien de films par jour ou par semaine? Avant le confinement, moi, personnellement, j'écoutais des films principalement au cinéma, puis le reste du temps, j'écoutais un peu plus des séries. Puis avec le confinement, on dirait que j'en ai profité pour écouter beaucoup de films. J'en écoute, je veux pas dire un par soir, parce que je skip peut-être un ou deux soirs par semaine, mais ça ressemble à ça, un par soir. Moi, depuis le confinement. Ces temps-ci, peut-être 3-4. Puis j'ai envie de continuer ça, parce que je fais des belles découvertes. Ouais. J'écoute des films que je suis comme... Je m'en veux de ne pas avoir écouté ça avant. Puis, tu sais, ça... quand on dit que ça manquait à ma culture, là, il y a vraiment des films que je découvre dans les dernières 6 semaines que je suis comme, ouais, ça manquait à ma culture. Ouais. Et je dis 3-4 par semaine? Pas ouais. Par jour? Là. OK. Ah, ben, par jour. Non, non, par jour. Non. Même un par jour, j'aurais de la misère. Là. Ah ouais? OK. Alors, ben, je serais capable. Je serais capable, juste que tu sais. Je joue à des jeux aussi, moi des fois sur YouTube aussi. T'es sûr. C'est ça. Moi, là-dessus, c'est vrai, dans les films que j'ai pas écrit, La Reine des Neiges 2, que j'écoute à peu près une fois par jour. Puis j'ai fait écouter Nemo à mes filles. Ah ouais? Tu as aimé? Ouais, Vivi, elle a vraiment aimé ça. Vraiment. Adèle, t'es plus jeune qu'il y a un an et demi à peu près. Les films, ça y parle-tu un peu? Tente 2, mettons. Mais de plus en plus fasciné quand que. Mettons, elle voit sa grande sœur rire, fait qu'elle va rire aussi, mettons. Là. Ah, c'est drôle. T'sais, ça. Fait que, ouais, elle commence. On parle beaucoup des filles à Jean-Gab. Les gens qui sont live avec nous autres, avez-vous des enfants? Est-ce qu'ils écoutent des films? Avez-vous exposé à des films? ASV. Moi, je sais que je peux plus mettre. C'est quoi que dans le début de Nemo? Quand ouais. La blonde du père de Nemo se bouffait par des barracudas pis tout là. C'est comme un peu épeurant, là, genre Adèle, la petite, a comme fait comme si elle est rendue super expressive. Fait que je me rends compte que je peux pas mettre n'importe quoi. Je peux pas y faire écouter n'importe quoi. Je peux pas écouter les aliens avec. Avez-vous un souvenir d'un film que vous écoutiez quand vous étiez petit puis qu'il y avait un bout que vous n'étiez pas capable de voir parce que vous aviez peur? Non, man. Non, c'est un peu plus vieux que c'est venu, ça. Ben, plus vieux, mettons, OK. T'avais quel âge? Ben, genre, quand j'ai commencé à écouter des films d'horreur, il y a des affaires dans les films d'horreur que c'était au point que j'avais du mal à dormir tout seul dans ma chambre. OK. Comme mais, quoi? Quelqu'un d'enterré vivant, mettons, j'ai pas un film précis en tête, là. Ouais. Il y avait une annonce à TVA avec un film avec quelqu'un qui se faisait enterrer vivant, puis ça m'empêchait de dormir. OK, juste une annonce quand même. Moi, ben, c'était assez graphique. Là. C'était quelqu'un qui se faisait pitcher des pelles de terre d'en face. Ouais. Ryan Reynolds qui a fait un film. Ouais, c'est plus tard, ça. J'étais plus vieux. Okay. C'est moins pire. Moi, c'est pas un film d'horreur. Quand j'étais petit, j'avais peur de Who Framed Roger Rabbit, la scène où est-ce qu'à la fin. Fait qu'il se gonfle, le méchant il se gonfle, puis ses yeux ils tombent à terre. Ouais. Ce plan-là, j'étais pas peur de le voir. J'avais déjà vu, puis à chaque fois qu'il arrivait, je me cache tes yeux. Puis, c'est ça. C'est drôle, ça. J'avais genre 5 ans, je sais pas. Mais il est fucked up, là, la fin du film. Là. Ben, ouais, il y a des bouts, ouais, il fait un peu peur, là, le méchant à la fin. Ouais. Il se transforme en cartoon. Là. Même quand il met des cartoons dans les genres de barils d'acide. Là, ouais, c'est assez. C'est quand même, ouais, c'est ça, c'est un peu dark. Il y a des beaux commentaires, des beaux témoignages. Mathieu qui dit ma fille de 12 ans et mon gars de 9 ans trip. On a regardé Onward, le dernier Star Wars. C'est cool ça. Onward, là, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment Benjamin Bourbonnet qui dit une fille de 5 ans, j'écoute beaucoup de films avec elle. King Kong, Godzilla, Avatar. Quel King Kong pour le fun? Quel Godzilla? Mm-hmm. Des trucs comme Reine des Neiges, ben, c'est quand même diversifié. C'est cool de montrer des choses différentes comme ça.
Stormy Denis Lambert qui dit « On défonce à soi. T'étais où les trois dernières heures? » Alexandre Lavoie qui dit « Élimine Imagimo, l'épisode de Barbe Bleue. Me foutait la chienne quand j'étais jeune. » ça me dit de quoi, mais... Il était pas dans les escaliers à un moment donné. Puis les gens... Ah oui, il me semble que... Ouais. Et moi, j'ai souvent entendu parler de ça. J'ai jamais vu ça. Ben moi, je suis limite trop vieux, trop jeune pour ça. Je n'étais pas connu ça, Anto. C'est comme c'est fin 80, je pense, cette émission-là, avec Joël Legendre. Inimini, raconte une histoire, quelque chose de genre. Qui d'autre jouait là-dedans? T'en souviens-tu, Jean-Yan? Vous souvenez-vous de ça? La face cachée de la lune avec Bill Paxton? C'est Frédéric Forget qui dit « J'ai vu ça et ça me faisait faire des cauchemars. » Moi, la face cachée de la lune, c'est Robert Lepage. Que je ne sais pas. Avec Bill Paxton. Ouais. C'est-tu une traduction d'un film que je connais sous son titre anglais, mettons? Je ne sais pas. Le début de Ghostbusters pour Matt. Gremlin, dit j'avais très peur de Gremlin 1 puis de l'obscur film québécois Le Chaperon Rouge. Hein? Il y avait un film québécois Le Chaperon Rouge. Oui. Le Chaperon Rouge. Je me mélange peut-être. Le Chaperon Rouge, ça me dit quoi? C'est un film des années 80, c'est ça. En tout cas, c'est loin dans mes souvenirs. C'était un premier film d'horreur. The Fly. Ouais, à quel âge votre premier film? Je voulais pas vous couper, les gars. À quel âge, j'ai premier film d'horreur? Ah, Caroline qui dit à quel âge votre premier film d'horreur? Moi, il y a deux films d'horreur dont je me rappelle comme étant peut-être les premiers que j'ai vus. C'est Jeepers Creepers 2. Ouais. Mort de peur 2. Non, Chris, t'as quel âge, toi? Est-ce-tu 12 ans? J'imagine que vous autres. Ça, c'est peut-être le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma sans ma mère, avec une amie, mettons. Puis Freddy versus Jason. C'est une comédie, c'est pas un film d'horreur, ça. Ouais, c'est... Moi, c'est The Exorcist. J'ai vu ça au cinéma parce que je suis vieux. Non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, je pensais. Non, mais pour vrai, je pensais. Ah, mais ils l'ont repassé au cinéma. Ouais, mais j'ai pas vu. Mais pour vrai, j'ai sûrement vu des films d'horreur avant ça, mais je pense que, mettons, j'avais peut-être 12 ans. Là, on avait loué ça, mais. J'ai sûrement vu d'autres choses avant ça, mais je pense que moi, y aller avec ça. C'est quoi? Avec. The Exorcist, là, de l'original. Ouais. Moi, je pense que c'est le vampire, vous avez dit vampire, là, celui des années 80. Ouais. Quand j'étais fucking jeune, mais comme je dis, moi, je faisais souvent un tour chez mon oncle qui était prof de cinéma. Fait que des films d'horreur, entretien avec un vampire, ben quoi, c'est pas super épeurant, mais j'écoutais ça, j'avais pas. Ça fait deux fois que tu dis ça à soir, ton oncle, prof de cinéma, c'est-tu l'oncle que je connais? Non. OK, parfait. Non, c'est beau. C'est pas mon oncle Claude, non, c'est mon oncle. C'est pas celui avec qui on a été au cinéma ensemble. Non. Non. Ça aurait pu. Oui. Mais non, c'est ça, mais lui, il nous faisait écouter les aliens, je devais avoir 8 ans. Là, fait que, nice. Ouais. Moi, j'ai vu c'est pas un film d'horreur, mais Die Hard, j'ai peut-être vu à 8-9 ans ce film-là. Puis ça passe dans le temps des fêtes. Parce que ça fait une Ça fait une ben oui. Ouais. J'aimais ça. On prend-tu, on va faire comme à sous-écoute, on prend-tu une dernière question? Avant on pourrait. Ouais, si elle est bonne, il faut qu'elle soit bonne. On a de la pression. Une dernière question. Il reste quand même un peu de monde en direct. Une dernière question. On y va. Ça peut être long si on ne parle pas en attendant la question. C'est ça. On est là, on regarde. J'avais vu Child Play à 10 ans. Ouais. Tu checkes les poupées après ça qui traînent pas trop loin de chez vous. Halloween 1. Ouais. Intéressant. Ça, c'est faudrait quelque chose du rattrapage d'Halloween. J'ai juste vu le premier. J'ai pas vu les remakes non plus. J'ai vu le premier pour pouvoir écouter celui de David Gordon Green, le dernier qui est sorti en salle. Ouais. Qui était la suite directe du premier. Ouais, c'est fucked up ça. Fait que tu sais, j'ai écouté. Ben, c'est fucked up, mais en même temps, j'haïs pas ça, moi, cette idée-là de faire comme
Mais tu sais, tout le monde a trippé sur le premier, moyen c'est les autres. Pourquoi aujourd'hui, en 2020, on ne ferait pas la suite ouais. du premier? Ouais. Puis elle était super bonne, by the way. Ouais. Celle de David Gordon Green. Ouais, ouais. OK. J'attends les deux autres. Ouais. On parle plus des films de Rob Zombie, les remakes. Je les ai pas vus. Ouais. J'ai même pas écouté, moi, le. Voyons, la suite de Devil's Reject, puis. Non plus. Oh, la main. Trey Fermel? Ouais, c'est ça. J'ai pas écouté ça. Ouais. Comme j'avais vraiment trippé le House of a Thousand Corpses. Et... J'ai rien vu de Rob Zombie. Mais... Oh shit, hey, ça, mon gars, c'est bon, là. Que c'est bon. À cause de vous, j'ai écouté le film d'Adam Sandler sur Netflix, un peu déçu à la fin. Tu parles de Uncut Gems ou de Six Ridiculous? Ouais, c'est ça. Mais Uncut Gems, on spoil pas, par exemple. Jean-François qui dit « Tous les vendredis 13 valent la peine une dizaine. » Moi, un vendredi 13 chez Sunrise Record où j'achète mes Blu-ray DVD, il y avait la collection Blu-ray des vendredis 13. Je l'ai acheté à faible prix, genre à 13$. C'était comme une journée concept, là. Puis, no joke, j'ai écouté « Ah, Jean-Gab était tanné, il a callé son cas. J'ai écouté de 1 à 6 de Vendredi 13, puis j'ai fait « Ouais, c'est vraiment 6 fois le même film, puis je me suis pas rendu aux autres. » Ouais, c'est ça. Mais les Halloween, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, là. Les suites. Halloween, il y a des films qui ont essayé, je pense, qui étaient vraiment chanceux. Oui, le 3. Des anthologies comme le Season of the Witch, je pense. Ouais, ouais. Il y a H2O, je pense, de Halloween que j'ai peut-être vu. Là, ouais, je sais plus. À l'époque où encore je louais des films, je m'en torchais. Ouais. Le film d'horreur qui vous a fait le plus peur? On pourrait se laisser sur cette question. Ouais, mais il y a une autre question avant. Juste Simon Fortin, avez-vous écouté un des films de Godfrey Ho? C'est ridicule. Je vous conseille Hitman le Cobra. Oui, j'ai écouté Hitman le Cobra. Puis ce qui est sur YouTube, Philippe! Je sais où tu te caches. Viens ici que je t'ai vu t'enculer. Salaud! C'est ça, là. C'est au début et à la fin du film. C'est entre ces deux bouts-là, c'est pas écoutable. Ce personnage-là qui crie, il est juste là au début et à la fin. Ça veut dire qu'ils ont comme rabouté deux films ensemble. Puis c'est pas très bon. Mettons pour le cabanon, pas sûr. Puis non, c'est ça. C'est ça, mais je pense que vous autres, ça vous dit rien. Hitman le Cobra. Ça me dit vraiment rien, moi, personnellement. Tu cherches mauvais doublage sur YouTube, puis tu l'as. Là. OK. Hey, Jean-Gab, qu'est-ce que t'en dis si on se laisse sur la question le film d'horreur qui vous a le plus effrayé, qui vous a fait le plus peur? C'est Natacha qui demande ça. Moi, je pense que c'est The Strangers. Ouais. Ça vous dit-tu de quoi, l'avez-vous vu? Le premier, évidemment. Non. Je veux juste rappeler l'année. Je pense que c'est genre 2008. Ça se peut-tu? Moi, je... 2008, exactement. Ce film-là m'a empêché de dormir la nuit après que je l'ai vu. Puis je l'ai revu avec, encore une fois, mon ami Perruque, le gars avec qui j'ai partagé des burgers du White Castle et beaucoup d'anecdotes de vie, en fait. Là. Vraiment beaucoup. Un film de Brian Bertino qui a eu une suite il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, puis c'était moyen. Peut-être parce que le premier était tellement effrayant dans ma tête qu'il n'y avait aucune chance pour que le deuxième soit intéressant pour moi. T'sais. Ouais. Le premier m'avait tellement fait peur, là. Moi, j'en écoute pas énormément des films d'horreur, mais un qui m'a marqué, mais qui était excellent aussi, c'est Héréditaire. Ouais. Mais je sais qu'il y a des films plus épeurants que ça, mais celui-là, c'est que, OK, il y a quelque chose. Là, c'est léché comme film d'horreur. Ouais, c'est solide. Ouais. Il y a Lake Mungo qu'il faut que je voie. Là. Ouais, c'est effrayant. Mais Héréditaire, à travers une... C'est sorti en salle aussi, Héréditaire. Oh, ouais. À travers une batch de films de studio, comme je disais plus tôt, qui sont crissement oubliables. Ouais. C'est vraiment comme du craft d'honneur du cinéma d'horreur. Ouais. Il y a Héréditaire qui pop, puis t'es comme... Là, 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 ça fait filer mal, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était efficace pour ça. Mais je l'ai vu à un âge où j'en avais vu d'autres, puis je l'avais vraiment apprécié, Héréditaire, mais The Stranger, je l'ai vu à un âge où peut-être j'étais plus facile à effrayer.
Ouais. J'engage, je pense que ton micro est fermé. Ça fait quoi? Oh oui, il était fermé. Ah, ouais, ouais. Ah, j'ai fermé quand je suis allé aux toilettes. Moi, un film d'horreur, pour vrai, je pense que ce serait. As-tu 25 fois tu réponds pour on t'entend pas? Ou... Non, pas tout. Non, j'essaie de commenter par-dessus. C'est comme moi, mettons, Héréditaire, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai pas trouvé ça effrayant. Non? Ben, il y a des bouts. En fait, il y a des bouts, mais pas tant. Je pense que la conjuration, pour moi, est venue me chercher plus. Ouais. C'est vrai que c'est efficace. Aussi, c'est diablement efficace. Moi, juste le bout que, tu sais, comme la madame est dans les escaliers, là, puis là, de l'ombre, t'as des mains qui sortent, qui font. Ouais. J'étais dans la bande-annonce. J'étais dans la bande-annonce, mais ça m'a donné des frissons, là, des orteils là, jusqu'en arrière, dans le cou. J'étais comme. Et ouais, moi aussi. Moi aussi, mais j'avais pas vu la bande-annonce, donc ça a été efficace. Si, bon. C'est ce genre de. Ouais. Je l'avais vu, puis ça m'a foutu à la chienne. Ouais, ouais, moi aussi, je m'en suis. C'est les bases, je l'ai dit souvent en podcast, c'est les bases d'un univers qui est somme toute assez ordinaire. Ouais, mais le premier Conjuring, même le deuxième, les films de James Wan, en fait, c'est réussi. Pour le reste, c'est tough. Le deuxième Annabelle de David F. Sandberg est quand même impressionnant. D'ailleurs, si jamais il y a des jeunes cinéastes, des cinéastes qui nous écoutent, David Sandberg, qui a réalisé Lights Out, Annabelle 2, puis Shazam, que Jean-Gab n'a pas aimé, a fait des genres de making-of de ses courts-métrages, puis des vidéos où il explique ce qu'il a appris en tournant des films hollywoodiens sur sa chaîne YouTube, et c'est vraiment intéressant. Moi, je suis tombé là-dessus dans les derniers jours. Il a décidé de faire un court-métrage avec sa femme pendant le confinement. Sa femme, qui est comme l'actrice... de ce qui était la genèse de sa carrière à Hollywood, tu sais, qui était l'actrice de ses courts-métrages Lights Out et toutes les autres déclinaisons. Tu sais. Puis il en a fait un autre pendant le confinement, puis il a tourné un making-of qui était comme 4 fois plus long que le court-métrage. Mm. Et c'est vraiment intéressant, puis tu te rends compte, tu sais, à quel point le gars est vraiment près de nous. Tu sais, il tourne avec une caméra auquel on a accès, puis il éclaire avec de la broche quasiment. Là. C'est quand même vraiment trippant ce qu'il y a sur sa chaîne. David Sandberg, quoi. Ouais, ouais, puis il est bon son court-métrage qu'il a fait en confinement. Ouais. Mais pas autant que le making-of. Alex qui dit Sinister m'a vraiment fait peur. C'est vrai que c'était. Le premier était peur. Le deuxième était moyen, mais le premier était fucking efficace. Avez-vous la série Marianne? Moi, non. C'est-tu la série française sur Netflix? Je pense que c'est ça. C'est fait descendre un peu, ma connaissance. Ouais, je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue, là. Mais pas ça m'intrigue pas mal. Non, ça m'intrigue. C'est une affaire avec des je sais pas, comme des sorcières ou je sais pas quoi, là. Non, Sabrina, là. Sabrina? Hey, la dernière saison de Sabrina, on en a pas reparlé ben, là, mais... Ouais. Ça commence, là... Ça donne 100% raison à Anto. OK, ça m'a parlé. Je vis avec quelqu'un qui travaille fort pour que ce soit bon, mais honnêtement, t'sais, une fois par semaine, je vois un épisode de Sabrina, tu sais, puis je suis comme... Non, mais mettons, pour vrai, il y a plus d'épisodes de style teenage dans cette dernière saison-là que les autres, mais il y a vraiment encore des très bons épisodes trash. Okay. Bon, on arrête ça là. Ça, ouais, je pense que c'est la dernière question. 23 heures, c'est une belle heure pour terminer. Ouais. Merci beaucoup aux gens qui ont été là depuis le début. Content de vous avoir jasé ça, les gars. J'espère qu'on va se revoir dans le cabanon bientôt. Septembre, c'est encore loin. Si on peut se voir avant, tant mieux. Au pire, on mangera des burgers chacun dans notre char au ciné-parc. Ça, c'est ça. Ou des pogos. Sinon, deux choses. Surveillez notre épisode de mardi prochain, spécial Baby Spice. Oui. Et sinon, le 18 mai, pour ceux qui connaissent Tommy Godet de Tommy de douteux.org et de 70%, il va avoir un set de VJ avec nos sélections de clips cringy, en plus d'un film qu'on va suggérer qui s'enligne pour être Destin animé avec Michel Courtemanche. Ouais. Les gens qui ont envie d'écouter Michel Courtemanche au complet, d'après moi, ça va se passer le lundi 18 mai avec Tommy Godet sur son Twitch. Puis je vais probablement jaser une dizaine de minutes avec lui aussi vers 18h30. Fait que 18 mai, suivez Tommy Godet si vous avez envie d'entendre parler des films dans le cabanon puis du film de Courtemanche, Destin animé. On se dit bye! Hey, parfait. Bye tout le monde, merci beaucoup!